Yes, et puis ben, le show live commence maintenant, fait que je vais éteindre mon téléphone. Et maintenant, je sais pas comment éteindre. Si quelqu'un dans le chat peut me dire comment éteindre Periscope, ça serait le temps. Pour vrai, je peux avant d'éteindre Periscope. Hey, ok, on arrête la diffusion, et voilà. Salut tout le monde, bienvenue à cette 38e, 39e édition de Bob le Chef Live. Hey, ça sent le printemps dans notre cuisine, on est content, il fait beau dehors, il fait chaud, on a l'été sous la peau, c'est l'heure pour une Miller dans la toune originale, mais moi je bois de la 50. Hey, vous êtes en feu dans le chat, je suis content de voir que mes amis français, même si on avance l'heure en Amérique, vous êtes du rendez-vous, je vois Wallace et Gromit, Cécile Top Chrono, Newton Lee qui est déjà avec nous autres, Adelphus 515, Olivier Duguay, Frenchy Foodie, Bertrand, hey, vive la France, merci d'être là à tous les cousins français, pour vrai, on a un show absolument électrique pour vous autres aujourd'hui, frissons calme, absolument, on part le show avec des frissons, let's go Alexis, on a un nouvel angle de caméra, on va tester aussi, frissons ici, ça marche-tu bien? Frissons ici, yes. Ouais. C'est des vrais frissons en plus, vous voyez, c'est Actor Studio, vous pouvez pas faire mieux. Bon, hey, gros week-end, pour vrai, j'étais au Salon Expo Manger Santé ce week-end, où c'était un salon qui faisait la promotion de la saine alimentation et de tout ce qui est végétarien. J'ai rencontré une tonne de gens super sympathiques, beaucoup trop même pour que je me souvienne de tous vos noms et que je vous mentionne aujourd'hui. Mais juste vous montrer, je suis maintenant membre officiel, on peut le montrer plus proche ici. Oui, je suis membre officiel, j'ai eu ma carte de membre de l'Association végétarienne de Montréal, absolument. Donc, écoutez, c'est pas une secte comme les Raéliens, ok, ou les Témoins de Jéhovah. C'est quand même un organisme cool. Je leur ai dit hein, d'emblée que je mangeais de la viande dans la vie. Et puis, ils m'ont accepté à bras ouverts. Ce qu'ils font finalement, l'Association végétarienne de Montréal, ils font la promotion hein, de tout ce qui est fruits, légumes et de saine alimentation. Et ben écoute, ça prend 20$ s'abonner à l'Association végétarienne. C'est un maudit bon deal parce que pour 20$, j'ai reçu un panier avec plus de produits de tofu que je sais quoi faire avec, ok? J'ai aussi une panoplie de... Est-ce que tout tombe? Est-ce que notre plateau tombe en ruine? Tout se passe bien? Non, mais vu que tout est tombé, la oui. Caméra, elle a mangé un petit coup, puis ta tête est vraiment coupée. Ah, ok. On va arranger ça. On a eu un petit bug technique avant le début de l'émission. Ça va peut-être se reproduire aujourd'hui parce que... On a un peu de poil en place, je voulais pas être celui qui le dise, mais s'ils le disent eux-mêmes, on va être à l'aise avec ça. Écoute, vite, vous savez comment ça marche, je vais suivre les conversations sur les réseaux sociaux, donc via Instagram, Twitter, Periscope, Facebook, Snapchat, nommez-le, on est là, hashtag BLC Live. Faites skyper avec nous à tout moment si vous voulez poser une question à moi-même ou à un de mes invités, Bob.lechef pour le Skype. Et sinon, vous savez que Bob le Chef Live, c'est le fruit des efforts collectifs de moi-même, Alexis Brault et Mathilde Pigeon. Et ce show vit uniquement de socio-financement. On est 100% indépendant. Donc, vos dons sont importants pour nous parce que ça nous permet d'avoir des invités de marque à tous les semaines, d'acheter des beaux ingrédients et surtout d'avoir de la boisson. Comment qu'on fait pour avoir un don? Ben Alexis vient de nous le montrer. Vous allez sur le site boblechef.com, vous cliquez sur l'icône BLC Live, vous scrollez down, comme on dit dans le monde des internautes, et vous faites un don via PayPal. Pas besoin de faire un don de 1000$, pas besoin de faire un don de 500$. Malgré que ça tente de me donner 1000$, je vais le prendre pour vrai. Mais je dis toujours, si chaque Québécois me donnait 25 sous par semaine, ben je pourrais faire comme un show en Russie, puis avoir Vladimir Poutine comme invité, puis vraiment faire de la poutine avec lui, puis boire de la vodka, ce serait épique. Donc, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Hey, dernière affaire, si vous êtes comme moi, votre carte de crédit est loadée, vous pouvez pas faire le don. Vous voulez donner un coup de main à Bob le Chef, copiez l'URL, le URL dans le haut de votre page YouTube. Allez mettre ça sur Facebook, puis dites au monde qui log in, puis qui écoute le show avec nous autres. D'ailleurs, on voit hein, les top donateurs qui sont là. Je vois les noms des réguliers. Pat Book, il nous donne 5,35 par semaine pour s'assurer que mes invités, moi-même, on reste bien hydratés. Je vois les noms Sébastien Roy, New Tibi. Je vais tout vous nommer un moment donné pendant le show, inquiétez-vous pas. Bon, c'est un show de cuisine.
Vous êtes pas là pour m'entendre parler de plein de niaiseries. Fait que on va commencer la cuisine. Hey, on est sur Twitch hein, aussi maintenant. Juste vous rappeler parce que là j'ai deux chats. Si vous demandez pourquoi je regarde de tout et bas, c'est parce que j'ai des chats à gauche et à droite. J'ai Will Smith qui chatte sur Twitch puis j'ai tous les autres Français qui chattent sur YouTube. Bon, ceci étant dit, merci d'être là à tous. Je vais prendre une gorgée de bière. Je me calme. J'ai mis un café un matin. Fait que ça se peut que ça revole aujourd'hui. Surtout que j'ai deux invités qui n'ont pas la langue dans leur poche. Mon premier invité, ben je vais les inviter les deux en même temps, je vais les nommer. Mon premier invité est un humoriste, comédien, fait plein de trucs pour vrai. L'idole d'une génération au complet. Je le considère un ami maintenant, j'ai la chance de le côtoyer à quelques reprises. Nul autre que Phil Laprise! Hey! Ça va Phil? Ça va super! Allô? Yes. Yes. Pas trop nerveux? Ben, je sais pas, là, c'est clair. Je voulais juste dire à tous mes fans de ma page Facebook que j'ai corrigé l'adresse, là. Il y avait des lettres majuscules, ça marchait pas, là, ça marche. Allez-y, go ahead. Yes! Merci d'être là. Merci à toi, je suis très content de partager ça avec toi. Ben, je sais que t'es super occupé, et puis j'apprécie vraiment le geste que tu viens de jouer à nous ça aujourd'hui. Ça fait plaisir, c'est pas comme si ma famille me regardait avec des gros yeux en partant aujourd'hui. Non, tu as un look, par exemple, d'un chevreuil qui est sur le bord de se faire frapper par un genre, tu vois. Vu l'avantage d'avoir du maquillage en télé, là, la... Hey, mon deuxième invité est tout aussi occupé, pour vrai, même sinon pas plus. Un grand cuisinier, un chef cuisinier que j'ai eu la chance de côtoyer à plusieurs reprises, que je considère aussi un autre ami personnel de la famille, de Bob le chef et de l'anarchie culinaire. Un autre poids lourd aussi. Donc, un poids lourd de la cuisine. Oui, absolument. Ouais, Jean-Philippe Saint-Denis. Bon matin. Yes, bon. Salut. Bon matin, tu viens de te lever, toi? Un petit peu. On avance l'heure, nous autres. Les cuisiniers, on se lève tard un peu. Hein? Ouais. On se lève un petit peu plus tard. Mais tu étais déjà sur la bière, moi je suis sur le café. Est-ce que je peux vous offrir? Toi, tu prends pas de bière? Non. D'ailleurs, je vais te dire, t'as fondu depuis la dernière fois. Oui, je m'entraîne beaucoup pour le défi Pierre Lavoie. Fait que, justement, j'ai changé mes saines habitudes de vie. Oui. Manger des choses comme il faut, puis là, ben. Bon, fait que je vois que tu t'entraînes toujours aussi fort aussi. Le six-pack est pas fait. Yeah, fait que un verre pour toi, un verre d'eau pour toi. Je pense que ça va être ça. Ça va être pas pire. Hey, on a la bière est juste là sur la table. Regarde, l'eau est ici. L'eau est là. Hey, on a un super beau show aujourd'hui. En fait, quand j'ai demandé à Jean-Philippe, OK, hey, qu'est-ce qu'on cuisine dimanche, Jean-Philippe? Jean-Philippe, il dit, oh man, on fait un gratin dauphinois au smoke meat. En dedans de 30 secondes, je reçois un texto de Phil qui est comme, ouais, je suis à la diète, je fais attention à ce que je bouffe. Fait que j'ai réécrit à Jean-Philippe, je suis comme, on va crosser off de notre liste le gratin dauphinois. Mais ça aurait été capable, j'aurais pas mangé un peu, mais j'avoue que c'est le fun d'avoir parti de quelque chose de plus. Santé, comme vous dites. Ah ouais, moi, avant, je t'ai reconnu à Montréal quand je faisais la cuisine quand même assez grasse, on va dire. Ouais. Je me suis beaucoup calmé aussi avec ça. J'ai slacké sa crème, quoi, que le gratin dauphinois, c'était assez champion. Là. Ben, toi, t'étais au kitchen. Plus santé, même si ça paraît pas. T'sais. T'étais au kitchen gallery avant, on peut le dire. Ouais, j'étais propriétaire pendant 6 ans, 7 ans, à peu près. Absolument. J'ai vendu mes parts il y a 3 ans. Oui, puis t'as voyagé, t'as fait le tour du monde. Bon, surtout en Asie. OK. J'ai vendu mes restos puis j'ai pris un an off parce qu'en cuisine, ça faisait 17 ans que j'avais pas eu de congé pour vrai. T'es parti juste pour aller, mettons, découvrir d'autres affaires ou juste changer avoir les la idées? Paix. Changer les idées, ah, avoir ouais. La paix. Puis j'imagine que t'es revenu avec un bagage intéressant. Ben, la nourriture en ouais. Asie, c'est vraiment spécial. Les goûts asiatiques sont vraiment forts aussi. Là. Puis c'est quand même une tendance qui est assez là, je pense, de ces temps-ci. Là. Ouais. Y a-t-il quelque chose que t'es pas capable de manger, mettons, asiatique, mettons? Un asiatique? Non, mais... oui, entre autres. Mais sinon, une autre affaire... Mais... Non, j'ai quand même tout mangé là-bas. Je peux ouais. Dire, tu vois, à un moment donné, j'étais au Cambodge. Au Cambodge, il y a du chien. Ah! Ouais, ben c'était bon. C'est ça va pas être mauvais. Non, ça goûte comme le bœuf. Non, j'en doute pas. Ah. Les autres, ils m'ont invité dans la famille. J'allais manger dans la famille, c'était assez spécial. C'était une pièce plus petite qu'ici. Eux, ils ont le lit qui est là, tout est là, tu manges à terre. Ah ouais? Puis là, mon chum, il savait que j'étais chef, il l'avait dit à sa mère. Sa mère était allée acheter du chien, parce que tu trouves pas ça partout. Tu trouves pas ça partout comme à l'épicerie. Là. Fait qu'il allait acheter du chien, puis on a bouffé. T'as acheté où le chien? Ça, je sais pas, on pose pas de questions. Tu sais, quelle sorte de chien? Non plus. Ah, mais ils m'ont expliqué que sur les chiens à peau noire sont meilleurs pour en tout cas des affaires. Ah oh, ouais! Un moment donné, j'ai choqué, mais j'ai choqué quand j'ai pogné un bout de peau. Ah! Oh. Ouais, t'as un petit bout de caoutchouc, là. En tout cas. Du chat? Pas de chat? Non, non, le chat, non, ça. Non. Ben, j'ai un ami qui a bouffé du chat en Chine. Au Vietnam, il y a du chat. Ouais. Ils font des banh mi au chat.
Fait que... Mais nous, aujourd'hui, là, on va faire quelque chose de légal. Oui, oui, absolument. Mais on peut le dire, hein, il y a eu quelques souris récemment dans le studio. Fait que, ah, ben là, c'est le dégel aussi. Hein. Ouais, non, fait que c'est, s'il y a quelque chose qui te saute sur le pied, là... Oui, non, c'est correct, ça va. Surtout qu'on a vu que le décor est fragile. Légèrement. Non, mais je pense que c'est fait en rentrant. Ce qui est arrivé, là, parce que notre décor, tout notre setup de poteau a juste tombé. 5 minutes avant que le show commence, ouais. Je pense vraiment que vous avez fait baisser le niveau du plancher d'un petit demi-centimètre, c'est ça qui s'est passé. Ouais, mais je pense que c'est ça, faut juste pas aller par là. Non, c'est ça, c'est derrière depuis tantôt. Je vais me tenir de ce côté. C'est juste le mot parce que ouais, c'est bien sûr. Créer un genre d'équilibre, oui. Finalement. Mais grâce à nos auditeurs, dont entre autres M. Mathieu Villeneuve qui vient de faire un don de 25$. Mon Dieu! Un spot, Mathieu Villeneuve, merci! Merci beaucoup, mon man! Hey, le chat est complètement en feu aussi dans Twitch, là, je check ça. Allez, Croustibœuf, Pascal, Souci, ok, vous avez comme fusionné les chats, vous êtes de tous les bords, de tous les côtés. C'est, cœur, hein, bravo. C'est comme un gangbang de chat en ce moment. Gangbang! Avec le juste. Ben, c'est sûr que je faisais du gangbang et du siphon, c'est eux, là. Okay, c'est ça, c'est la Karine Lemieux, elle m'a dit: je t'aime, Philippe, salut, je t'aime! Hey! Elle a dit Jean-Philippe. Jean, ouais, c'est alright! Donc, aujourd'hui, on a un super beau menu. Oui. On a de quoi de santé. On va faire. Tendance santé. Oui. Tendance santé. On va faire du poisson grillé, une première pour vrai à Bob le Chef Live. Oui. On sort le grill en fond. Puis, on fait des frites de polenta. Ouais, on va faire l'espadon. C'est l'espadon, toi? Oui, l'espadon, absolument. C'est quoi du polenta? La polenta? La polenta, c'est la farine de maïs. La bouffe de pauvre pour les Italiens. Ouais. Ah ouais? Non, mais c'est de la farine de maïs. Moi, je voulais juste vous dire, les Italiens, que je n'ai rien à voir avec ce commentaire-là, hein? Une commandite, ça fout, toi. Oh my god. Oh, il y a un chien. J'ai entendu dire qu'on cuisinait du chien, il a peur un peu. Non, mais c'est la polenta, c'est la farine de maïs. C'est ça ici. Ouais, exactement. Pis ça, on fait des frites avec ça. Ouais, ben tu vas voir. On va mélanger ça avec de l'eau, ça va filer comme une pâte. C'est bien cool. Pis ça, c'est très santé, j'imagine. Non? Okay, oui, c'est on va rester du parmesan, mais on va les frire après. Ah! Ça s'annule! Un positif, un négatif. Alright, j'ai parti d'un petit rond de poêle. On va mettre combien d'eau là-dedans pour faire ça? On va se faire un petit oignon haché. Un petit oignon haché? Oui, j'ai ça de ça. Là, dites-moi si je suis dans vos jambes, les gars. Absolument pas, ben non, parce que c'est. On va le savoir. On va savoir. C'est moi qui vais pleurer. J'ai ça tranquillement? Oui. Faut se peser la polenta. J'ai sorti une balance drette là, ici. Tu sais, tout, tu t'installes là. Ça, c'est la bière à Jean-Philippe. Bon, il y en a en volume, tu sais. Il y a des petits couteaux, tu te sers de tout ce que t'as besoin. Ouais, tu cuisines un peu, Phil? Moi, je cuisine, j'aime ça cuisiner, mais malheureusement, à cause de ma tournée, je suis vraiment tout le temps parti. Okay. Fait que là, je suis plus à la recherche de, mettons, des places de fun où manger. Mais quand je suis à la maison, j'aime ça. Tu sais, comme le barbecue, c'est pas mal moi l'expert du barbecue. Okay, okay. Dans toutes les cuissons de viande au complet, dans les fruits de mer, dans les affaires, c'est pas mal moi qui fais tout. Puis mon seul, moi, j'ai toujours pas des crevettes. OK. Moi, à chaque fois, je fais ça. On dit, c'est cuit, ça, c'est pas. Puis des fois, c'est toujours trop cuit. Ben, souvent, ben, les poissons, les fruits de mer, le monde, ils ont tendance à surcuire. Oui, ben, on a peur de tomber malade, tu sais. Ouais, ben, c'est tout. Les Japonais mangent cru. C'est ça, on bouffe du sushi, on bouffe des tartares. Ouais, c'est vrai. Mais quand on cuit un saumon sur le barbecue, on veut qu'on le cuit au bout. C'est un repas le plus facile puis le plus vite à faire quand t'as une famille. Un poisson, là, c'est 3 minutes dans le poêle pour se faire régler. Hein. Absolument. 3 minutes dans le poêle de chaque bord. Tu vas voir ça tantôt. Ok, excellent. Je suis capable. Écoute-toi pas, hein. Comment on peut encore en slice? Il a l'air bien parti. Oui, mais c'est encore. Encore. Il veut un petit carré que tu peux. Tu veux tu avec la technique? Non. Enfin, des cours. On va te montrer, là, alors c'est parfait. Tu vas, je vais. Non, vas-y, absolument. Là, je suis là. Moi, je suis content. Je suis l'animateur. Ça, tu l'as. Donc, on va rentrer. Chris, c'est coupé, hein? Oui, on vient tout faire avec des couteaux. Donc, tu vas comme ça en premier. Oh, wow. Après, tu. Je suis vraiment impressionné parce que jamais j'aurais catché que c'était hot. Ah, c'est qu'il disait, mais il est non, c'est sérieux ou pas? Tu gardes ton bout là. Comme ça, il tient. Ouais, comme ça, il tient. Pas plus compliqué que ça. Putain, lève ton bras. Ah, c'est beau. Prends ton bras. Je sais pas que les caméras. Non, on voit tout. Alexis s'occupe de tout. Je sais pas si c'est quoi le milieu de la. T'es ouais, travé mais... qui a fait de la truite hier. Envoyez-nous là une petite photo. C'était une photo de ton repas de truite. On voudrait voir ça pour vrai. Philippe, tu manges-tu encore de la crème glacée de Quatty Cook? Non! Fini les produits laitiers. J'ai arrêté ça, oui. Laitiers, au complet. Ok, bon, on va faire la polenta à l'eau. Depuis ça, moi, j'en fais du lait. Non, j'en prends encore un petit peu, mais. J'ai comme dans mon nouveau régime que je fais, on a coupé tout ce qu'il y avait de glucides, tout ce qu'il y avait de produits laitiers aussi.
Oh mon Dieu, tu l'es! J'ai enlevé ça pour justement parce que ça fait du bien, ça désenfle, ça. Puis depuis que j'ai arrêté, ça fait une année que j'ai arrêté de prendre du lait. Mm-hmm. Depuis j'ai, quand j'en reprends, là j'ai de l'intolérance. Pas de fromage, par exemple? J'ai. Hey, ça là, tu sais que c'était mon péché mignon. Non, non, quand j'ai arrêté le fromage, là, j'ai fait une. J'étais en cure là. Oui. Je faisais ah, j'arrivais de la misère, puis depuis que j'ai arrêté, dès que j'en reprends, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal au ventre, j'ai mal partout. Fait que j'ai décidé d'arrêter ça juste parce que je me dis, tu sais. Donc, ok, si vous voulez pas être comme Philippe, arrêtez jamais de manger du fromage. Qu'est-ce que tu fais dans tes céréales le matin? Je mange pas de céréales, je fais des bons shakes non, avec oui, des bonnes affaires, le fun. Non, mais non. J'ai du lait d'amande, en fait. Je suis en train de convaincre mes enfants de changer au lait d'amande. C'est sucré pas mal, ouais. Ah, ben j'ai du lait d'amande non sucré, par exemple. Okay. Tu te le fais toi-même? Ben, j'en fais moi-même des fois, puis beaucoup, parce qu'à ce temps, c'est rendu qu'ils mettent des algues là-dedans pour faire gonfler le lait d'amande, puis l'algue est hautement cancérigène. Bon, là, je me dis, je suis devenu vraiment santé. Mon Dieu! Puis à ce temps, ben, je fais mon lait d'amande chez nous, là, je prends deux tasses d'amande, je le fais mettre dans l'eau pendant 24 heures, puis après ça, je le mets, je le broye. C'est super que ça vient du temps libre, parce que vous cuisinez pas mal tout, les humoristes que j'ai reçus. Oui. C'est pas mal tout. Je pense à Mike Ward qui est passé au show, qui est végétarien. Puis qui cuisine une panoplie de trucs. C'est, on aime ça, j'aime ça. Les gars sont en tournée longtemps, mais après, ils sont à la maison longtemps avec eux aussi. Mais lui, il est en tournée. Ça détaillait beaucoup, tu sais. Lui, il est en tournée sans arrêt. Justement, là, ton show plus sexy que jamais. Oui. Pour célébrer justement ta perte, ta nouvelle, ta chef de bikini. Oui, ma chef de bikini, d'ailleurs. Aïe, je me suis coupé. C'est sérieux? Oui, je me suis planté le couteau, mais j'ai fait la technique du pas bon, genre. C'est un band-aid? Non, c'est correct. Là, je pleure des yeux. On a pas dit ça pour pas pleurer. On fait couper les oreilles. Ça, j'aime ça. Quand on y est tranquillement. Absolument. Je sais pas si c'est. J'ai pris de l'huile, j'ai trouvé. Oh oui, c'est de l'huile. On a de l'huile d'olive, on a toutes sortes d'huile. On a de l'huile d'olive. On met les oignons là-dedans. On met les oignons. Et bon, ça arrive vite, hein. Maintenant, bon, ok, stop. Stop, on en masse. On met du sel. Ah ouais, on va y aller, sel poivre. Ouais, c'est du sel. C'est du sel de luxe. Sinon, on a du sel en quelque part. Ah, il est là. Il est là. Ouais, une bonne pincée. Une bonne pincée. Ouais. Un autre petit chat, même. Ouais. Là, on remue. Il y a tout ça pour là, mon JP. Vas-y. On n'est pas stressé. Non, installe-toi à la planche. C'est vous autres qui cuisinez. Fait que là, on les fait suer. C'est quoi, les suer? Tu t'as fait suer. Non, là, je sais, mais. Faut que tu les oignons transparents. Juste transparents. Ouais. Donc, pas cuit, mais pas coloré. Fait que le truc pour les suer, c'est. T'es, habituellement, on les aurait partis dans l'huile froide aussi. Ben, ou moins chaude. Moins chaude, là. Okay. C'est pour ça que j'ai enlevé le poêlon dessus, puis on les remue avec du sel. Fait qu'en les remuant, ça les empêche de caraméliser, finalement. Okay, je comprends. Et puis le sel, ben, ça fait sortir tout le. C'est les dégorges. Ça fait sortir toute l'eau. Puis finalement, ce qui va arriver, mais nos légumes, ils vont juste cuire dans leur propre jus, ils vont bouillir dans leur jus, puis ça va nous permettre de faire nos autres étapes pendant ce temps-là. J'ai déjà fait ça, hein? Attendez, j'en parlais qu'il est pas pire, sérieusement, j'ai pas pire. Ouais, j'avais pensé à pas pire. J'ai vraiment pas les toasts. Là, pour mettre le 4 de volume. Quelque chose d'un verre, n'importe quoi. Ouais, j'ai des tasses à mesurer, bien sûr. Et voilà. Parfait. Ça, c'est le luxe, la tasse à mesurer. On aurait pu le faire selon nous, on pourrait, si on voudrait. On aurait pu déglacer avec du vin blanc. Ok. T'en veux ça? Vas-y. Vin blanc, c'est une bonne idée, ça. On aurait pu l'hiver, par exemple, on vous conseille de ne pas déglacer votre asphalte avec du vin blanc, de le faire avec du sel, ça va beaucoup mieux. Bon. On a du martini. Tu veux le faire, vas-y. On peut déglacer avec du martini? On peut déglacer avec tout. Si t'as pas de. Ça, même du gaz? Non, mais. tu vas découvrir. Non, mais sans niaiser, ok. Souvent, puis le monde, souvent, ils vont s'empêcher de faire une recette parce qu'il manque un ingrédient. On aurait pu prendre de la bière. Carrément, on aurait pu une petite gorgée de bière là-dedans pour juste aller chercher. Absolument. Juste pour que les Italiens soient sûrs de nous retrouver. Mais qu'est-ce qu'il fait à ma polenta? Non, puis je dis tout le temps, tu sais. Ça donne de la saveur. Si t'as pas de vin. Prendre de la bière pour déglacer, pour vrai. Puis l'affaire la plus importante, si vous déglacez avec du fort, hein, faites pas comme on l'a fait là, déglacez pas direct sur le feu. Avec ta face au-dessus. Non, vous avez le chaudron, vous mettez votre dose de whisky ou bourbon, whatever, puis après tu le remets parce que, pas juste que ça peut te flamber dans la face, ça peut pogner dans la bouteille puis te sauter dans la face. Ça sert à quoi déglacer? C'est niaiseux, hein? Ben, c'est d'aller chercher ce qu'il y a. En vrai, d'habitude, c'est surtout avec les viandes, on parlait. C'est d'aller chercher tout ce qu'il y a collé dans le fond. Ok, ça comme ça repomme ça, puis ça remet ça dans le fond. Ça nettoie ta casserole, mais tout ce qui est collé, c'est du goût, c'est de la saveur. Ok, je comprends. C'est ça. Ça, on aime ça. Ça donne un petit goût d'alcool. Ben, ça aussi, ouais, t'as un goût d'alcool aussi. Non, c'est sûr aussi. Fait que ça. On a notre lait.
Ouais, bah, je vais mesurer. On y va avec de l'eau ou du lait? On y va avec du lait. Du lait, du lait, du lait, du lait, du lait. Du lait, du bon lait. Partez pas en peur, là. J'aime les produits laitiers, là, mais c'est genre bref. J'aime ça faire des plats de caméra où je fais. Des freeze? Non, ça a bugué, ça a bugué! Madame, votre internet est bugué! On n'en fera pas trop, on va faire juste un petit rack, parfait. Ça, ça va être bon, ça! Moi, ça va être en marche. C'est ce que je me disais. Fait que j'ai mis... C'est combien, ça? 500 de lait, 500 ml. OK. Là, si on voudrait, c'est bon, on va le faire. Tu vas avoir une petite feuille de laurier qui traîne, peut-être? Absolument, je te trouve ça. Tu peux des affaires de même? On a tout ce qu'il nous faut, ici. Là, on va mettre un peu d'amour. Laurier. Ah, ça, ça m'énerve. Mais non, ça, ça m'énerve. Ma blonde, elle met ça dans la sauce à spaghette, puis après ça, elle oublie, puis j'en pogne une de la croque, moi, elle me casse une dent là-dessus. T'es-tu sérieux? Ouais. Arrête donc. Ah, je te jure, c'est comme ça. Tellement adieu, même quand c'est que tu manges pas, tu bois pas de lait, tes dents sont bonnes. Ah, ça y est, ça y est. On a mais... pain, on a juste du pain comme ça. Parfait, mais pour le problème, ça va être correct. Parfait. Là, ce qui est important, c'est de donner bien du goût à notre bouillon. Ben ouais. Là, c'est mon lait. Fait que c'est là qu'on va ressaler, il a mis du sel dans tout. Okay. Faut que ça, ça c'est ce qui va donner que ça va tout bouillir. Tu veux ressaler? On va le laisser bouillir un petit coup. Ok. Dès que ça bouille, on va saler, on va poivrer. Puis ça, faut-tu le laisser comme s'évaporer ou on... Non, on veut juste qu'il monte en température. Bon, ah, c'est ça que ça prend pour faire congeler puis ça saisir. C'est ça qu'on disait? Pas congeler. Juste figé, on va le faire figé. C'est comme sur la farine de maïs. J'ai mangé ton panetta, tu vas triper là-dessus. C'est sûr. Quand j'allais à l'ITHQ, puis j'ai découvert la panetta. Tu as fait cuisine italienne. Moi, puis j'étais pauvre en plus, puis je payais mes études. Puis quand j'ai découvert la panetta, pour vrai, je l'ai mangé, je pense, pendant un mois. Je m'en faisais sauce tomate direct, gratinée au four. Ça, tu peux la manger molle. Là, on va faire la version dure. Ouais. Tu as la version crémeuse aussi. Donc, mesdames, purée de patates. Mesdames, contrairement à vos maris à la maison, molle ou dur, vous faire manger. ça se D'ailleurs, on va le dire tout de suite, parce qu'on fait des steaks d'espadon aujourd'hui. Et c'est un show pour 18 ans et plus, fait qu'on va dire. Demain, c'est la journée nationale, c'est la Saint-Valentin des hommes, le 14 mars. C'est le Steak and Blowjob Day, qui est... Il me manque juste une blonde. J'ai juste la main, il m'a trouvé une blonde. Hey, écoute, s'il y a des filles célibataires en ce moment dans le chat, Jean-Philippe se cherche quelqu'un spécialement pour demain. Ouais, c'est vrai qu'il faut cuire un steak à son âme. Ouais. Puis on fait le reste. Ah, je suis prêt à faire le sacrifice de cuire le steak si le. Ah, si, même en petite bobette, c'est fou. De toute beauté. Ça laisse une image quand même. Oh mon dieu, j'aime ça le web. J'aime ça le web. C'est pas super. Il y en a une couple qui ont déjà fini tout nu sur ton show, non? À moitié tout nu. À moitié tout nu, oui. Jamais personne de tout nu, bref. Ah, voulez-vous que je vous laisse? Tu vas aller cuire un steak? Ouais. Ben, Karine a dit j'aime ton accent. Karine, elle vient d'où? Qui Karine? C'est moi qui ai un accent? Karine Lemieux a dit Philippe, j'aime ton accent. Ah, Karine, je sais pas c'est qui Karine Lemieux. Ah, mais elle a comme la face de. Ça, c'est la Reine des Neiges, en face? Ou c'est. Ouais, c'est Barbie, je crois. Il y a quelqu'un d'autre qui me demandait aussi si j'allais être aux 12 heures d'endurance de la TUC cette année, sûrement. Tu vas à la TUC? Ben oui, je fais histoire de sentier, moi. Arrête donc! Des fois, je vais du 4 roues là-bas, puis c'est une course de côte à côte, puis de 4 roues. Ben, Krim, tu vas me donner un coup de fil, je suis tout le temps à la TUC. C'est vrai? Mon fils habite là-bas. Ah, c'est fait que moi, je vais à la TUC une fois par mois. Ah, ouais! Ben, je vois, cette année-là, je sais pas, c'est quand, c'est au mois de mai, là, les 12 heures d'endurance de la TUC, je vois là, moi. D'ailleurs, on a des gens de la TUC qui nous écoutent, je sais pas s'ils nous écoutent en ce moment. Carl Alexis qui nous écoute de la TUC et aussi Pablo the Great. Qui écoute l'émission habituellement. Pablo the Great. Pablo the Great, oui. On a les internautes avec les meilleurs noms, pour vrai. C'est vrai. On a un gars qui s'appelle Weed Pousse en ville, puis on a un autre gars qui s'appelle Will Smith dans l'autre chat. Ok, Will. On veut pas Will. Will Smith qui est un internaute français, pour vrai, qui nous aide beaucoup. D'ailleurs, on te salue, Will, parce qu'il nous aide beaucoup avec la nouvelle plateforme Twitch. Okay. Puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Il y a Carl, il y a Alexis et Mathilde qui font du streaming à la semaine longue sur Twitch et bientôt je vais gamer des jeux vidéo rétro, je vous le promets, on essaie de figurer comment ça fonctionne. Les vieux Nintendo. Ouais, des télévisions même, je suis de cette époque-là. Oui, on souffle dans le jeu. Souffle dans la cassette. D'ailleurs, on a-tu une question, Mathilde, oui, dans on le a chat? Une question qui est répétée par plusieurs personnes. Mais où est donc la recette du public? Ah! J'aimerais ça qu'on en parle. Oui, c'est vrai, on a un segment habituellement, en attendant que le lait boue, on peut en parler. On a un segment à l'émission, la recette du public. À chaque semaine, le public nous envoie une panoplie de recettes et on fait un tirage et on cuisine une des recettes du public. Et cette semaine, on a été trop occupés pour faire le tirage. Fait que ce qu'on va faire,
On va faire le tirage en onde, drette là, en attendant que le lait boue, ok? Et ben la semaine prochaine, ça sera la recette qu'on va cuisiner avec des invités à déterminer, parce que je me suis pas encore mis là-dessus non plus. Fait que, tiens, Jean-Philippe, ferme les yeux, oui, ferme les yeux, puis j'ai un nom. Fait que si c'est pas votre recette, c'est de la faute à Jean-Philippe. Et on fait la recette à qui la semaine prochaine? My God! Corentin Lory! Monsieur Coco! Hey, on l'a fait sa recette il y a deux semaines! Ah merde, on a déjà fait! Mis les noms dedans! C'est-tu ça? On va lever Yannick Duchesneau aussi, ok? C'est correct? Vas-y, t'as plus changé! Alors, on fait la recette de... Pas lui! Olivier Duguay! Olivier Duguay! Allez! Donc, la semaine prochaine, soit parmi les nôtres des trésors, on va cuisiner ta recette, ok? Olivier Duguay, on fait ta recette! Yes, pas aujourd'hui, alors, la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, je serai pas là, mais. On va être bien, non? Oui, je vais aller. Ok, on va y aller. Mon lait, il est rendu chaud. Oui. On va y goûter. On va y goûter? On va y goûter, bon, c'est ça, hein? Vas-y, mets ton doigt dedans! Tu vas vite! Le truc, t'sais, tu laisses pas dedans longtemps, c'est ça de même! Juste pour savoir si c'est assaisonnement. Là, j'ai fait un double dip. On va rejeter du sel. Les gars. Ah, on fait jamais ça, je te jure. jamais. On va rejeter du sel dedans. Du sel, vas-y, gars, il est ici, là. On va te laisser m'en mettre comme tu le sens. Là. Il y a une petite anecdote pour Phil Laprise. Oui. Dans le chat, on a Newton Lee qui dit que tu as été moniteur au patro de Jonquière pour plusieurs de ses amis. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps, par exemple, ça fait au-dessus de 20 ans. Ben, t'as vu, j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, fait que j'ai 39 à 20 ans. Fait que j'ai été au patro de Jonquière dans les 13-17 ans, donc Newton Lee. J'ai été moniteur, oui, c'est vrai. Animateur, en fait. J'avais bien du fun, je faisais que des comics. Je regarde l'écran au lieu de regarder la caméra. Je sais, on fait tout ça. Je sais, c'est bien ça, je vais regarder. Tantôt, j'ai vu aussi Karine Lemieux, elle m'a dit qu'elle vient des méchants. Ça, c'est en Gaspésie. OK. Les méchants. Oui, parce que toi, t'es un méchant. Ben, c'est elle qui l'a marqué. C'est pas bon. OK, on laisse ça celui-là. Oui. Là, on va rentrer ça au fouet. C'est en cuisine italienne, donc on va rentrer ça au fouet. J'ai allé incorporer. Tu veux-tu enlever la grosse feuille dégueulasse avant? Non. Fait que là, on y va en pluie, qu'on dit. En pluie? Si la caméra, elle va bien. Regardez. On y va doucement. Là, on fait l'incorpore pour que ça épaississe. Exactement. Ah, je comprends. Puis là, quand ça l'épaissit, là... À un moment donné, ça va pogner d'un coup. Ça va pogner d'un coup, puis tu fais attention, regarde, parce que quand ça boue, tu veux pas que ça bouille, puis que ça tombe. Ah, même le tasser, ça va exploser. Ça commence à exploser. Ça fait mal, ça. Pour vrai. Je sais pas si vous voyez, les bulles, là. Ça, tu veux pas que ça t'emballe dans la face. Non, ça, c'est... Parce que ça colle, puis j'imagine que ça fait mal. Ouais, on va le mettre juste un petit peu en bas. C'est ça, on dirait que ça fait des patates, hein? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais c'est la farine de semoule, c'est la semoule de maïs. Mais la semoule de maïs, tu sais que nous, des fois, on rajoute ça dans nos affaires pour que l'appétit passe. Ah, pas qu'on mange, ça fait comme gonfler dans l'estomac. OK. Tu sais, mettons comme avant, quand je prenais du yogourt, je mettais de ça dans du yogourt, je mangeais ça, puis là, faut. Fait que mon estomac, ça, c'est ma nutritionniste qui me dit ça. Oh, la diète, ton affaire. Non, c'est juste pour combler la faim. Quand t'as faim. En tout cas, laissez faire, je vais aller en bas. Ah, fait que ça, regardez, là, si vous voyez. Là, c'est bien pris déjà. Ah. Fait que là, on pourrait rajouter du parmesan. OK. On va en mettre, on en a. T'as-tu des tomates séchées, on a tout ça? On a tout ce qu'il te faut. On va juste là sur le comptoir, les tomates séchées. On est en retard. Alors, on n'est pas en retard, pas. On a des olives, on rajoute des olives. On rajoute des olives. T'as pas des olives, on n'en mettra pas. J'aime pas les olives. J'aime pas les olives. Écoutez, je suis un fan de l'huile d'olive. Là. Ok. J'aime ça dans les salades, j'en ai plein de sortes, plein d'affaires. Mais des olives, c'est la texture que j'aime pas. Moi, ma difficulté dans la vie avec la nourriture, c'est la texture. T'aimes-tu les champignons? Ben oui, j'aime les champignons. Mais, tu sais, comme exemple, je vais donner, moi, ça m'a pris du temps à manger des fruits de mer parce que la texture des crevettes, la texture du homard, la texture des. J'aimais pas ça dans ma bouche. Ah, wow. Le petit caoutchouc, c'est du. Ouais, le petit caoutchouc. Puis amener ça. Amener, je sais c'est pas un goût ça. C'est, oui, ça s'est tu développé. Tu as des huîtres? Non, je suis rendu à l'étape d'essayer des huîtres. Okay. Ça m'écœure d'avoir un huître. Je fais. Je trouve ça dégueu, c'est. Ben, je sais que Jean-Philippe, c'est un fan de l'huître. Oui, moi, j'avais un réseau de poisson fruits de mer dans le jeu. On avait toujours 6 sur 18 à peu près. C'est vrai, le kitchen poisson aussi, hein, qui était un top resto. Non, c'est parfait ça. Ah, ça sent aimé parce qu'on veut justement que ça pogne en pain. Vu qu'on fait des. Ça, vu qu'on fait on va faire des frites.
Ok, je t'aime. Fille, on aurait pu faire. Souvent, on va manger la polenta crémeuse qui est installée. Okay. On aurait mis ben la moitié de polenta à peu près pour notre liquide. Puis on aurait eu quelque chose. Ça aurait eu, comment je peux dire. Comme une purée de patate. Purée, à peu près, mais encore plus liquide. Plus liquide un peu. Là, quasiment. Pas de texture gruau, mais consistance d'un gruau. Texture de pomme de terre pilée. Je sais pas si j'ai bien expliqué ça. Je comprends ce que moi je comprends parce que je suis pas prêt. Je sais pas que tu penses. Fait que là, si on incorpore ça. Mais ouais, un gros. Ah, ouais. On est où? Mélange tout ça, mon. Tiens. Check-moi bien aller, man! Je l'enlève plus du tout, man! Alors, regardez la belle texture que ça fait. Ça devient comme une affaire. Mais moi, la tomate séchée, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est un de mes. Ça passe? Oui, d'ailleurs, moi, tu sais que je fais une pizza extraordinaire, tomate séchée, jambon avec du bon fromage. Je sais, j'ai dit le mot fromage, je ne pourrais plus pas du laitier. J'en ai pas fait depuis au moins 8 mois. Là, l'été s'en vient, je vais tricher, ça va être le fun, on va s'amuser. Tu feras plus de vélo? Oui. Ok, après, on va se le mouler. On aurait pu. Genre, on va se mettre un peu. Tu aurais pas pu, on met de l'huile ou quelque chose comme ça? On va mettre un petit shot d'huile là-dedans. Juste de l'huile, ça fait la job pour pas que ça colle. Juste pour que ça colle. Ça colle, on en met juste une petite affaire de même avec un petit cap towel. On va se frotter ça. Ah, ouais. Un petit peu François Mascotte, il sert encore quelque chose. François Mascotte, c'est pas juste pas cher. Je le mets tout dans ça, vous voulez mettre tout là-dedans? Et lui, ici, en fait, on va huiler. On va faire avec lui, on va huiler le dos de lui. Ah, tu vois, il y a un kit, t'as pas besoin de faire ça, hein? Puis on va venir le foutre. Ah, tu vas les foirer. Bon, 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 ça va même peut-être trop. On a pris un autre moule, puis on n'a pas huilé l'intérieur de ce moule-là. On l'a huilé. Parce que là, on veut que ça devienne comme une frite. Comme une frite. Fait que okay. L'épaisseur de frite, à peu près un centimètre. Écoutez au reste. Absolument. Tu le chutes, tu seras pas déçu. D'habitude, moi, je le fais dans une plaque à pâtisserie. C'est bon. Une plaque à pâtisserie, puis je vais avec un rouleau. Ouais, pour que ce soit plus petit possible. On fait des. Ouais. On y va en grande portion. Ah, ouais. Là, tu sais, juste dégazer un peu. Moi, habituellement, je mets le moule. Ben, c'est ça, je fais ça à mettre partout. C'est ça. Fait que là, ça va être à peu près un centimètre d'épais. Parfait. C'est ça qu'on veut. On met ça là-dessus, on pèse un peu. On envoie ça au frigo. On veut que ça refroidisse. C'est lui, on le mange. Ça, tu manges, ça va gonfler dans ton estomac. Tu veux que t'as appris des choses avec moi? Ouais, ouais, mais moi, c'est déjà gonflé. Alright, prochaine étape, on est rendu où? Je sais pas. Non, non, ben ça, on va attendre que ça affiche. Fait que je pense qu'on va switcher. Ça, c'est pour notre magret de canard. Ça, c'est pour l'espadon. Ça, c'est pour notre espadon. Fait que là, on va switcher au canard pour pas mélanger le monde. Parfait. On va ressortir les frites de polenta pour la fin tantôt. Ok, on a du canard. Tu as acheté une place que tu dois connaître bien. Ma boucherie fétiche, le Capitole au marché Jean Talon. Bien sûr, le resto est à côté du marché. Ben, exactement. Fait que... Les Italiens, on parle d'Italien aujourd'hui. T'as encore ouvert d'ailleurs le Kitchen Gallery si vous êtes dans le quartier Villeray, une des très bonnes tables. Ouais. Sinon, ben on le disait tantôt, toi t'es maintenant à l'auberge Trois-Tilleuls à Saint-Marc-sur-Richelieu. Ben mon patron est un confrère de monsieur. Oui. Ben moi là j'ai travaillé avec Michel pendant 8 ans de temps. Michel m'a dit bonjour. Ouais. Disons, je le voyais une fois par semaine. Absolument. Tu diras que j'ai mon permis de conduire maintenant, ça va vraiment le faire rire. Ah ouais. Parce que lui, il en venait pas, ben. Les gens de région, on va se le dire, les gens de région, quand ils savent mon âge... 39 ans, il vient d'avoir son permis, il y a un temporaire, 39 ans, un temporaire, il brûle un stop, il n'a plus de permis, il vient de perdre ses points, rien d'autre. Zéro alcool? Ben oui, zéro alcool. Oui, zéro alcool pendant un event pour les, comme les 5 prochaines années de ma vie, là. Fait qu'aucun fun à conduire, finalement. Moi, je suis de Jonquière. Ah, ouais, Arvida, j'ai dans Arvida. Arvida? Arvida! Arvida, Alma! Ben, mais tu sais, Michel Barrette reste à 20 minutes de chez nous. Elle habite à 2 minutes de chez nous. Ouais, non, c'est ça, mais je veux dire avant, tu sais. C'est sûr qu'en région, t'as besoin d'un char. Ben oui, mais en ville, si t'es un gars de la ville, tu peux se faire sortir. Ouais, mais non, parce que. Ben, c'est des bons amis qui ont des chars. En ville, avoir un char, c'est désagréable. Beaucoup de taxis. Ouais. Taxi, vélo, si vous êtes en vélo. Vélo. Mais non, vélo à Montréal. Puis Michel, qui a quand même une coupe d'auto, là. Quelques-uns. Il y a 100 chars. Non, je sais on pas. Va se calmer. Moins que ça. Pas, moins que ça. Il y a un bon ratio. Oui, il y en a un, puis il travaille sur un nouveau modèle. Mais même au Trois-Tilleuls, il existe encore son espèce de petit musée qu'il a fait avec des photos de John. Pas John, comment il s'appelle? John F. Kennedy. Il y a des trucs de Marilyn Monroe. Il y a son cheveu de John F. Kennedy. Monroe, en fait, il y avait pas... Il James Dean, il triple James Dean. Ouais, James Dean, Dean l'esprit à côté. Le char James Dean, la petite Porsche Spider qui est en haut. Hein? Le temps d'une dame, c'était payant?
ça, moi, il me l'a expliqué, oui, c'était très. Ben, tu sais, dans le temps, il vendait des albums. Il vendait des albums, quand même. Et Dan Linden, il m'avait dit qu'il avait vendu 250 000, je pense, 300 000. Si, bon, hein. Tu sais, un, deux, trois pièces d'album, je te laisse calculer. Puis tu passes en journée, tu chantes la toune un peu partout, tu sais, la bande de vie avec, c'est pas pire. Oh, on a sauvé. On a le magret. Magret, ouais. Canard qui a été gavé. Le magret, c'est la poitrine, ok, on peut dire, ouais. Gavé, pas gavé. C'est gavé à l'alcool, gavé à quoi? D'habitude, ils vont mettre maïs à soeur. Dans le temps, à la base, c'était des figues, on va dire. T'es-tu là? Ça, je savais pas qu'ils gavaient. Dans le temps des Romains, tu sais. Ouais. Mais tu sais, on va dire, hein, le canard gavé, à ce temps, c'est les gens plus aisés qui en vont manger, malgré que c'est pas cher que ça si on compare à du bœuf, parce que ça, il y en a assez là, pour deux bons mangeurs. Deux bons mangeurs là-dessus. Tu peux faire 4 entrées, 4-5 personnes pour une entrée, puis ça te coûte 12 piastres. Fait que c'est quand même pas pire, surtout si on compare au prix du bœuf. Mais le canard gavé, c'est vraiment une affaire de pauvres, parce que les pauvres, ils voulaient savoir comment qu'on pourrait avoir plus de volume sur notre canard. Fait qu'ils se sont juste mis à les gaver pour qu'ils deviennent plus gros, finalement. C'est comme une poitrine de poulet. Oui, oui, non, c'est exactement la même chose. Juste rouge. Avec beaucoup de gras. Avec une bonne couche de gras. Parce que la viande du canard est rouge. La viande du poulet est plus rosée. Elle est blanche. Oui. Puis ça, c'est comme si c'était du bœuf, là, tu sais. C'est ouais, c'est bœuf, pigeon, perdri. Pigeon, perdri. Pigeon encore plus rouge. Ah oui? Pigeon, t'es dans le rouge, là. Puis une des deux perdri, la grise et la rouge, c'est ça? Puis, fait que c'est ça, on va préparer ça. On veut un poêlon? Un petit laquage. On va commencer avec un laquage. On veut-tu un poêlon? Pour le laquage... Moi, je vais dire que poêlon, on va en faire juste pour une portion. Je sais même pas ce que c'est un laquage, gars, inquiétez-vous pas. Je l'écoute. Je sais c'est quoi un claquage. Tu sais, quand tu fais du sport, ton muscle fait un claquage. Un laquage. Ok, on va faire cette petite recette asiatique un peu. Ok. Canard laqué. Canard laqué. Yeah! Fait qu'on va d'habitude, on peut le faire, on pourrait faire un... voyons. Un casse-tête, des Lego. Un caramel, un caramel, on va en préparer du sucre, une cassonade, un petit peu d'eau, on fera un caramel avec. Ok, je comprends. Là, Bob m'a dit c'est le temps des sucres. Direct avec du sucre. Je suis sûr que ça doit couler pas mal aujourd'hui, là. Ça, il a fait froid, il a fait chaud. Absolument. Les cabanes à sucre, ça doit courir partout. Là. Fait que c'est ça, on va le faire avec du sirop d'érable. Fait qu'on va se mettre du sirop à bouillir. Ok. Puis tu fais un des plus beaux produits québécois. En fait, c'est l'or québécois. Ouais. C'est ce qui vaut le plus cher. Excuse-moi, j'aurais pu faire un plus gros trou dans la canne. Mon gars, prends ton temps. Pas comme si on avait 3h30 à boucher de tout. J'ai déjà pissé plus vite que ça, c'est pour ça. En fait, si tu pisses épais de même, t'as des problèmes. Non, je l'ai pas. Ben, arrête de manger du sucre. Ok, on va faire grossir un petit caramel. Caramel, ben là, ils vont le faire bouillir. Ok. Ça, on va faire. Là, on va mettre des épices douces. Ok. Qu'est-ce qu'on veut comme épices douces? Tantôt, On va parler de ta cannelle. Ok, check bien ça. Là, on y va avec parcimonie, ok? Hein? Je veux. Oui, absolument. On va voir c'est quoi le produit en plus. J'ai rencontré ces gens-là justement à l'Expo Manger Santé. C'est la gang des épices Cha. Donc, les épices Cha, c'est des épices équitables, finalement. Mmh. Et j'ai rencontré l'Association des commerçants équitables du Québec pendant que j'étais là aussi. C'est lui qui m'a présenté les gens de chez Cha. Et pour vrai, tu sais, c'est quand même un domaine où équitable et épices, ça rime pas toujours ensemble, hein, parce que c'est souvent cultivé dans des pays un peu moins fortunés, tout. Fait que c'est vraiment tout à leur honneur de vraiment s'assurer que les gens qui cultivent, lâche toi lousse, t'es ici pour ça, que les gens, oh mon dieu, puis que les gens cultivent finalement, travaillent dans les belles conditions de travail, puis check-moi ça pour vrai, cette cannelle-là, sans léser Jean-Philippe, j'ai jamais vu de la cannelle aussi hot que ça. Ah ben oui, c'est bon. Ça, c'est vraiment beau. Le dedans, fait tu vois. Puis pour vrai, c'était super abordable, ça, cette boîte-là, c'était à 4$. Ça, t'es bon longtemps. T'es bon, on remèche en bout, là. Oui, absolument. Tout même les épices, t'achètes jamais trop en gros. Ça bouge. Il se passe. On est correct. Non, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Ok. Là, c'est ça. Non, les épices, on achète toujours en petite quantité. Ouais. Un, on s'en sert pas à tonne. Puis après ça l'expire aussi. Combien de temps tu garderais ça de la cannelle comme ça, toi? Un an? Un an max, tu sais, techniquement. Après ça. C'est sûr qu'elle est encore bonne. C'est ça.
Non, non, mais tu sais, c'est comme quand tu trouves un sac de potes des années 70 dans le tiroir à ton père. Tu l'essayes. Tu l'essayes, mais il fait rien, tu sais, il pogne des dents plus que d'autres choses. Et on va se mettre un bâton de cannelle. Yes. Mettre dedans direct. Ouais. On veut une infusion, comme ça. Ah, on se met des épices, j'ai commencé à fouiller là-bas un peu. Ok, on a un petit peu de piment. Juste un petit peu, juste pour donner un petit kick. Absolument. Ça, tu veux qu'on en mette aussi un peu? Je sais même pas c'est quoi, c'est genre. Des graines de coriandre, c'est ce que tu veux? Ouais. C'est ça, mais ça, pour c'est choisi, je sais pas. Ah, moi je dis. C'est des saisonniers. C'est des all season. Il est tellement vieux que. Il est tellement vieux que tout ce qu'on devait avoir pour lire est disparu, gang. Fait que ça, je pense que c'est plus bon. Je vais regarder la date, printemps 2003. Dans le sac de pâte. On faisait pas encore de capsule web. On va mettre un petit peu de piment broyé. Ouais, la même chose qu'on trouve là, dans notre sauce à spaghetti. On veut pas que ça goûte le spaghetti, par exemple. Ok, puis on met juste une petite affaire. Puis en plus, le piment broyé, le côté piquant, ça va vraiment venir réveiller tous les autres goûts de notre recette. C'est un mix. Qu'est-ce que c'est comme un mix, hein? C'est un all season. Ah, bon. Je sais pas c'est quoi. Bon. On met un petit peu d'épices. On va te mettre de la coriandre. Un clou girafe, t'en as-tu mis? J'en ai mis. T'en as mis, parfait. On va te mettre un peu de coriandre. Ouais. En graines. Du cumin. Juste un tout petit peu aussi. On a de la cardamone. En bonne sport. Yeah, une petite chatte, là. Juste pour dire. Du persil. On en a! C'est la seule que je connais. Je suis pas une épice en plus, bro. C'est ça. Pas une épice. Ben, si tu sèches, pis ouais, ça peut te devenir, là. Ok, fait que là, on fait ça. On a-tu. Là, on aime pas ça de trop sucré. Ok. On va couper avec du vinaigre un petit peu. Ok, parfait. Vinaigre de riz. On est en Asie, on est avec un vinaigre de riz. Absolument. On a-tu un jus quelconque qui traîne? C'est du coup, je pense qu'on va plus y aller avec. On va sortir les vinaigres, on va voir ce qu'on a. On a beaucoup de balsamique. T'as bras, check que ça brûle pas. Oh, c'est. Oh, mais ça qui est beau. On a du vinaigre de vin blanc. Ok, parfait. Ça va donner de l'acidité, hein. Bon, ben, on va le tenir, hein, le vinaigre de riz aussi. On a moi, je me sens là-dedans, là. Ah, tu sais, tu fais comme chez vous, JP. Okay. C'est parce que je suis pas chez vous. Non, non. On est chez les autres derrière la caméra. On rappelle à tout le monde que l'émission d'aujourd'hui est tournée dans notre cuisine studio sur le boulevard Tachereau à Laval aussi. Fait que si vous voulez venir cogner à notre porte, c'est sur le boulevard Tachereau à Laval. Tachereau à Laval, hein? Yes. Il n'y a pas beaucoup de parking à Tachereau. À Laval. Hey, on salue les autres brasseurs. On va commencer avec un petit peu de vinaigre. Vinaigre de riz? Ouais. Bon. Un petit peu, hein? Je pense que c'est la poire, un petit peu pour rien. On va en mettre un petit peu plus de vinaigre de vin blanc. Ouais, juste. C'est bon. Là, c'est bon. Là, on va le laisser réduire. Là, c'est beaucoup, on va faire beaucoup des réductions, qu'on appelle. Absolument. Pour concentrer les goûts. Plus avec l'acidité, on vient de tuer le sucre. Ce qui est dans la cuisine asiatique. Vraiment, venez de tuer le sucre. Il vient de partir. On l'a vu, il est parti dans la porte. On n'a pas une porte de ça. Fait que ça, on a une cuisine asiatique. On fait le yin et le yang. Ouais. C'est la base de tout ce qu'il fait. Le sweet and sour. Sweet and sour. Ouais. Fait qu'on compte si c'est sucré, tu mets du salé. D'acide, on contrebalance. L'eau, le feu. Ben, c'est ça qui est la beauté de la cuisine asiatique, c'est qu'on retrouve tout le temps tout dedans. Tu sais, t'as le sucré, le salé, le petit côté surette, tu sais. Puis dans la plupart des recettes, c'est comme ça, en plus. Ouais. Non, ça, on n'a pas. Ah oh, non, on n'a pas servi encore. Mais les Asiatiques cuisinent beaucoup. Quand je suis en Thaïlande. Fait que reste tranquille. Ouais. Non, mais en Thaïlande, ils cuisinent. C'est comme, pour eux, cuisiner, c'est comme de la pâtisserie. Tout est vraiment calculé. Tu mets 4 piments forts, t'en mets pas 5, t'en mets pas 6. Ouais. Fait qu'ils cuisinent plus comme de la pâtisserie. Dès que tu rajoutes de quoi de différent, c'est plus le même nom. Tandis que nous autres, c'est. On est plus freestyle. Non, puis je sais que toi, t'as fait un livre de cuisine. À tout le monde, tu fais un livre de cuisine, c'est tellement compliqué parce que qu'est-ce qu'il va là-dedans? Ouais, il va ça, là, tu sais. Bon, après, quand j'ai fait, ben toi, t'avais fait une coupe. Moi, j'ai eu un ghostwriter qu'on attend qui m'a aidé. Ah, ok. Moi, ça va plus vite. Fait que je donnais mes recettes. J'ai dit pas, mais moi, avec, j'ai un ghostwriter, mes livres. Ça veut dire, là. Ils sont pas loin. Il est à l'arrière de l'écran, justement. Moi, il y a ça, la maison d'édition m'a dit que ça avance pas tes affaires. Fait qu'ils ont envoyé une fille, une dame. J'ai galoché ça en après-midi, les recettes. Ah oui, on y va, les gars. Elle a écrit, ok, maintenant, 2 cuillerées d'échalotes, si, ça. Puis, Mais c'est correct, c'est le même, moi, quand je fais des choses du monde. 6 heures, faire un livre de cuisine. Ah, mais c'est quand on a fait le livre du kitchen avec mon ancien partner, on a décidé du livre en un dîner au chinois, justement. On est allé dîner au chinois, on a dit, ok, on va faire. On avait pris 20 ingrédients, je pense. Oui, c'est ça. 21 ingrédients. Je me souviens plus, 22 ingrédients. Chacun, on faisait 2 recettes.
Fait qu'on s'était ça, donc asperge. Qu'est-ce que tu fais? Une soupe d'asperge, ok, moi je vais faire une salade d'asperge. Tac, tac, tac. Fait qu'on a tout écrit les titres. C'est cool. En une heure et quelques de temps. Ah, mais quand vous connaissez votre métier sur le bout de vos doigts, c'est ça qui ouais, est. Ouais, mais t'allais dire, toi, quand t'écris des sketchs, je veux dire. Oui, mais quand j'écris des sketchs, c'est la chose. Tu fais naturellement, là, à un moment donné, oui, tu passes un filon d'idées, et puis. Les gens, mes writers l'écrivent, puis après ça, je recorrige, j'en faisais ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, puis je le fais en show. T'écris-tu pas mal tous tes sketchs? Moi, en fait, j'écris tout, mais j'écris tout, moi, je l'improvise beaucoup. Ok. Je pars avant de faire mon show, là, je l'improvise hein, pendant 2-3 heures, puis après ça, je reviens, puis là, je l'écris. Okay. Puis après ça, là, je leur punch avec mes gars, puis là, on leur travaille. Parce que moi, je sais que t'es un maître de l'impro, parce que moi, j'ai fait de la guignolée des médias avec Phil, puis j'ai passé la journée à rire. Lui, il ramassait de l'argent, moi, je riais ce journée-là. C'était vraiment on ça. Avait du fun dans ta barre. Ah oui, un gros fun. Toute une gang de mon gars, m'a dit. Ok, j'allais monter moi juste une seconde. Là, vous voyez, c'est devenu caramel oui. Quand même, le vinaigre. Absolument. Et... ouais. Là, on va rentrer du jus d'orange. On voit que ça commence à vouloir cramer, là. Ouais, ben, tu sais, les bulles, tu vois, les bulles sont plus grosses. Là, on va mettre du jus d'orange. Puis on laisse redescendre. Ouais. Là, on aurait pu mettre un jus d'ananas. Ouais. On aurait pu mettre du jus de pomme. Ah, juste un, ouais. petit côté jus. Oh, gars, il y a comme une croûte de sucre. C'est ouais, non, c'est caramel. Fait que ça. Oh, merde, j'ai entendu des gars. Non, 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 c'est correct. C'est correct, ça va tout figer. Si tu savais, tu. On chicanate, on est propre, là, aujourd'hui. Ça, on va le laisser. On va le laisser le dos encore. Parfait. Excuse, on peut continuer. Non, 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 en fait, c'est correct. Je vais même pas. Ben, lui, il y a beaucoup de tuiles à l'auberge. Ouais. Michel donne des spectacles à ça. Ouais. On a fait une petite salle. Ok. Fait qu'on fait. Michel donne des choses. Puis on a aussi. Ah, ouais, j'ai l'impression que c'est comme un bateau de croisière. Tu sais, une petite salle, Michel Barrette. Ah, mais ça, c'est 160 places. C'est vraiment. Ouais, c'est ça. En fait, il a enlevé le côté spa. C'est ça qu'il a ça, fait. Dans le spa. Il a enlevé le spa, puis l'autre côté, il fait ça. Je sais parce que. Il m'a téléphoné pour y aller. Ben, ça, il y en a peut-être d'autres qui vont venir. Ouais, ouais. Peut-être un d'autres. Là, oui, probablement, tu sais, mais c'est parce que ça, on fait ça souvent des rodages. Mais quand je vais ben Michel, c'est exactement ça. Puis, tu sais, en plus, Michel, ce qu'il a dit, c'est que Chris, il habite juste en face. Ben oui. J'ai plus besoin de. Les gens aller, non, mais tu montes à Sherbrooke pour aller faire ton rodage, tu reviens, tu perds des 1h30 de char. Ouais. Dis là, je peux le faire. Devant chez nous, c'est vraiment pas loin parce que. C'est. Comment. Les trois tilleuls. Les trois tilleuls, là, c'est sur les Patriotes. La 20 est là, tu tournes. Une fois que t'as passé le pont, t'étais à 25 minutes. Oui, non, c'est super proche. C'est comme t'étais dans le bois, t'étais dans la rivière, on a la rivière. C'est à peu près à 20 minutes de Montréal, au sud de Montréal. À 150. C'est ça. Une bonne demi-heure. C'est super le fun, dès que t'es rendu au Richelieu. T'as vu comment c'est cool, parce que mec, t'as érodé ton show, là, tu vas pouvoir aller dire salut dans la cuisine. Puis quand tu connais le chef, t'as tout le temps des freebies au restaurant, ah, c'est sûr. Cool. Puis déjà, il sait que t'aimes pas le fromage puis les produits laitiers. Moi, je suis un maniaque, j'aime beaucoup les tartares. Ah, je suis en train de découvrir les tartares là, de toutes les choses. Là, c'est le thon. Je suis en train de m'habituer au thon. Ah, wow! Là, je suis en train, mais c'est dur. Là, j'ai bœuf, saumon et à côté, j'adore ça. Le thon, je fais une fois de temps en temps. Le thon, pourtant, c'est moins dur que le saumon, t'as plus de goût de poisson que du thon. Ah, ouais, c'est sec, le thon, il roule pas dans la bouche. Okay, ouais. Ça ressemble plus à une viande quasiment. Ah, ça, c'est comme, tu traites comme une viande, le thon. Ok, ouais, ok, ben je vois. Puis tu prends ton tartare de thon, fais-le comme ton tartare de bœuf. Commence demain. Hey, on a de la sauce qui réduit. On a fil la prise. Qui parle tartare de thon avec Jean-Philippe Saint-Denis. J'espère que vous avez l'émission. Je veux que le chat est vraiment en feu pour vrai. On n'a pas le temps de vous lire parce qu'on est dans les grosses conversations on a même aussi. On a même, Québec High-Tech de son nom Steven Saint-Onge. Oui. On appelle à l'instant. On prend l'appel. Ah bon, absolument. On a un appel Skype. Steven, comment vas-tu? Hello. Bonjour. Ça va, mon Bob? Ça va bien toi-même? Oui, je me demandais si tu m'entends bien parce que j'ai changé mon casque. Non, 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 on t'entend super bien. Steven, si je me trompe pas, c'est toi qui nous appelles de Louisville, right? Oui, monsieur. Ah, yes, je commence à connaître mon monde, là. Je suis content, là. C'est un morceau de robot pour moi. Qu'est-ce que tu penses de moi aujourd'hui, mon Steven? Ben là, premièrement, je t'appelle pour te dire que je suis de retour parce que j'ai manqué peut-être les deux dernières émissions. Ah, ben écoute, écoute-les en rediffusion parce qu'on a quand même eu des bons shows. Le show avec Francis Redé. Si tu veux voir Francis faire Pete Béliveau une dernière fois, c'est ici que ça s'est voir. C'est ici avec une smoke pis tout, là. Il s'est vraiment mis dans le personnage. En plus, je l'ai dit, mon Bob, non, enfin, t'as trouvé un invité qui est de ta grandeur. Ah oui, absolument. Non, mais absolument, aujourd'hui, c'est des petits hommes dans la cuisine. Monsieur Laprise, il est quasiment de ta grandeur. Absolument. Je voulais te dire, mon fils Laprise, moi je t'apprécie bien gros, puis je tenais à te le dire. Ah, ben merci. À moi ou merci? Ben à toi, là, à toi, ouais. Merci, t'es bien gentil, mon chum, c'est bien fait. Habituellement, quand j'appelle, c'était pour parler à Bob, mais là, Bob Moses, regarde, il y a Philippe à côté de toi, là.
pas le choix, faut que j'y parle. Ouais, c'est bon, Steven! La semaine prochaine, Phil Lefchef! Hey! Là, non, vous avez du fun, puis je connaissais pas M. Saint-Denis, c'est ça? Oui, exactement. J'allais dire l'autre Phil. L'autre Phil. Ouais, moi, c'est Jean-Phil. Le duo Phil. Puis, lui avec, il m'a l'air d'un gars cool au bout. On ne l'achèvera pas, il y a des gros bras, fait qu'on va rester tranquille. Yes! Hey, Steven, c'est super gentil d'avoir appelé. Yes, moi, Bob, je l'ai une petite question comme ça, parce que je suis en train de me papoter un riz que je fais un petit riz frit au poulet. OK! Puis souvent, ben ma recette est comme sèche un peu, tu sais, elle goûte le riz et le poulet. Y a-t-il d'autres choses à mettre là-dedans pour donner du goût? Moi, ce que je ferais, sans niaiser, je ferais frire un œuf, premièrement. D'habitude, tu finis avec un œuf ou tu le finis à la fin, ou tu le mets sur le dessus, le frit sur le dessus. Même s'il est un peu dans le trou, ce que je ferais, peut-être, je ferais comme style omelette, puis je rajouterais mon riz à l'omelette. Puis là, tu sais, tu pourrais doser, puis tu verrais à peu près la consistance, fait que tu te ramasserais avec un riz, puis déjà l'omelette. T'as fait baveuse un peu, fait que ça va donner un peu de jus là, pour aller avec ton riz finalement. Mais sinon, comme je disais en Thaïlande, ils mettent beaucoup des œufs, un œuf miroir, un œuf frit par-dessus. Ah, le riz, là, tu casses avec le jaune, ça fait exactement. Ils mettent des œufs partout. Même un œuf poché, ça pourrait être, ça pourrait être bon. Exactement. Mais c'est pas de casser la tête, un œuf miroir par-dessus. Tu coupes, le jaune va couler dedans. Ben, j'aime bien les œufs, fait que l'idée est bonne. Merci, boys. Ben, pas trop. Hey, prends une petite photo de ce repas-là, puis tu me l'enverras avant la fin de l'émission. Ben, on va checker ça. Si ça marche, c'est certain qu'on va faire ça. Bien sûr. Hey, merci, Steven. Yes. On se voit bientôt. Ouais, ouais, puis à la prochaine. Ça m'a fait plaisir de t'aider avec ta recette. T'es mon chum, mais tu me connais pas, mais je suis ton ami pareil. Ciao, mon chum, merci. OK, bye. Ciao. Hey, ben, si vous voulez faire comme Steven Saint-Onge, je vous rappelle Bob.lechef sur Skype. Sinon, hein, ben, vous suivez toutes les conversations sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram. Utilisez le hashtag BLC Live. Alright, on revient à la recette. Excusez-moi. On a du soya qui traîne? On a du soya qui traîne. C'est on va aller. On parle de sauce soya, bien sûr. On a celle de la belle sauce soya canadienne. Wouh! C'est un produit du terroir, VH! Non, du tiroir! Non, ben moi, pour quelqu'un qui commande. Ah ouais, ouais! C'est plus mon style. Ok, on va venir puncher juste un petit coup. Sauce soya. Ouais. Fait qu'on a pas mis de sel, mais le soya va venir l'assaisonner naturellement. Ça. On va le faire bouillir. Puis on va partir le four. Vas-y, vas-y. Parti. Le four, non, t'es parti! Combien tu veux mettre ça? 400 au moins? Ouais! Je comprends pas, tu vas mettre juste le canard là-dedans, puis c'est un gros four d'acide. Non, ben ça, on va le laisser, on va marquer dans le canard. On va nettoyer le magret. Tu veux le faire? Tu veux le faire? C'est quoi le magret? On va aller prendre une douche avec, non? Okay. J'aime bien tout le monde! On a le magret. On a un petit filet ici. Ça, c'est le bout que le chef il mange. Ok. Ou qu'est-ce que tu fais, t'en ramasses plein de morceaux que tu le donnes au staff après. Ouais, ben c'est ça, ou même tu sais, dans le restaurant. Ça, c'est comme le l'aiguillette, on va dire. Mais t'as un air qui passe dedans ici, je sais pas si on peut voir. Ouais, ça donne un petit côté rough. Vraiment y enlever. On a le nerf ici, exactement. Puis ça, on l'enlèverait avec un petit couteau à l'office. Mais ça, souvent aussi, on va le mettre. Si on fait avec 50 portions, ça veut dire que j'ai 50 morceaux de main. Ouais. Le midi, tu fais une petite salade, tu mets 3-4 morceaux dessus. Puis ça, c'est le meilleur du canard, genre, c'est pas mal. Non, c'est plus le meilleur, ouais. Mais tu veux pas avoir de perte. Tu sais, tu veux pas le perdre. Okay. Fait que tu gardes tous tes morceaux, puis tu veux te faire un petit sauté. J'ai éteint le rond, c'est bon. Okay. Tu veux te faire un petit sauté avec ça. Tu peux même les paner, faire les petites aiguillettes. Dans... Ah, ben nous, c'est ça finit souvent dans la friteuse. Ouais, exactement. Non, c'est. Direct dans la friteuse, puis tu le fais cuire. Ben, ouais. Tu vois, moi, je passe ça souvent, tous les petits morceaux de bœuf dans le cornstarch. Je mets ça dans la friteuse. Exactement. Ah, ouais. Juste du sel, du poivre, salt and pepper. Messieurs, on a une question de la plus haute importance. Okay. On a deux personnes qui se demandaient dans le chat, la sauce soya, est-ce qu'il faut garder ça dans le garde-manger ou au frigo? Ben écoute, si tu vas dans un resto asiatique, ça à table. Nous, au resto, je regarde toujours dehors. Dehors. Ben, c'est de la fermentation, fait que ça peut pas aller pire que qu'est-ce que c'est. Bon, fait que... Ça donne le top de ce que tu peux pas. Ça peut pas pourrir.
Mais moi je suis vraiment freak, puis moi je la garde dans le frigo. Au congèle. Non, ben oui, je la mets dans des cubes, je fais des cubes avec, je mets le cube qui dégèle, puis c'est super bon. C'est très justement, dans le refri à Steven Saint-Ange, j'ai un petit cube de glaçon. C'est le toast qu'il a joué. En été. Non, moi, j'ai ça, je garde ça dehors. Tout ce qui est des affaires de même, tout ce qui est trop salé. Ta moutarde, t'as mis ça au frigo? Tout, je la regarde au frigo. Ok. Mais tout ce qui est trop salé, tu peux le garder dehors, ça peut pas aller pire. Tout ce qui est bien, bien sucré aussi. C'est vulnérable. Ben, ça au frigo. Ah ouais? Mais moi, je dis, mettez tout au frigo. Quand c'est pas la tête. Il y a 4 frigos chez eux. La barre de peanut peut rester un an dehors. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est la maillot, moi, je la laisse dans le garde-manger. Tu peux laisser le pot ouvert un an, le bord de peanut. Ouais, puis il n'y a pas bougé rien. Il n'y a même pas de croûte. Ben, c'est quoi là? Ok, on va enlever le petit nage qui est sous le dessus ici. Justement, il était parti pour charcuter. Ouais, mais là, je m'excuse, j'ai mal fait ça. Vas-y. On a juste le petit nage ici qui peut être un peu plus dur. Donc, on vient juste. Ah! Toi, charcuter, c'est coupé. Tandis que ça, c'est pas charcuter, c'est. Ça, c'est bien fait. Bien fait. Par un professionnel. Faut faire attention. Parce qu'il y avait comme une veine, il y avait du sable dedans encore. Je me demandais c'était quoi. C'est une veine. Les animaux ont du sang. Voilà. Ça, justement, Phil, tantôt, il disait que c'était un pro du barbecue. On pourrait-tu faire ça sur le barbecue, On pourrait. Faudrait peut-être enlever un petit peu une couche de gras, par exemple. Okay. Ah ouais? Parce que quand que ça va se mettre à fondre. Qu'est-ce qu'il y a quand le gras? Ça va flamber. Ça flambe. C'est fait que c'est ça. Mais là, tu ne l'enlèves pas, le gras. On va venir nettoyer sur le côté. J'enlève le surplus. Okay. On serait pas obligé de le faire. T'sais, si tu en fais chez vous, tu peux garder le petit excédent de gras. Mais tu sais, Jean-Philippe, c'est un gars de restaurant avec du vraiment. On est pour voir ça. OK. Et après, sur le dessus, on va venir faire un petit quadrillé. Un petit quadrillé. Pour pas que ça. On dit que ça shrink. Je comprends. Ben, ça y va plus de même. OK. Il deviendrait comme une crevette. En cuisant, il va. OK, je comprends. Fait que là, on va juste donner un petit quadrillé. On va pas jusqu'au bout. Juste vraiment pour dire que... Ça va l'empêcher de rétrécir. Et est-ce que les carreaux doivent être de la même grandeur? Regarde. Il dit professionnel fatiguant. Il met ses doigts. Je l'ai vu le truc, gang. Il met ses doigts. Il calcule avec ses doigts. Une épaisseur de doigts. Une épaisseur de doigts. Juste vous montrer. Ça vous prend les doigts de Jean-Philippe pour faire ça. Un beau quadrillage de même. Ça fait 20 ans. Et voilà. On enlève ça ici. On va avoir besoin d'un autre poil. On va repartir, c'est ça. On va repartir. Pas dans celle-là. Non, ça, on va passer. On va mettre la peau croustillante. Parfait. Ça, le petit morceau de gras. Tu mets la peau croustillante dans ça. Tu fais comme saisir. On va le saisir. Le gras, okay. Il va fondre. OK. Puis on veut que ça devienne croustillant. OK, je comprends. Avec ça, de l'huile? Non. Non, de la bière? On part. On part toujours. Moi, je pars à froid. Ah ouais, direct. Ah, parce que ça, compliqué. Ça va faire le beurre. Ça, plus. Moi, j'y vais à froid. Ah ouais. T'attends même pas que le poêlon est chaud. Tu le mets de même, là. Pourquoi? Ben, le gras va fondre. Bon, on veut que le gras, il y a quand même une bonne couche de gras, ok? Ouais. Tu vois, il y a peut-être un centimètre. Ouais. Ça, on veut que ça fonde, parce que sinon, c'est quand même pas super agréable de manger du gras. Ouais. Quoi qu'on est agréable à manger. Ouais. Mais... fait qu'on veut que ça fonde, pour qu'il reste juste une petite croûte qui va donner les croustillants. Okay. Fait que moi, je pars toujours à froid. Je le salerai pas, je le poivrerai pas, parce que c'est mon laquage. Ah, ok. Qui est déjà quand même assez salé, si on y goûte. Oh wow! Mais là, c'est un 2 en 2, Bob. Ça fait 2 chefs en 2 semaines qui viennent et qui démystifient, qui reconstruisent complètement. Absolument! Oui, on se rappelle qu'Antonin Mousseau-Rivard, il était ici. Le Mousseau, il est venu cuisiner. Ben lui, il fait des trucs poussés. Ouais, assez, mais. C'est pas scientifique, mais il est plus. Il a beaucoup de recherches. Oui, d'ailleurs, t'as-tu été à son restaurant? Non, je suis pas allé. C'est fou. Pour vrai, si tu veux comme vivre quelque chose de gastronomique. Je vois des trucs sur Facebook, c'est vraiment. C'est top, hein, quelque chose de vraiment différent, là. Quand, c'est quoi, Ah, yeah. Moi, quand je suis allé, il a fait des faux. Ben, il a fait des calmars au charbon. C'était du faux charbon au calmar, finalement. Fait que t'avais comme du charbon en feu sur la table. Puis là-dedans, il y avait des cubes qui étaient pas du charbon, mais c'était du calmar. C'était brûlé à la cendre. Puis tu regardes ça, puis c'est comme une petite boule noire. Quand t'as bouffe, ça l'explose de calmar. Là. Ah, ouais. C'est. Des cheveux, je l'explique super mal en ce moment. Ce que j'ai mangé. Il te regarde, il me regarde, c'est pas ça! C'est cave! Il viendra pas à cause de toi. Mais non, mais. C'est la cuisine qui est. T'sais, on peut pas dire moléculaire parce que c'est plus vraiment non, ça. Non, c'est pas vraiment ça. Puis mais il y a des techniques peut-être. Quand on cuisine, tout est moléculaire finalement. Qu'est-ce que tu veux dire moléculaire? Ah ben c'est que ça veut plus rien dire. Au début, il y a eu une mode, il y a 8 ans, c'est comme l'après-cuisine fusion, finalement. Ouais, ben tu sais, c'est les scientifiques ont embarqué là-dedans pour dire... Le pâté chinois, c'est-tu moléculaire, ça? C'est démoléculariser, ça. Ah ouais?
Juste montrer quoi d'intéressant pour vrai, parce qu'on a mis aucun corps gras. Ah, dans notre poêle. Ça, là, il y a plein de gras qui va sortir. Puis on est parti à la fois, puis check-moi ça, le gras qui commence naturellement à sortir de ça. Puis ça, tantôt, ce gras-là, on va le garder parce qu'on va faire nos frites de polenta avec ça. Je suis pas fou, j'avais pas pensé. J'avais dit, on le garde pour faire des patates. Non, un gras de canard, des petits grelots, là, le matin. C'est la meilleure affaire au monde, tu gardes tout le temps ce gras-là. Puis ça fige comme un Crisco, là, tu sais, tu t'amènes un pot maçon. Puis il va vraiment figer là, comme du Crisco, puis après là, tu te mets une cuillère de gras de canard dans tes patates à déjeuner le matin avec un petit peu de thym, puis après tu vas faire bien du bécé. 4 heures de vélo pour... Mais le gras de canard, c'est un des bons gras hein, animal qu'on peut manger, pour vrai. Oui, c'est le plus santé de la gang. Ouais. Ah, beaucoup moins bécé que le beurre. Même s'il shoot des animaux de même? C'est pas shooté, c'est non, mais gavé, mettons, gavé, tu sais, gavé dans la bouche. C'est une technique mais aussi, il faut dire, on dit souvent que c'est cruel, hein, gaver les canards, puis ça se fait beaucoup moins, de façon bien moins sauvage qu'à l'époque. À l'époque, on y sacrait un tuyau de cuivre jusqu'à dans l'estomac, puis on nourrissait. Puis souvent, le canard, sans liaison, on va le dire, parce que c'est un show de cuisine sur le web, puis on a le droit de dire ce qu'on veut. Le canard, il explosait, littéralement, son estomac explosait. Ah, ben ça, j'ai jamais vu. Ouais, t'es, plus dark, t'es plus dark que moi. Il vivait pas, là, parce que c'est ça, à un moment donné, son estomac était plus capable d'en prendre, mais à ça, il faut entendre. Mais aussi, c'est que si tu vois les canards, le gars, il court pas, le canard, il veut se faire gaver aussi. Oui, souvent, ils sont d'accord à bout. Ils viennent vers toi, même si le gars, il est là avec son espèce de hose d'aspirateur, là, presque. Là. J'ai plus faim, je vais vous attendre dans le char. C'est bon. Alors, au gars, ça pète de même, qu'est-ce qu'on fait? On met la main pour montrer aux gens que ça fait pas si mal que ça. Okay, on veut pas que ça pète dans la caméra. Non, ça dérange pas, la caméra a déjà planté aujourd'hui. Tout. On peut si vous voyez, regardez, il y a des le gras que ça a rendu déjà. Hein? Alors, ça c'est beau comme ça. On a déjà combien avec de gras? Ben, check, non, c'est pas le gras, on veut regarder comment on veut une coloration. Un peu plus. On va regarder encore un peu plus. Ben, si tu veux, je vais essayer. Ben, moi, pourquoi jamais? Parce que là, je veux vraiment qu'il. Moi, je veux qu'il. On veut que ça caramélise. Ah! Mais après, c'est qu'il y a plusieurs techniques. Si on l'aurait juste un magret rôti, là, on irait pas trop parce qu'on le finirait dans le four sur côté four. On le saisirait de l'autre côté, on remettrait la peau. C'est moi qui est parti loin à bouillir. On remettrait la peau et on le mettrait dans le four direct comme ça. Mais là, c'est qu'on va le cuire dans le laquage. Dans la cage. Le laquage. Le laquage, oui. C'est l'affaire là que je comprends pas encore. Quand on va être fini de saisir, on va le tuer dans l'autre poêle. On a fait notre caramel, le laquage. Et lui, lui, on va le mettre dans le four. OK. Lui, on va mettre ça là-dedans, côté viande, dans le laquage. Ouais, on va le rouler dedans, on va le rouler dedans pour mettre dans le four. OK, pour qu'il se. Combien de caramel que ça? On va y aller dans le four à peu près 5 minutes. Ah ouais, c'est juste 5 minutes de cuire un canard. Oui, ça se mange rosé. Ça se mange rosé, oui, c'est vrai. Checkez-moi ça, comment que ça, c'est de toute beauté. Même si on y touche, j'y vite, ben pas t'en dois-tu longtemps parce que c'est... Ah, le gras de canard, puis de là, pourquoi c'est meilleur que le beurre? OK, la santé, parce que le gras de canard a un point de combustion beaucoup plus élevé. Ça, on pourrait frire là-dedans comme avec une friteuse. Ça va à 350, ça tient bien la chaleur. Ça veut dire que du beurre, ça brûle. Non, mais t'as vu, je savais qu'il était un peu intelligent à bord de ma vie. Un peu! Ça m'arrive! Non, mais tu connais vraiment bien ça, c'est ça le fun, c'est tellement. C'est le fun de venir parce que j'apprends plein de choses. Que ça, on va servir ça avec une salade de nouilles soba. Oui, absolument! On va en parler. Des nouilles soba, c'est des nouilles au blé tendre. Tu sais, tu fais ça? Jamais. C'est super bon. C'est santé. Oui, ça, c'est super. Plein de fibres là-dedans, OK? Fait que ça assure une bonne régularité. D'ailleurs, c'est écrit bonne régularité en asiatique. C'est ça, c'est le nom de la compagnie. Oui. Pour moi, toutes les écritures comme ça, c'est en asiatique. C'est pas en chinois ou en vietnamien. C'est quand même 300 calories. Ben, pour combien? Pour un demi-paquet. C'est pas super. Ah, t'as fait compter tes calories, tout ça? Ouais. Il y a des glucides. Ah, mais quand il y a des glucides aussi dedans, il n'existe pas. Mais il y a tout le temps des glucides, ça, dans les pâtes. Parce qu'il les transforme. Non? Mais comment c'est ça? Je sais pas pourquoi. C'est juste qu'il y en a tout le temps. C'est son bête. C'est vrai qu'il pense. Je trouve ça drôle, c'est le même frère. Mon visage. Lui, c'est ça. Ça, ça arrive souvent avec quand on réchauffe des confits de canard. OK. Ah, merde! Ça t'explose. Ça parle de moi, là. Des avant-bras, pis tout. J'ai des marques. Ça fait des années que j'ai pour rien sur moi. Tu veux dire que tu es fait bouillir dedans, pis bam! Ben, des fois, ça pète, tu sais, pis tu te la pannes dans les mains, pis ça tombe ici. Pis tu peux pas le lâcher, parce que sinon, ben, tu t'en renverses 10 litres de ses pieds, tu sais. Fait que t'apprends à durer des. Ou alors, carrément, ouais, c'est. Faut souffrir pour être chef. Ça, c'est vrai, ça. Oui, chef! On ramène-tu la laque ici?
Ouais, on va le checker. Vous êtes chaud? Moi, j'ai les pâtes dans les mains. Qu'est-ce que je fais? J'ai donné ça au chien. On va dans le feu. Dans ce temps-là, on va envoyer notre canard au four. Ouais, ben non, ça, on va le mettre dans l'ac. Ouais. Alors, on va se couper des. T'as-tu des shiitakes? Oui, direct là devant toi. Check ça en plus. Là, c'est. Ok, c'est la première fois qu'on cuisine avec d'autres choses que des champignons de Paris. Shiitake, chat. Première fois en 38 chats. Shiitake. Shiitake, ça. Shiitake, ça. Regarde la pop, le show, ça. Là. Non, c'est du web. il pratique son matériel, je vous assure, il est drôle. Mais le shiitake, c'est rare qu'on cuisine avec d'autres choses que des champignons blancs à Bob le Chef. Parce qu'on y va tout le temps dans le simple, pas cher. Excusez-moi, ici, je m'habitue aux nouveaux angles de caméra. Donc, le shiitake, quand même quelque chose. Ça pousse au Québec, les shiitake? Il y a un fond. Vous en avez, quand j'étais au bif, quand j'avais madame, elle faisait des pleurotes. Ok. Les shiitake, je sais pas si. Seule chose, j'aime pas du shiitake, ok? Il y a un petit peu de perte sur le shiitake parce que la tige, elle est très. Très coriace pour ouais, elle. La tige, elle se mange pas, c'est du caoutchouc. Exactement. Ah, ouais. Fait qu'on garde juste le cap. Finalement, la tige, il est ainsi chief. On va voir si t'aimes ça. Une bonne tige, ça va être bon pour ses dents. Il trippe. C'est chiant. Non, ben, les tiges, on garde souvent, on met dans des bouillons. Ça donne du goût quand même. Ah, mais ça se mange pas. C'est du caoutchouc. C'est vraiment caoutchouc. Ah, on aurait même pu mettre nos on tiges. Aurait dans on aurait pu mettre nos tiges. Absolument. Chien, ramène la tige! Non, mais ce chien-là, il trippe ses champignons. D'ailleurs, il trippe ses truffes. C'est malade. Ça coûte cher, oui, je sais. Ben, on va peut-être le manger en fin de compte. On veut-tu les émincer, nos champignons? Ouais, on va les émincer. On va les émincer. Regardez mon laquage, j'ai rajouté un petit peu. Faut quand même que ce soit liquide parce que ça va réduire dans le four. Oui, absolument. Puis on veut pas que ça devienne du caramel et que ça brûle. Okay. Fait que là, je vais prendre ma grippe. Ouais. On vient de déposer ici. On a-tu une plus petite poêle? Ouais, absolument. Je sais pas si tu penses. Juste pour qu'il baigne plus dedans. Ok, pour que ça soit plus. Ça, c'est un truc de compétition. Oh! Oh! La creuser. Enfin! On commence à parler! Enfin! Hey, on est tellement maltraités! Des outils de travail de merde. Ben, c'est beau ça! Tu te débarrasses. Ah, ça a ça sur le feu ou là, c'est. Ok, on va juste leur mettre à bouillir. Ouais. On leur met à bouillir, puis là, je vais le mettre au four. Absolument. Parce que lui, il a saisi les deux barres. Ouais. Fait que déjà, il y a une cuisson faite dessus. Il est saisi. Mais il est encore cru en dedans, là. Ok. Puis là, on va venir avec le laquage, il va bouillir un peu dans le laquage. Ok, puis ça va le faire cuire davantage. Ouais, c'est là qu'on finit la cuisson, puis en le laquant, c'est ça, on veut qu'il devienne tout. Comme s'il était recouvert d'un petit caramel que tu peux te voir dedans. Ok, je suis. Ça, le laquage. Ok, Christy. Là, c'est le petit goût, tout le goût va être alentour. Fait que c'est ça du canard laqué. Fait que. Comme dans le Chinatown. On aime ça, Chinatown. Absolument. Hier, justement, là, je parlais à des gens, puis ils me parlaient de leur dédain du quartier chinois. C'est à Montréal? Ouais, puis il y a bien du monde, tu sais, ils vont passer. Moi, j'ai grandi ici, hein, fait que je vais dans le quartier chinois depuis que j'ai 4 ans. J'ai tout le temps mangé. C'est un gars de Montréal. Ouais, non, un vrai. Ben, c'est pas pour rien, j'ai pas de permis de conduire. Je serais mal pris à le style du Saguenay. À vélo. Non, mais c'est vrai, si t'as pas de char là-bas, je veux dire, tu restes sa rue. Ben non, tu peux t'arranger, c'est pas vrai que parce que t'es en région, que t'as pas de char, ça marche pas, c'est pas vrai. Non, parce juste que c'est tout par perdre vos permis à cause de la boisson. Non! En tant qu'adulte, une responsabilité que tu dois avoir, c'est d'avoir un permis de conduire. Ou de pas en avoir, c'est dangereux. Tu profites de nos routes sans payer. Oh. Ça, c'est vraiment gossant. Je me sens mal, pour vrai. C'est quoi, tu vas me dire que t'avais un scooter? Non, il faut un permis pour un scooter. Tu sais qu'il y a un skateboard. Ouais, c'est pas mal ça. Ok, on va le mettre au four. Ok. C'est tout? C'est tout. C'est tout, on le met au four. Mais on en a déjà préparé un. Ah non, c'est pas un show de cuisine. Non, c'est pas. On marche pas de même. Il n'y a pas de caméra dans le frigo. Hey, nos shiitake, on va les manger cru. On pourrait les manger cru si on voudrait. On peut les faire revenir un petit peu. Ouais, mais il y a un petit peu de gras de canard là-dedans, là. Fait que ça. Hey, abusons du gras de canard. Ben, on va y aller. Une petite shot dans même. Boom. Gros bobouille, hein. Non, mais même goody au gras. Ouais, non, t'es gentil. Ça goûte tellement bon. Ouais, ça sèche. Je comprends pas, là, comment ça goûte bon, là. Non, je suis sûr que ça goûte bon. On va se faire une petite salade froide de nouilles dans le fond, nouilles sur le bas. Shiitake. Ouais. Puis ici, on a du kale. Du kale? Kale. Kale, c'est ça que j'ai mangé hier au tournage.
Pour vrai, t'en manges-tu des, t'en manges-tu souvent? Ben, en fait, il y en avait fait d'une manière différente. Il était plus vert que ça, là. Il était comme peut-être cuit. Ça se peut-tu du mieux? Ouais, on va le cuire aussi. Il va s'en ressembler. C'est très bon, ça. Ben, en fait, ça goûte rien. Ça goûte ce que tu mets dedans. Tu peux le faire sécher au four aussi, ça fait des excellents chips. Tu peux faire des genres de chips, ouais. Absolument. C'est bon aussi, là. Oui, ben oui. C'est le genre de truc que Mousson, le genre de truc que Mousson, il fait. Puis toi qui tripes tartare, là, pour vrai, tu prends les feuilles, tu mets ça sur une plaque à pâtisserie au four, là, à 250 degrés, là, pas fort, puis tu les laisses sécher pendant une heure, à peu près, là, même une heure et demie, OK? Ils vont sécher comme des chips. Bon, tu vas les prendre, ils vont quasiment casser dans tes mains. Tu fais un beau tartare de saumon, là. Tu mets des chips de kale sur le dessus avec ça. Ah, wow! Puis en plus, là, tu viens chercher les textures, tu sais, au lieu que ça soit juste. Tu sais, parce que tantôt, tu disais que t'étais dédain un peu les textures. Oui. Fait que tu joues avec les textures, tu vas te chercher de quoi de croustillant avec ton tartare. Comme ça, ça va donner un petit crunch. On pourrait les frire aussi. Comme les épinards frits dans le chien d'attente. Oui! Les Chinois, ils mettent beaucoup les épinards frits. Pas des épinards, là, on n'est pas santé. Dans la friteuse direct. Oui, absolument. C'est bon. Non, mais c'est que tes épinards, ils deviennent. Imbibé de l'huile, puis comment? Ça aussi c'est un petit croustillant. Dans Chinatown, il y en a pas. Mais c'est ça, on parle de Chinatown, il n'y a pas de dédain dans le Chinatown, OK? L'affaire, le truc que je vous dis, c'est un quartier chinois, allez au restaurant où il y a des Chinois. Habituellement, ça a l'air vraiment calme. Mais ça, c'est partout dans le monde. Quand tu voyages, tu vas pas où est-ce que tu sais, la trappe touriste, tu vas exactement, pas, tu vas où est-ce que les locaux, ils bouffent. Tu sais, s'il y a plein de Chinois dans un resto du quartier chinois, du truc à bouffe doit être bonne. Oui. Ouais, c'est une façon de le voir. Moi, personnellement, mon adresse, je suis un gars du VIP. VIP BG. C'est old school. C'est mes top spots. C'est comme beaucoup le dumpling, je sais même pas c'est quoi le nom de la place, qui est dans le petit building au deuxième étage. Ah, je sais, c'est où, avec la belle affiche en néon, en plus, là. Puis il y en a un, moi, j'allais souvent chez Amigo qui s'appelle. On était sur la brosse. C'est les cuisiniers finis à 3h du matin, les bars, là. On descend dans Chinatown, c'était comme un de mes anciens chums, là. Ben, mon chum, dans le fond. On finissait dans Chinatown, mais on les avait tout essayé. Il est en feu, notre fil, là. J'aime ça, moi, je suis seul fun. Ah, mais, tu fais bien les choses, en plus. Ça, on va pouvoir arrêter tout ça. On l'a levé. On va les mettre de côté. Yes, sir. Fait que c'est sûr, on est dans Chinatown, là, on les essaye tous un après l'autre. À un moment donné, on en voit un qui s'appelle Amigo. Là, on est le même à moitié chaud. Il s'appelle vraiment Amigo. Là, c'est au deuxième étage, il y a juste des petits néons. Tu penses qu'il y a un sombrero? Ben, tu sais pas si c'est un salon de massage, tu sais, le genre. Là, on regarde ça. Fait que tu rentres en espérant que c'est un salon de massage. On voit des Asiatiques qui sortent, on dit, ah, puis, le meilleur. Ok, on rentre dedans. Le chef, il sort, on avait commandé, il nous met sur une petite table de deux. On commande des affaires. Ok, change table. On a pris une table de 8 à 2. Ça, c'est des grosses tables. Des grosses tables avec l'affaire qui tourne. On a commandé 3 stocks. Là, le chef, il nous regardait par la fenêtre. Là, il sort nous parler. Il y a des dents en or. Là, on le regardait. Tout est cool. Ça, t'as des dents en or, t'es hot. Fait que chez Amigo, t'allais essayer ça de l'année. Deuxième étage, la gauche chatière. C'est drôle parce que moi, je suis pas épicurien de même. Moi, j'aime pas ça, c'est des affaires d'or. J'ai besoin de ma petite routine habituelle. Puis c'est là où j'ai un ami qui a la cochonnerie à Chambly, je sais pas si déjà là à ce restaurant. Non. Puis quand je l'ai rencontré à Cozumel, il m'avait amené chez Seigneur Tacos à Cozumel. Écoute, je te dis, là, c'est. Cozumel, c'est une île tout petit, là. C'est genre, là, downtown, dans le village, là, creux, là. Puis à un moment donné, tu fais, mais je vais mourir, qu'est-ce que je fais ça? Puis à un moment donné, tu arrives à une place, c'est Seigneur Tacos. Il fait que son plat toute la journée, là, puis il fait des tacos au bœuf, au poulet, autre chose. Mais c'est clair. C'est la seule fois de ma vie où j'ai traversé la clôture pour aller faire autre chose. Franchi la ligne. J'aime pas ça, j'ai trop peur d'être malade. Ah non, mais c'est vraiment une idée. Ah ouais? Faut pas avoir peur. Hein. Ah, puis plus tu bouffes des affaires là-même, plus tu fais des anticorps pour. Plus t'es seul. Moi, j'ai un petit gars de 6 ans, là, puis je me souviens, il y a des parents, tu sais, le puis tous ses enfants. Moi, mon gars, je me suis dit, un moment donné, il va cette année de manger du sable dans le carré de sable. Mais lui, c'était ça, il se rend compte, c'est pas bon. Puis il est jamais malade non plus. Il a mangé juste assez de sable pour se créer des bons anticorps. Quand il fait du béton, il était carré. On dit dans notre temps, il n'y a pas beaucoup d'allergies quand on était petit. Ouais. Voilà. Comparé à la star, ils sont tous, vous avez tous des enfants, des enfants. Ouais. Tu as même plus le droit d'envoyer ton enfant avec un sandwich au beurre d'épinard. Ça, c'est capoté. Moi, le beurre épinard, dans mon enfance, c'était au moins 40% de ma diète, sans niaiser, tu sais. Nous autres, chez nous, on en mange en masse. Avec mes enfants, nous, mes enfants n'ont pas d'allergie, tu sais, mais j'ai des amis qui sont allergiques à plein d'affaires, là, tu fais... Tu sais, dans notre temps, c'est ça, il y en avait un gars qui était allergique dans le cours d'école, ou c'était... C'était Steve.
Ah, mais là, Steve, pas le gars de tantôt. Il s'appelait Steve, le monsieur de tantôt, c'est ça. J'aurais pu dire Jacques. C'est ça, mais il y en avait un à ce temps, je pense qu'ils sont tous allergiques. Mmh. Ouais, ouais. C'est une réalité que nous aussi, on a délai dans les restaurants. Les allergies, les allergies gluten. Mais c'est pas une allergie, c'est une intolérance. Moi, j'ai des amis qui en font, puis je fais comment? Je fais des pets. Arrête, là. Alors, si tu gonfles, puis tu tombes à table, tu manges, je fais ça, c'est une allergie. Mais parce que tu fais 2-3 pets dans la soirée, parce que tu as mangé des gluten, je fais là, je m'excuse déjà de gluten. Là, vous allez m'écrire, c'est pas vrai, ça se peut, je connais pas tout ça. C'est tes amis, hein? Ben, moi, c'est Marie-Soleil Dion, la comédienne qui joue dans Vrai Clavier, elle est allergique au gluten. Puis le pire qu'elle fait, c'est qu'elle va avoir la gonfle du ventre, puis faire des petits pets. Moi, je pète tout le temps quand je bouffe. Ben, moi, je pète tout le temps. Moi, je pète jamais. Ah ouais? Je garde tout en dedans. Je garde mes yeux. Eh, pas moi, je vais pas être là la journée où ça va sortir. La journée que ça va péter. Ah, mon Dieu. Ok, ça. Là, ma bouille. On est arrivé au point d'ébullition. Ah oui, excuse-moi, Cécile, top chrono, elle veut savoir si. Parce qu'on a un chronomètre qui est en France. Cécile, c'est elle qui s'occupe de tout. On parle, hein? Non, mais c'est ça, 5 minutes. Ben oui, il fallait que ce soit 5 minutes au fond, Cécile, mais je pense qu'on est correct. Hein? Il peut y aller encore une couple de minutes. Ouais. Wow. Je vais juste vous le montrer la caméra. De toute façon, c'est chaud. Oui, vas-y, vas-y. Vous voyez, le caramel est réduit encore. Puis là, check ça. On vient de laquer tranquillement. Ouais. Puis à un moment donné, il va être tellement épais que ça va laquer, vraiment... c'est remettre. Regarde, c'est ça, là. Bouillon, là. C'est là, regarde, là il commence à être laqué. Tu vois la lumière, je sais pas si vous voyez la télé, là. C'est un effet miroir, finalement. Une sur, miroir. Sur le ah, mais tantôt, ça va vraiment coller dessus, là. Ok, je comprends. Mais tu sais, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, j'avais dit à toi, on aurait pu faire avec du poulet. Okay. Une poitrine de poulet, la même chose. On pourrait faire avec du saumon, un morceau de poisson. Ah ouais. Fait que t'as les petits goûts asiatiques. C'est cœur, hein, ça, c'est le mot du bonnet. Ça, cette recette-là, va être disponible sur Internet. Absolument, sur le site de boblechef.com. Parfait, je vais aller la chercher pour la faire et impressionner tous mes copains. C'est quoi ça, Phil? Comme Phil la prise. Ça, c'est une kiss au canard. J'ai raté mon affaire, ça fait une kiss au canard. Désolé, les gars. Ok, c'est qu'on leur met un petit peu au four. Yes! Comment tu sais que c'est qui? Tu pèses dessus, c'est quoi? C'est comme. Exactement. Ça, ça. Enfin. Je le connais, ça. Comment ça marche? Ça, c'est saignant. Non, c'est le même. Non, c'est comme ça avec ton pouce. Ça, c'est saignant. Ça, c'est médium saignant. C'est médium, puis ça, c'est bien cuit. Ça, c'est bien cuit. D'habitude, moi, je vous conseille le majeur. Prenez le majeur. Je pense que c'est lui. Moi, j'aime bien majeur. Mais j'aime bien celui-là aussi. J'aime pas ça quand c'est saignant. Ok. Comment tu veux, je suis un expert en flamillon. Puis en viande. Bien cuit. Ben en fait, j'ai laisse non, j'ai laisse sur le comptoir, j'ai fait cuire, j'y ressors, j'ai laisse 20 minutes sur le comptoir, yes. J'y remets, j'ai 2 secondes, bang, ils sont prêts, puis la cuisson est toujours écœurante. Même mes chums qui prennent saignant, ils font Mais tu fais c'est le temps de repos, le fais parfaitement. Oui, c'est exactement le même. C'est mon chum qui me l'a appris en fait, Mathieu. Le secret, c'est vraiment le temps de repos. Ouais. Un, de sortir ta viande aussi. Mais de la mettre de la mettre en pièce. Ça laisse tempérer une demi-heure, une heure. Il y a pas de problème. Moi, j'ai mon chum Marc Beau. Les mousquets du beau. Oui, ben, il est venu à l'émission. Allez, ok. Absolument. Vous vous rappelez sûrement dans le chat notre boucher. Le parrain du steak. Le parrain du steak, exactement. Oui. Il était très costumé. Chief était très content cette journée-là. Il a mangé un morceau de steak à comme 800$. Oh, ben, c'est ça. Mais lui, il va laisser son steak sorti 10 heures avant de le cuire. Oui, oui, oui. Check ça, c'est cute. Attends, on va juste cuire le kale vite fait. On va cuire le kale avant. Parfait. Ça sent bon, ça. Non, tu aimais ça, je te dis. C'est de l'encens? On va se mettre de l'eau salée toujours. Pourquoi toujours de l'eau salée? Parce qu'on aime ça. Ben, oui. Ça donne du goût. Ça donne du goût, pour vrai. Puis, tu sais, t'en as même pas. Moi, j'y vais dans le sel. Pour vrai, quand je sale mon goût. Ah, mais faut pas t'inquiète. Jamais. Pis, si on ferait des lissons au purée de homard, là, je mettrais toute le pot. Puis tu goûtes. Tu rentres dans l'eau de mer, là, tu sais. Tu goûtes. Tu veux que ça goûte salé. Pour vrai. Puis, même si tu mets 4 poignées de sel dedans, tu ne mangeras pas tout ce sel-là. Parce que quand tu vas sortir lequel, l'eau va être encore salée. Fait que t'auras pas toutes les 4 poignées de sel là-dessus. On y va? Fait que ça, on le plonge vite fait. Puis après ça, on va le refroidir à l'eau glacée. Je te prépare ça. En hiver, on prend l'eau du robinet. L'eau est encore froide en ville, là. Ouais, ici, mais ça. Ben, l'été, ça, prenez de l'eau, mettez une coupe de glaçon dedans. On veut coller la chlorophylle. Claro. La couleur, puis reste verte de fluo. Sinon, ils vont devenir. C'est comme blanchir, si on veut, là. On blanchit du kale. Du kale. Blanchir le kale. En fait, Philippe, tout ce qui est vert, tu veux partir à l'eau bouillante pour t'assurer de trapper la chlorophylle. Je change tout de suite. Et puis. Ok, pour que ça reste là. 10 secondes encore. Une petite mention Twitch, je m'excuse de mettre une pause à votre recette.
On a plusieurs personnes qui nous hostent sur leur channel Twitch. Oh, quoi, wow. J'aimerais remercier Geekette Yoshi 87, une habituée de Talbot, Radio Talbot, qui nous host présentement sur son channel. Wow, merci beaucoup, c'est super gentil, merci. Quelle belle communauté, cette communauté Twitch, pour vrai, je suis vraiment content d'être avec vous autres depuis deux ans. Oui, mon Dieu, quand tu comprends rien, fais ça de même. Yeah. Ma carrière est basée là-dessus. Tellement que j'ai réussi. Sors les yeux de la tête, je montre la poste. Mais checker les nouilles soba, hein. Ils viennent, va jouer à. Puis ça coûte rien, ça. Ils vendent ça dans toutes les épiceries asiatiques. My God. Vas-y, mets ta main. C'est moi que j'allais manger à midi. On y va. On y va doucement. Ça, c'est un peu comme. Comme les vermicelles de riz. OK. On laisse 2-3 minutes dans l'eau. Ça, c'est une affaire pour écumer. OK, après la pause, on va parler de... Ah, il n'y a pas de pause. Ah ouais, on fait de pause. Hey, ben, on peut faire un son dans la pause. Je vous rappelle, ceux qui viennent de joindre à nous, vous écoutez Bob le Chef Live, la seule émission interactive francophone culinaire de l'univers, finalement. On a les Philippe aujourd'hui. Ah, on a Jean-Philippe Saint-Denis qui est en train de laquer du canard en ce moment. On a Philippe Laprise qui se lève le pouce en ce moment et qui se demande qu'est-ce qui se passe. Oh, Pablo the Great vient de s'abonner à notre page Twitch. Donc, Pablo the Great. Pablo. Absolument. Pablo the Great, d'ailleurs, un fier Latuquois, justement. Donc, Latuquois. Un Latuquois. Ouais. Comment ça s'appelle? Sont-tu laté à Latuquois? Ça sent bien. Il y a les meilleurs moments de cette semaine. Hey! Ça va juste être ça. Je rappelle que pour suivre la conversation sur son site, sur les réseaux sociaux, BLC Live, le hashtag. Vous pouvez skyper avec nous, Bob.lechef. Et ben, vous savez que l'émission, c'est le fruit de nos efforts collectifs. On voit justement les top donateurs, les deux Danny Parkin, celui à Trois-Rivières, celui à Sherbrooke, Mathieu Hintz, Yvan Quirillon, Fier Vigneron québécois, Frédéric Boutillette. C'est tous nos top donateurs. On fait des beaux dons à l'émission. Qu'est-ce qu'on fait avec ces dons-là? Ben, on s'achète de la bière. On s'achète de la bière. On a fait déjà des particuliers cette semaine avec nos dons. On a fait aiguiser tous les couteaux dans la cuisine parce qu'on commençait à avoir des chefs qui se plaignaient. Là. Il était comme. Non, mais un gars comme toi, tout est comme moi, t'es un guerrier. Fait que tu vas couper avec des baguettes s'il faut. Okay? Oh, je t'en mais, mais des fois, on a des chefs qui sont un petit peu plus pointilleux, puis ils aiment ça les couteaux qui coupent, tu sais, sont habitués. Fait que c'est ça. On a fait des couteaux. Fait que fais un don pendant que les autres couteaux parlent. Vous allez sur boblechef.com, cliquez sur l'icône BLC Live, scroll it down, faites un don via PayPal, puis ben, votre nom va apparaître dans le haut de l'écran. Puis ben, nous autres, ça va nous permettre de continuer à faire un show web de qualité à chaque dimanche avec des invités le fun, de la bière, puis de la belle bouffe. Des beaux produits. Absolument. Aujourd'hui, je pense que c'est les plus beaux produits. Quand on s'est lancé le plus là, dans des affaires. Je suis content, tu m'accueilles. Grâce aux donations. Oui, absolument, oui. Oh oui. Oh oui. Il y a plein de monde, check ça. On pourrait en nommer certains, effectivement. Là, aujourd'hui, on reçoit effectivement pas mal de dons. Ah, pour vrai? Oui, on attire le cash, nous autres. Carl Dombrowski, 25$. Mon Dieu, merci. Lavoie, 5$. Jean-Simon Marquis, 5$. Et Benjamin Canou pour 5€. 12 pouces. Hey, 5€, ça s'en vient, ça! 12 pouces, 5$. Merci beaucoup. Hey, puis sans léser, merci beaucoup, parce que sans vos dons, le show d'aujourd'hui ainsi que les 38 autres avant, il n'aurait pas été possible. Donc, ça nous donne le goût, justement, de continuer à l'équipe de faire ce show. Il y a Mick aussi qui a pris la peine de préciser qu'il a seulement donné 5$ cette semaine parce que depuis 3-4 semaines, il est un peu pauvre. Mais d'ici peu, les 20$ vont venir. Mick, c'est correct, Mick. T'sais, comme, tu peux garder ton argent même si t'es mal pris. Ça. Mais ça nous fait juste plaisir. Le simple fait que tu sois à l'écoute à chaque semaine, ça nous fait plaisir. OK. Ça, c'est déjà prêt? On est presque là, là. C'est chaud. Putain. Check ça. Sans niaiser, tu le sors, pour vrai. Le monde, il dit que ça marche pas, hein, ce truc-là, mais... Tu vas pêcher au plafond? Des spaghettis sans niaiser, là.
Check ça! Hein? Ils sont prêts! Mais toi, t'as longtemps été chef dans un resto italien. Ouais, on s'en est. Dans une cafétéria d'école. Ok, on va mettre ça dans. Ok, attention! C'est pas pour toi, ça va? Non, ça va. Je comme vous autres, je m'en dis aussi. Pendant ce temps-là, oui. On a Mathieu Bonin qui est sur Twitch. Lequel Mathieu Bonin? Pas celui de Musique Plus. Le Mathieu Bonin! Hein? Sous le pseudonyme Musique Plus. Ok, en plus. Qui demande à être invité à l'émission. Yo, Mathieu, viens dimanche prochain, qu'est-ce que tu fais? Sans niaiser, c'est le même qu'on invite nos gens. Viens au show dimanche prochain, t'es plus que le bienvenu. Fait que si ça te dit, dimanche prochain ou dimanche de Pâques, c'est toi qui choisis. Mais notre cuisine est ouverte à toi, mon Matt, ça nous ferait plus que plaisir. Les nouilles. Ça, c'est des nouilles, c'est pas des pâtes. Ouais, c'est des. C'est pas des pâtes, c'est des nouilles. Ben. Ce serait quoi la différence? Y en a-tu une? Je sais pas vraiment. Là, on fait une salade avec ça. C'est ça, on pourrait les refroidir. On pourrait les rincer. Là, on veut accélérer le processus. Non, mais un petit peu. Moi, j'ai tout le temps dit que le seul moment où tu peux rincer des pâtes, c'est si tu fais une salade froide avec, parce que t'as la petite couche d'amidon autour de la pâte, qui quand c'est froid, ouais, c'est moins agréable. Des fois, je les enlève, parce que ça m'énerve quand ils sont pognés ensemble pour les mettre dedans. Tu peux mettre un petit peu d'huile dessus aussi. Après? Ouais, une fois qu'ils sont pliés, ils seraient refroidis avec de l'huile. Okay, je mettrais de l'huile pour pas que tu colles. Okay, sinon, pour avoir un pain. Ok, oui, parce que c'est ça qui est tannant. Je sais pas si vous regardez, là, le canard, là, il est. Ça, c'est de la food porn, tant qu'à moi, là. Ça a-tu marché, mon enfant? Excusez-moi, là. Faut que je tweet en même temps. Oui, ça a marché. Voilà, bon, on y va. Ça, c'est vraiment beau, là, ici, là. C'est la seule émission culinaire aussi au monde. Où l'animateur tweet en même temps que il anime le show. Non, Éric Salvaille, il le fait aussi. Oui, c'est pas un show de cuisine. Ah ouais, c'est un show de cuisine avec Astor. Ah non, c'est vrai, j'avais oublié que c'était Éric Salvaille, il m'a tout le temps. Il t'a pas invité? Hey, shooter! Il est pas de place, mon Dieu. Donc là, on va le tasser, puis on va le laisser reposer un petit peu. OK. Pour laisser le sang. On a-tu une assiette? Ouais. Parfait. On laisse le sang retourner. Avez-vous un truc pour. Genre, égoutter les œufs comme du monde, pas qu'ils soient comme bleus, je vois si ça, that's it, tu le laisses égoutter. Ça, c'est beau comme tout. Okay. Ouais, mais c'est quoi, mais check. T'sais. Sûr, je te demanderai un truc. Tu le mets dans. Tu prends un petit bol, comme ça. Ça, c'est le pas d'eau partout sur le chien. Tu le stackotes comme ça. Tu laisses ton bol là de même, bien relax. Ça l'égoutte tranquillement. Tu savais pas, il y a une balayeuse qui passe en dessous de tantôt. Non, lui, ça, il. Les lundis, depuis un bout, là, il dort. Le lundi, eh ben, il bouffe. Ah ouais, c'est malade, le lundi. Il bouffe tous les restants, le chien. Il bouffe tout sauf le chocolat. Attention. Mais ça, va-tu faire épaisser ça ou. C'est parfait. On pourrait le faire épaisser encore. Mais c'est déjà pas fait le même. On va en mettre un petit peu dans notre salade. Ah, ok. Goût. Parfait. Fait que là, on va se faire juste une petite salade. Hey, c'était cœur, hein, ça, ces feuilles-là. Non, ça va être une crise de belles recettes. Je vais te montrer des stocks d'avoine pour les éponger un peu. Vas-y. Merci, François. Oui. Spongy pochette. Oh, François! Vu que c'est une salade, on va te servir ça dans les bols? On a les bols thématiques. Les bols asiatiques, pis tout, là, du Dollarama, on va se servir de ça. Ça, tu le plies-tu? Comment tu fais? On teste les spongy pochettes. Ah, juste de même, dans non, mais ça, c'est les nouveaux. Que, tu sais, l'annonce à la TV, là, le food truck qui fait tellement d'argent qu'il lave tout son food truck avec des Scott Towel, pis ça arrive pas de même. Non, mais pour voir, tu ferais ça. Il fait tellement d'argent. Mais tu peux comme les tremper dans l'eau aux autres, pis ils déchirent pas. Pis en fait, tu peux les mettre encore dans la linge. À la sécheuse. C'est comme des couches jetables, réutilisables. Réutilisables, oui, exactement. Ok, on vient se couper ça en julienne. Et puis là, j'ai émincé, on va dire. Absolument. Ouais, genre, parce que des juliennes, je trouve que c'est un peu. C'est bizarre, ça, les mots juliennes. Fais-tu des frites juliennes? Mais c'est exactement cette salade-là que j'ai mangée sur le plateau, hier. Ça ressemble exactement à ça. C'était très bon. J'ai découvert un goût. Puis c'est rare que les crafts sont bons sur les plateaux. Ah, mais je te dirais que sur En direct de l'univers, ils sont très bons. Ah, mais si quelqu'un En direct de l'univers est à l'écoute, invitez-moi, je vais y aller. Je veux juste voir le craft, en fait. Sérieux? Si moi, j'ai chanté une toune, Bob peut chanter une toune. Ah, je suis pas sûr, pour vrai. Tu sais, quand moi j'ai dansé, j'en parle même plus. Ah mais, oui! La compétition? J'ai juste fait le pilote. J'ai fait le pilote des dieux. T'as jamais ramené? Hey, t'es-tu malade? Je ne danse et je ne suis pas capable de danser, pour vrai. C'est une honte totale. T'es allé pareil? Oui, je dois faire plaisir à ma blonde. Qui est ta cousine? On va dire ma blonde. Et ok, mais ça, je pensais la rencontre. Oui, parce que, ouais, vous êtes pas cousin comme de sang. Bon, mon père est avec sa conjointe depuis, ça doit faire 32 ans à peu près. Puis la copine à Bob et la nièce ok de la conjointe à mon père.
des affaires, mais je l'ai jamais vu. Mais je l'ai, on s'est jamais rencontré. Finalement, vous êtes cousin-cousine? Cousin par alliance, ouais, ça c'est ouais, pas de même. Mais je l'ai jamais rencontré à 32 ans. Okay. Là, je pensais à rencontrer aujourd'hui. Ben non. Elle a eu peur de moi. Ben évidemment. Même moi, j'ai failli pas venir. C'est bon. Non, mais je suis content, c'est un cute ta cousine quand même. C'est pas que je connais pas. Ok. Ben, non, c'est non, ça, non. Ils ont toujours une cousine qu'on a voulu tomber en amour quand on était jeune, mais c'est peut-être elle. Ah, oh. Elle t'aurait pu, c'est par alliance. Ben, c'est ça. Ça aurait marché. Ouais. Et là, on avait choisi un chef. Chef, c'est une joke. Excuse-moi. Là, c'est lui qui m'occupe de ça. On voit pas ce qui se passe. On est où, là? Fait qu'on va se mélanger ça, mais on va se faire du salam. Ils sont bas. C'est les shiitake. Nos shiitake qu'on a cuits. C'était quand? Vite de même, boum. Puis pas compliqué à faire. Là, on a quand même niaisé et tout. On s'est compté des choses. On pourrait rajouter des julienne de carottes. Absolument. Okay. Bravo, carotte, un petit croquant, tout concombre, ça. Concombre aussi. En plus. Radis. Le oui, des tomates cerises coupées. Le radis oui. qui est comme l'aliment 2016, là, on veut des radis parfaits. Ah ouais, c'est des radis. Je vends des radis pour vrai. Ah, moi, les radis de la misère, je rote avec ça, j'en mange un. Cuis-les. T'es fait pareil que tu fais une salade de même. C'est la même chose que les shiitake, t'es cuit. T'es cuit en slice, encore oui, en slice. Bouilli ou juste bouilli 30 secondes. Puis tu vas être géré bien mieux. Ah ouais? Absolument. Moi, je fais beaucoup ça avec mes oignons pour des salades. Un, pour ça se conserver aussi. Ouais. Plus les oignons échalotes, juste les blanchir 15 secondes. Ok. Ça enlève le goût, ça enlève le goût d'oignon. Puis bang, ça. Puis si se conserver aussi. Fait que ça. Vous êtes bon. Là, on va jouer du yin et du yang si on veut. On va mettre un petit peu de soya. Un petit peu de soya. Et on va-tu ranger le soya ou on l'a. Je veux juste profiter d'un petit moment de. Vas-y, on est trois pour mentionner qu'en fait, on vient de recevoir un don de nul autre que Bill Smith. Eh, hey, merci Bill! Un don de 10$. Et il mentionne que c'est le 10$ que Bertrand Grassmer m'a donné parce qu'il ne veut pas que je brûle sa maison. Ah, donc, bon. Arrangez-vous les boys. Yes! Vive la France! Merci beaucoup dans le vieux pays pour. Merci les potes! C'est vraiment cette assurance. un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile. Alors, si tu serais vraiment top, ce serait de l'huile de sésame rôti. Hey, j'en ai à la maison, moi. J'en ai eu en cadeau cette semaine. Ah, t'as payé des jours cette semaine, toi? Moi, cette semaine, je suis allé à Saint-Hyacinthe visiter la ville. Puis ils nous font faire le tour, les artistes, ou la salle, ça, là, à Saint-Hyacinthe. Puis il y avait une belle petite place où une madame a fait, elle a de l'huile de vinaigre, des huiles d'olive, puis c'est vraiment hot, c'est vraiment cool. C'est le perso de l'agriculture. C'était cœur, ouais. Ouais. J'ai mangé dans un restaurant qui s'appelle La Vie. Le gars, il a eu un cancer, puis il s'est remis en forme, il a guéri. Puis là, il a refait toutes des recettes de smoothies, des affaires de même, des salades, des cœurs, puis il a ouvert un magasin La Vie. C'était cœur, hein. J'ai mangé une salade là, tu sais, quand tu sors, tu fais, on dirait j'ai mangé 12 steaks, mais t'as mangé une salade, tu fais, yeah. Non, mais c'est une belle salade, tu sais, c'est des légumes, on a le droit. Nouvelle adresse à visiter, La Vie, si vous êtes dans le coin de Saint-Hyacinthe, absolument. Phil Laprise approved, fait que, hein. L'huile de sésame. L'huile de sésame. Très modérément. Oui, parce que ça va être fort. C'est punché, là. Hey, moi, j'ai une question bien niaiseuse, hein, puis tu sais, ça n'a pas rapport à la bouffe. C'est que je sais que t'as des internautes de la France. Ouais. Mais comment ils réussissent à comprendre? Ils ont-tu de la difficulté à... Parce que non, ils trippent sur l'accent. Mais des fois, ce qu'on fait pour vrai, on fait une partie d'émission en français de France pour qu'ils comprennent. OK. Alors là, on va touiller les nouilles. On va incorporer un petit peu de... Moi, je suis marseillais. moi, je suis du sud. Moi, je vais vous attendre dans ma voiture. Ça y est, on a les droits. Ça y est, on a les droits. Juste le blond. Juste le blond. C'est tout ce qu'on connaît, hein, de la culture française, finalement. Le béret, la baguette. C'est comme les poulains. Ouais, mais c'est top. Mais... La soupe au chou. Oui, écoute, avec Louis Funès. Louis Funès, c'est avec. Tous les films que Louis Funès a fait. Hey, ben, les gendarmes, les extraterrestres. C'est drôle en estiche. Puis là, on se dit, dans ce pays-là, ils doivent être bizarres. Ils sont tout le temps en train de faire des affaires de même. Un petit canon, mon Claude. Ok, on va mettre un petit peu de la cage, donner du goût. Puis on rappelle le goût de ça aussi. Absolument. Tac. Hey, ça, là, c'est beau, maudit, là. Tu veux-tu que je brasse? Tu brasses tout ça. Hey, c'est cœur, hein, mon gars. Ça doit tellement être bon. On va goûter. Ah oui! Fourchette? Non, mes doigts. Y'a pas de tiroir dans votre maison. On aime ça? C'est bon? Oh mon Dieu, c'est bon. Oh!
Qu'est-ce qu'on cherche? Bon! Bon, t'es-tu correct? On a des band-aids! Bon, tant, c'est bon! Il veut passer ses band-aids! C'est quoi des band-aids? Des diachylons! Ah! Comment vous appelez ça? Ah, c'est bon, ça! Des diachylons! Pour vrai? Ben oui! T'es sérieux? Band-aids, c'est la marque! C'est déjà bon, hein? C'est carré, hein? Juste ça, là! Ça, c'est top! Là, tu coupes ça, tu mets un peu de ça dedans! On va faire une petite présentation! Ok! Mais c'est vraiment bon, hein? C'est carré, hein? Sérieux, c'est vraiment bon, pour de vrai! C'est un assiette! Ben oui, on ce que j'aime, là, c'est qu'il y a le petit côté épicé dedans qui ressort à la fin. Ouais, ben tu vois, moi, je l'aurais fait un petit peu plus piquant. Ok. Personnellement, j'aurais pu rajouter un petit peu de sambal olek, quelque chose de même. Juste donner un petit goût. Ça aurait été carré, en plus, le sambal olek qui est piquant, mais sucré. Piquant, mais sucré, en même temps. Exactement. Tellement mieux que le sriracha. On va se faire une belle portion. Tout le monde du sriracha, pour vrai, là, ça m'énerve. C'est la fête. Ça m'énerve! Non, le sriracha, j'aimerais ça avec tout le monde. Ils se mettent à s'acheter des t-shirts, ouais, les t-shirts ils s'en mettent dans les yeux, man, comme c'est quoi cette style mode là? C'est de la sauce piquante, moi. On a-tu de la sambal olek, ça? Ouais, ouais. On a du sriracha, ça, c'est sûr. Sur quoi il bâche, il l'a. Absolument! Puis on a tout le temps à la fin. En faisant ça, en laissant le même, tu le laisses reposer aussi, un peu comme de la viande. Faut qu'il retourne, c'est ça, c'est la même chose qu'un steak. Comme ton steak sur le barbecue. Qu'est-ce que c'est cool, hein? On a ça met ça. Ah, hein, tout simple. Dieu que c'est beau. Wow! Ça, on a cuit un petit peu plus. Ça, c'est un petit peu plus que le saignant. Ouais. C'est un petit peu médium saignant. Mais Phil, il va aimer ça. Ça, on va rajouter un petit shot de. Tout dans la simplicité. Tu rajoutes un peu de bouillon, j'imagine? Ouais. On s'en sert comme chose. Wow! On aurait pu mettre un petit peu de coriandre fraîche. Un petit coup de fraîcheur. On a du persil. On a-tu la coriandre dans le frigo, Mathilde? Oui! Oh. Elle est vieille, mais ça prouve encore une fois que notre truc fonctionne. Ça fait 4 mois que. Un mois qu'on l'a. Ouais, absolument. Il y a encore des belles feuilles dessus. Non, mais check, c'est la façon de garder tes herbes au frigo, pour vrai. Tu mets un verre, un petit peu d'eau, avec un sac en plastique sur le dessus, ça crée un microclimat d'humidité, puis tes herbes, ils restent... T'as pas l'air convaincu! J'aime pas ça parler d'herbes avec toi, je suis mal à l'aise. Pourquoi? Parce que je fais du jeunesse. T'es-tu encore vrai avec TV? Non. J'aime ça? Non. Il y a des reprises. Il y a des reprises. Le meilleur avant aussi qui est encore là, tu sais, mais je sais pas tout où ça s'en va, meilleur avant. Je sais même pas si ça va venir. Ils sont en train de changer tout, vrac. Fait que tu. Il n'y a plus de galovrac. Il n'y a plus de galocave. Non, j'aimais ça, le galocave. Fini le galocave. C'était mon moment de l'année où je pensais que je me faisais encore connaître. C'est un truc qui est plat de la télé québécoise. Tu sais plus où ça s'en va trop des fois. Ça s'en va sur le web! C'est là que ça s'en va! Bien sûr! Non, mais c'est ça que j'écoutais Musique Plus. Là, c'est rendu que c'est des reprises de 4 saisons. Parce que qu'est-ce que tu dis, là, on essaie d'avoir Mathieu Bonin, là, dans une coupe de saison. Non, mais ça, j'écoutais, c'est des reprises, ils sont tout à fait entre eux. Absolument. Là, c'est rendu, tu sais, dans mon temps, Musique Plus, quand on était petit, c'était de la musique. C'est sûr, le web est apparu. Mais moi, je trouve que c'est. Puis on peut en parler parce que c'est le web, puis on peut dire ce qu'on veut, mais je trouve que c'est là la lacune de Musique Plus. C'est d'avoir lâché la musique. Parce que moi j'aimais ça écouter des vidéos random. Ben oui. Puis j'apprenais les nouveaux groupes. Pis ouais, mais c'est parce que la star t'a vu. L'heure de métal. Vivo, la chaîne. Ouais, mais tu penses, ça te fait pas découvrir des trucs. Parce que tu vas chercher ce que tu connais. Tandis que Musique Plus, quand c'était juste des vidéos, tu l'allumais, t'étais veg, t'arrivais de l'école, puis tu tombais comme dans l'une, puis t'écoutais ça. Mais au moins, tu sais, t'apprenais les nouveaux bands, puis ce qui se passait. Tandis que. Solid Rock. Paul Sarrazin, man. Classique. Des plans de caméra weird. Oui, absolument. Salut tout le monde, bienvenue à Musique Plus. Oh, Elisabeth. Oh, combat des clips. Bang, bang, bang. Moi, je me souviens, c'était Rock Velour avec Sonia Benezra. Continue à jaser. M'a goûté à ça, moi. C'est pas bien? On aime ça? Comme là, tu me conseilles de prendre et du canard et des manger, c'est vrai, c'est... On va tout bouffer. On attaque surtout, là. Je vais pour la salade, mais je suis à diète. Moi aussi, je suis à diète, mais. Oh, ça sent bon. Oh, on veut fou, quoi. Ça, c'est malade, là. C'est bon, ces petites nouilles-là, ça y vend ça avec les épiceries à cette heure, là. Oui. Au IGA, n'importe où, dans n'importe où en région, je suis sûr. Dans la section asiatique, absolument. Tu vas trouver là où il y a toutes les... Ça va être quoi, 2 piastres, une place? 1,99 que j'ai payé ça, pour vrai. C'est vraiment bon, c'est vraiment bon, gars, bravo, je vous félicite. On a pris la moitié, puis on pourrait se faire deux bonnes portions, hein?
Si on voudrait, là, on se rajouterait, on aurait un bouillon de poulet qui traîne, là. J'ai du canard. On pourrait faire une soupe. On pourrait faire une soupe genre tonkinoise, tu vas dire du bouillon de poulet, là. Mm-hmm. T'aurais une bonne soupe repas, là. Le canard est fou, absolument. La recette doit être en ligne cette semaine sur le site Bob le Chef. Yes, on a des fans, Pascal Soucy, le best qu'il y avait à Musique Plus. C'était ça, le rock. Pas de soucis, ça compte nord. Pince tu connais ton shit, man. Pince à la zone. Hey, soit du temps, Pascal Soucy, vu que t'es à Forestville, réponds-nous donc, est-ce que le crabe est arrivé sur la Côte-Nord ou on attend encore un peu, là? Mais Forestville, c'est pas de crabe, des meilleurs moments de l'année. Le crabe, là? L'an passé, j'étais allé à Bécomo. Il y a 2 ans, je suis arrivé à Bécomo, carrément pendant le crabe, là. Tout était au crabe, là. La bière au crabe. D'ailleurs, on a bu ici de la bière au crabe, de le Saint-Pancras. Je parle la bouche pleine. Ah, c'est tout, c'est le Saint-Pancras. Ouais, le Saint-Pancras à Bécomo, microbrasserie pour vrai. À découvrir, si vous allez dans le coin de Bécomo, soit le monde, ils disent, si tu vas dans ces places-là, tu sais, je sais où tu y vas, Phil, pour faire des shows, tout. Ouais. Soit Bécomo, le Saint-Pancras, tu sais, le monde, Bécomo, il n'y a rien à faire là. C'est vrai, ok? Mais le Saint-Pancras, c'est une microbrasserie, ils servent de la bouffe. T'as pas l'impression que t'es comme à 800 km de Montréal, ils font leur bière à 4. Ben, allez, j'y vais, là, au mois de septembre ou octobre, ben, je fais cette île, puis là-bas, je pense. On salue les Bécomois. C'est vrai que c'est bon, t'as barouette, hein? C'était carré. C'était carré. Bon, bravo. Pour vrai, j'adore. Rum? On fait goûter aux autres de là. Mais tu peux t'en aller dans l'écran, absolument. On va rester au bord. Fais pas ton chaîné. Bonjour. C'est Rum. Ron qui est arrivé avec Jean-Philippe Saint-Denis. C'est bien, t'es une légende du rock. Non, non, mais ouais. T'es-tu comme son chauffeur désigné? C'est quoi le deal aujourd'hui, là? C'est Ron. Là, c'est un épicurien naturel de Montréal. OK. Ça fait 25 ans que je suis un passionné de bouffe. J'ai rencontré Jean-Philippe au Kitchen Gallery. Ron, il est venu sur Jean Dallon. On a une critique dans le genre de Montréal. Une belle critique. On a une petite chanson, on a tout le temps des bonnes critiques. Ouais, ben c'était ça. Là, il y a un gars tout seul qui arrive à 5h30, on ouvre à 6h. Déjà, on barrait les portes parce que le monde essaie de rentrer. Ouais. Là, lui, il arrive à 5h30, du chien. C'est qui, ce style-là? Un client tout seul à 5h. Dans une critique, quelque chose. Tu dis, je suis une critique. Non, mais peut-être qu'il pense à ça, je sais pas. Non, mais tu dis, il y a un gars qui est mangé tout seul à 5h30. Avant que l'action commence, il. C'est ça, il dit toujours le client. Il commence à tout commander. À tout commander. À tout ce qu'il y avait du foie gras, j'ai commandé toutes les enlevées, j'ai devré une bouteille de vin, tout ça. Tu penses à une bouteille de vin? Qu'est-ce qu'il y a chaud, pour rien? Elle a arrêté de boire depuis le temps. Presque 3 ans là, que j'ai pas vu. C'est ça, j'ai connu Jean-Philippe, je me suis même posé des questions, puis on est devenu des grands chums. J'ai c'est comme mon grand frère à ça. Ouais. Ah. On est passé de client à ami à grand frère. Comme là, on va sortir d'ici, puis chez nous, j'ai une belle installation. M'en va travailler chez eux. On est du foie gras, des belles tanques, du boudin. Ouais, puis je suis dans le comme moi. Ah, ouais, cool. J'ai une belle cuisine. Si jamais tu veux venir cuisiner avec la cuisine. Je suis vélerie en fait. L'équipe. Fait qu'en finissant, on baigne le pont, on descend, on va juste à Montréal. On va se faire. Je suis natif de Villeray. Je suis novembre dans Villeray. De Gaspé Villeray. Ok. Ouais. Ah, c'est cool. Fait que, non, c'est ça, il y a une belle cuisine, tu sais, qui est cool, là. Fait que tu peux manger, t'es assis au bord, il y a la TV. C'est chill. Ça fait de gars, un gros freak de football. T'es un fan de football, toi aussi. Absolument. Lui, c'est un Giants Steelers. Giants of New York, on se parle plus. On peut sortir de l'écran, c'est fini. C'est qui, vous? Là, il reste une recette à faire dans l'émission. Ouais, puis moi j'ai goût de goûter à ça, ces affaires-là. Là. Yes. Il est alors, là. On dira pas parce que Phil Laprise va faire qu'il se pousse, là, il va se faire chicaner si. Denis, il a reculé. Oui, exactement. Il est 1h50 en ce moment. Super, dans 10 minutes je pars. Yes. Fait qu'on a nos frites de polenta. Notre polenta, elle a bien figé, on le voit ici. Ça, on vient ça de même. Vas-y, mon chat. Yes. Et voilà. Wow, ça marche pour vrai. Ouais. Ça allait pas marcher. C'est la beauté de la cuisine. Non, mais ça, c'est quelque chose. C'est faire quelque chose que j'aime. Ouais. Quand je vois des gens qui cuisinent pas souvent, qui font quelque chose, puis ça les émerveille de le faire. Ben oui. Non, mais c'est vrai. C'est là que ça donne le goût, je trouve, de cuisiner aussi. Ouais. Quand c'est petit, à un moment-là, arrive. Ça, on va-tu des frites comme. On veut soit un genre de. C'est quoi les étapes? Les frites. On veut soit des frites, puis on veut se faire de l'espadon. On a l'espadon. Ouais. On a les choux de Bruxelles. Ouais. On a. Fait que ça prend une genre de friteuse.
On va s'en faire une négresse, ce qu'on appelle. Oui, absolument. Comment tu, on peut tu dire, on est sur web. On est sur web. Ah, c'est ça, long, c'est comme ça. On va. Tu veux séparer en deux, puis des petits bouts de attends, non, laisse-moi analyser. Non, ok, ok. Comme ça. Ok, c'est des bonnes frites quand même. Quelque chose de... Des ponts neufs. Ok. Ponts neufs. Qui a dit ça? Ouais. Avec les coups, on dirait que ça s'en allait. On est trois à la cuisine. La foule. Je te dis, à ta chereau, il en rentre du monde. Au supermercado. En direct du supermercado. Ça, c'est écœurant, ça. Quand tu pourrais promener ton show sur la route? Ben, on y pense! Un fou du studio, un studio trip! On voulait l'amener au lac Saint-Jean, le show, mais à cause de... au lac, à Chicoutimi, en fait, pas le au Saguenay. Le Wi-Fi, le Wi-Fi t'as pas bon. On a été pas. C'est pas vrai! Tu sais que je viens de là! Je le sais, ben oui, je sais, tu viens de Jonquière! Genre Arvida. Arvida! C'est entre les deux, c'est le nombril du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à peu près. T'as lapé, hein. Chicoutimi. Ils ont tout quelque chose de spécial, hein, les bleus. Non, mais c'est parce qu'on est vraiment tous séparés. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, on est plus toute Arvida, la gang. Il y a une excellente école de cuisine, Arvida. Ben oui, à Polyvalente Arvida. Ouais, j'ai engagé plusieurs cuisines. Je vais acheter une frite d'Afrique pour ça. Non. Non, on roulera pas nos frites de Polenta d'Afrique. On pourrait, si tu veux, on peut les rouler dans Polenta aussi. Ah, ben oui, ça, c'est bien plus intelligent que faire ça. Oui. On va sortir l'espadon. On va sortir l'espadon, on va le faire tempérer, ok? Un petit peu. Je suis le colis. Je te suis. Là, pour les gens à maison, ok? Ça, là, moi, je trouve, c'est l'ultime poisson de barbecue. L'espadon. Tantôt, tu parlais, t'es un roi du barbecue. Ok, check ça, j'ai deux maudits beaux steaks d'espadon ici, 14$. Pour les deux steaks. C'est sûr qu'il faut t'acheter ça d'une poissonnerie. J'achèterais pas ça comme, tu sais, si vous allez à votre épicerie en quelque part, puis il est comme dans une plaquette en styromousse, puis il est comme un petit jus rose dans le fond. Achetez-le pas, ok? On veut que ce soit vraiment frais. La meilleure façon de savoir si c'est frais, ben si on l'ouvre, puis ben en ce moment, est-ce que ça sent le poisson, les gars? Ouais. Ouais. Attends, ouais. Non, c'est beau, c'est moi. C'est moi, mais sans ça, pour vrai, ça sent vraiment rien. Okay. C'est vrai que ça sent rien. Puis ben, ça c'est des jeux. Non, mais c'est bon signe. Puis check ça, ces deux beaux steaks-là pour c'est 14 blanc. Fières. Ça, ouais, c'est la chair est blanche. C'est rentré là. Quoi, t'es trop pas beau? Ah oui, c'est ça, c'est pas beau. C'est ça que je te dis, là. C'est des portions d'hommes. Oh, ben, même pas. Mais ça, c'est comparé. Il y a même pas un livre hein, dans ces deux steaks-là. C'est bon, à peu près 200 grammes du steak. Exactement. Bon, c'est un restaurant, on y va 140. 180. Non, 180. Ah ouais, tant que ça. Moi, je suis généreux. Les steaks de chez vous. Les steaks de rouge, sur l'autre 200. OK. Hein? Ah ouais. C'est pas beaucoup, ça? C'est pas mal. Oui, habituellement, au resto, moi, je dirais, on faisait 150. J'espère qu'il était... Est-ce qu'il est annulé? Non, moi, c'est je vais à 180 okay. Pour les poissons. Wow! Entre 160 et 180. Fait que c'est une portion à peu près comme ça. Ah, ça, c'est wow. Ça. C'est un beau steak. Tu sais, ça, tu manges ça, tu manges pas d'entrée. Hein. Alors, tu manges la petite salade de nouilles en entrée. Hey, 7$ pour un steak comme ça, par exemple. Puis ça, ça se grille tellement bien. Même ça, avec les nouilles qu'on a faites. Oui. Ben oui, ce serait parfait, parfait. Absolument, absolument. Ça, la clé aussi. L'espadon, est-ce que je me trompe? C'est fait partie de la famille des. Poissons. Plus du marlin ou du dauphin? Ah non, dis-moi pas, je vais manger du dauphin, je m'en vais! Ça, c'est pas juste une bonne question que tu me poses. Ok, parce que le maï-maï, me semble, est comme dans la même descendance d'animaux ah, que le dauphin, c'est pas les animaux, là. Go, Wikipédia, man! C'est ça, c'est un dauphin, je me avec qui qu'on parlait. Tu sais, quand on était jeunes, on pouvait s'obstiner sur un sujet pendant des heures sans avoir la bonne réponse. Puis les cuisiniers, on pouvait faire croire les affaires au monde sans qu'ils sachent, mais à cette heure, tu sais. C'est pas une question dans la vie, ta réponse en une minute, y'a pas de fun, tout le monde sait tout. Quand on était petit, je disais, c'est quoi le capital? Du Mali. On va avoir 10 réponses différentes. Pas bon, est-ce qu'on part? Tout le monde avait la bonne réponse. La soeur, une minute, t'as la vraie réponse. Fait que ça, on va les griller. Super bon sur barbecue. Ouais. On les grille tout de suite? Ça sera pas long. Ok. On va laisser tempérer un petit peu. Parfait. De la famille des. Xipidés. Donc c'est un xifidé. Yes. Fait que là, il faut que tu cliques sur xifidé pour savoir c'est quoi un xifidé. Je pense qu'il est meilleur que lui de la technologie. Ouais, allez, on va essayer de trouver. L'espadon se nourrit de calmars, de poissons, des poissons qui mangent des poissons, c'est absurde. Coller. Coller. Oh, les xifidés. Ok, tout est. Ah, ouais. Coller.
Non, ça c'est ton adresse qui rentre là. Qu'est-ce que c'est ça? Mon adresse c'est le boulevard Tachereau. Bon, c'était quoi qu'on cherchait? Des Xifidé. J'ai rendu, vous êtes dans le latin. Ah, on est là, on est là. Xifidé, dictionnaire des sciences, famille de poissons, scombroïdes, poissons osseux, téléostéens, apodes. Ça, c'était vraiment. Fait que c'est comme le saumon et la truite. Ouais. Ouais. Mais Chris, il y a un email, si tu comprends pas les mots, il envoie un courriel. De qu'est-ce que tu parles? Il te renvoie les explications de sa chaîne YouTube. Ben, c'est ça, les poissons, il y a des catégories. Pour ceux qui sont venus avec ça, sur sa chaîne YouTube. Alright! Il attend le monde. Pour notre dernière recette, on a de l'espadon, on a des frites de polenta, on a du chou de Bruxelles. Parfait. Le chou de Bruxelles, on veut faire un cul dans. On va les frire, ceux-là. On va les frire! Ouais, c'est ça. Fait que pas blanchi. Non, ça c'est quelque chose de cool. J'ai parti pour aller. Ah, mais ça, je pensais que c'était l'huile de la. Non, c'était de l'eau, là. Je vais partir de l'huile. Prends-nous de l'huile. Parfait. On va les frire. Là, tantôt, t'as dit quelque chose de raciste, ok? Fait qu'on va revenir là-dessus. C'est pas raciste du tout, c'est non. Mais on appelle ça une négresse, une friteuse dans un chaudron. Dans un cul. Okay. Est-ce qu'on sait pourquoi on appelle ça de même? Ça, je sais pas. Ça, on le sait pas, ok. Il y a peut-être quelque chose de raciste derrière tout ça. Peut-être, sûrement l'histoire doit venir de quelque part. Mais. C'est vraiment ce seul nom. Non, je sais, on l'utilise souvent en cuisine. Si y'a pas quelqu'un qui est pas raciste, c'est bien moi. Là. Puis. C'est un ami noir pour juste confirmer que t'es pas raciste. Alors, j'ai des amis de partout, mais dans mon. Ben, on va. Là, on va frire. Quand, ouais, on y va dans une, quand on y va dans une casse, t'as-tu un bon bidon d'huile? Ben, c'est ça, je suis en train de me demander. On a-tu un bon bidon d'huile, Mathilde? On va peut-être rapetisser la grandeur de notre chaudron, finalement. Ok, on va y aller plus petit, mais plus haut. Exactement. Alors, on va s'en sortir. On va en faire un à la fois. Puis on peut faire Bob aussi, là. Ouais. Je peux faire une permission spéciale, puis sortir la friteuse. Ah, ça va être bien trop long, ça va prendre 20 minutes, okay. De chaud. Non, on va le faire dans un chaudron, il y a rien, là. C'est ça, là. Alors, celui-là, il est pas mort, il va peut-être brûler. Là. Pendant qu'il cherche, je vais vous faire une chronique sur comment couper des nouilles. Donc, on met les nouilles ici. Une fois que les nouilles sont sûres, on fait très attention à ses mains. Tu peux tout la prendre, JP. Il n'y a pas de couper des nouilles. On revient à notre huile. Tu peux manger? Non, ça va. J'ai... On va y aller, gars. Je vais y aller santé. Ils baigneront pas dans l'huile. C'est pas bonne dans la salle. Non, mais plus baigné dans l'huile, c'est correct. Moi, c'est pas ça une bonne poutine. Ça te manque pas, hein? Non. Tu dis que ça te manque? Non. Allez. Non! Non, parce que après ça. En fait, tu vois, moi, je suis rendu à l'étape. Tu dis quoi? Je calcule mes aliments en fonction des heures de vélo que ça me prend pour les perdre. Quand je suis en train de manger quelque chose, puis que je fais, hey, ça, là, c'est 1500 calories. 1500 calories, c'est 2 heures de vélo intense. À 32 km/h. Et si moi, tu pédales pour vrai, là. Ouais. Parce que moi, j'ai du jogging. Puis je suis pas bon en bicycle. Puis je me suis acheté un bicycle comme de course. Ouais, ça peut pas être bon en bicycle. C'est fou. Man, pas d'équilibre. Je plafonne à comme 24 km/h. Okay. C'est vrai. Puis je fais. C'est quoi quand t'as comme vélo? T'as pas t'as un vélo? J'ai un bon un vélo de route, là. J'ai un bon vélo, oh, là. Puis même, je suis allé à une place de spinning, de faire ajuster pour moi avec ma grandeur, puis tout. Puis non, j'ai juste, je sais pas, je comprends pas. Mais si tu fais ça, c'est sûr que tu fais ça dans les rues, là, de Montréal. Cette semaine, à Laval, vous m'entendez? Non, mais je m'entraîne le marathon avec mon frère. On a couru un demi-marathon cette semaine. On a fait 20 km, OK? On a fait 20 km à peu près en un petit peu plus que. À peu près 2 heures. Un petit peu moins que 2 heures. Ok, si je fais deux, puis j'étais pas épuisé après. Si je fais 2 heures de bicycle là, le lendemain là, je suis ruiné. Hey, je pense que tu sais, ton corps est entraîné pour faire de la course. Mm. Ton corps est pas entraîné pour faire du vélo parce que moi des fois, tu sais, j'ai fait l'année passée, je suis parti d'Amos, puis j'étais allé à Lassar en vélo dans ma tournée. Sacrément, 100 ça, km, un 4 heures, en 4 heures. En Abitibi là. En Abitibi, 4 heures de temps, puis j'étais arrivé, j'ai fait une petite sieste, puis le soir je faisais un show de 2 heures. Là. Wow. Mais j'étais habitué de faire ça. Je pense que le corps s'habitue, tu sais. Ils sont tellement fins les gens de Lassar. Ah, sur tes cœurs. C'est malade. Ah, moi j'ai du fun là, on a tout le temps du fun. Non, ça c'est une place. D'ailleurs, on a Marc Couillard. Hein, je sais pas s'il écoute l'émission aujourd'hui. Là, Marc Couillard, fier gars de l'Abitibi qui nous écoute semaine après semaine, donc on en profite pour le saluer. On t'a carré l'Abitibi. Moi, les gars, il va falloir que je parte bientôt. Oui. Mais ce que j'aimerais, c'est goûter à ça. Oh, hein? De quelque chose, on va mettre ça dans le tableau. J'aimerais ça, je m'en vais rejoindre ma famille. Parce que c'est dimanche, puis il fait beau, puis j'ai une vie de famille. Si je disais à ma blonde, mais non, je pense que ça prend une heure et demie. Ah, puis même le matin, je me sentais mal, parce que le matin, je suis comme, ah, moi, checker un peu ce qui se passe dans la vie. Je suis comme, tabarnak, man, il fait des shows comme.
Il fait comme 8 shows cette semaine, ce gars-là. Là. D'ailleurs, on va leur mentionner, hein, plus sexy que jamais. Oui. T'es partout, pour vrai. Gatineau, Saguenay. Partout, là. À Québec, la salle Albert Rousseau, je mets toi. Ouais, cette semaine, mardi, mercredi ou jeudi, je m'en vais là. J'ai-tu les dates? Ah, non, mais c'est pas important. Allez sur philippelaprise.com si ça vous tente. Puis, anyway, c'est pas grave. Là. En France, bientôt. Oh, garde ça, le beau cochon! Et voilà, absolument. Combien de temps au four, ça, avec une pomme dans la bouche? On n'a pas de four assez gros encore. T'es mieux avec une broche. T'es plus format Michoui, mon fils. Ah, si vous êtes con! Attends, on va voir si c'est chaud. On les dates ici, par contre, si... Ouais, tu sais, je vais à Saint-Eustache, à Gatineau. Et voilà, 17 mars, 24 mars. Non, non, t'es parti. C'est juste qu'en 2017. Edmundston, le trip humour au Québécois. Ben, c'est juste à côté, c'est pas vrai. Tu sais, ça finit à Desjolies, mais Edmundston, c'est la ville d'après, si je me trompe pas. Fait que c'est pas... C'est pas si loin, mais il y a beaucoup de francophones, de communautés francophones dans ce coin-là. Ben oui. Quand tu vois, c'est vrai que le nom de Beaubrandi, c'est le mec qui a parlé. Non, c'est vrai. Même là, des fois, tu fais « I want to have a café ». Oui, non, mais c'est le gars, son nom, il est marqué « Jean », même pas. Ben, François, mais il parle juste anglais, François. Les francophones sont vraiment fatigués. Mais tout le monde a travaillé avec un cuisinier en commun, justement, qui vient de là. Avec Marc. Marc Landry, que... Chez Landry et Filles. Absolument, au point de Guilfeu, les papineaux, allez manger là, pour vrai. Marc, un bon chum. Puis Marc, la première été, j'ai travaillé avec... J'étais jeune en plus, j'avais comme 19 ans. Parce que j'ai commencé les jeux ensemble. J'avais jamais vu comme quelqu'un de là-bas. Ah ouais. J'étais comme, aïe aïe, je pensais que t'étais anglais. Aïe aïe, je pensais que t'étais français. Aïe aïe, quelle est-ce de langue tu parles, man? Je comprends rien, là. Tu sais, comme. Ils sont hot, les nouveaux. C'est produits. Malade. J'aime tellement ça. T'as ça aussi, les radio-radio, les gars de radio-radio. Mais moi, j'aime ça quand ils ont leur plan de langage. Ils ont les suivre. Non, mais ah ouais. C'est le fun en même temps, tu sais. C'est. Oui, oui. T'es au début de regarder rien, je sais pas ce qu'ils disent. Quand tu vas dans le camp, tu comptes sur des vrais Acadiens, tu parles chat. Là. Notre huile commence à fumer. Moi, je dirais que. On va en essayer une, on va en essayer une juste de même. On pourrait les repasser dans la polenta. On va y aller une fois, on va voir. C'est quoi une polenta? C'est notre polenta. C'est ce qu'on a fait depuis tantôt. C'est. Non, mais la polenta. T'as pas suivi depuis le début. En fait, la polenta, on pourrait dire c'est l'appareil qu'on a fait. Puis là, on les roule dans ce moule de maïs, finalement. Ah, bon. Je savais bien que c'était ça. Tu peux y aller si tu veux. Ça tarde, c'est de l'huile chaude. Habituellement, tu veux pas les échapper non plus, tu veux les déposer. Je veux juste les déposer. Tu les déposes, puis jamais vers toi. Tout le temps, exactement, vers les caméras. Oui, exactement. Ouais, c'est parfait, ça. C'est toi, en vrai, on serait allé plus de gras. Ouais. D'huile. C'est correct. Santé. On va y tourner, y'a rien là. Est-ce que c'est censé comme rôtir? Oui, c'est censé pour une portion, toi. Ah ouais? On a très 5 belles grosses frites. Beaucoup de calories, là. Oui. Ben en fait, c'est l'huile qui rajoute des calories. Tu peux prendre une petite spatule. Parce que sinon, le reste, c'est pas si pire. Non, je fais tout le temps ça. Ah, parce que ça peut fondre là-dedans, ça. Ben, si tu laisses 5 minutes, c'est sûr que ça. Des bonnes chances, ça fond. Mais ça rajoute un goût. Tu laisses reposer, puis. On un petit coup de plastique. Hein. Cette semaine, il y a un truc qui est sorti. C'est là en train, je pense. Les sacs sous vide, les buissons sous vide. Mais quoi? Oui, est-ce qu'on peut cuisiner sous vide? C'est du plastique. C'est capoté, man. Il y a du plastique partout avec okay. Là. Ben, check, hier, là, je donnais une démonstration de cuisine à l'Expo Manger Santé. Je suis tellement content que tu dises, je donnais pas de démonstration de Tupperware. J'amène tout mon stock. Moi, je donne des cours de cuisine, pis tout. Fait que j'amène tout mon stock, mes chaudrons, mes poêlons, pis tout. Je charme mon poêlon. Pis il m'a dit, c'est un poêlon aluminium, ça. Parce que. Ouais, tu sais, c'est la meilleure affaire que tu peux acheter pour ce que ça coûte, tu sais. Elle dit, ben non, ça donne l'Alzheimer, là. Je suis comme, tu me fucking niaises-tu, là, quand. Pis je savais vraiment pas comment réagir à tout ça. J'étais comme. Ah, parce que je dis qu'il est bizarre. Ben bizarre, ouais, ben, ça, là, tu fais. Ça donne l'Alzheimer, là, tu fais. Pardon, c'est quoi votre nom déjà? T'as pas eu l'Alzheimer? On est où? Oui. On est où, là? Moi, des fois, j'utilise beaucoup la fourchette dans les poêlons. Ben, c'est parfait. Ouais. Est-ce que c'est correct? C'est oui. La technique que tu vois, là, c'est beau, là, ça. Que ce soit spatule, pince, fourchette, tu prends ce que. C'est ça, la cuisine. Tu sais, souvent, là, on va dire le bon instrument, tout. Non, prends qu'est-ce que t'es le plus à l'aise avec. Tu sais, ouais. C'est ce qui rend ça le plus plaisant pour toi, finalement. Check ça, comment c'est grand, ben, ça fait. Coeur, hein? Ça fait des estides de vraiment frais, attendre ça. Que ça soit vraiment frit, là. Alors, c'est bien. Ouais, c'est wow. Ça, le but de ça. C'est ça, le frit d'habitude. Est-ce que parce que les gens. Il n'y avait pas ça frit pour le fun, là. Non, mais il y a des gens, des fois, qui pensent que juste les faire saisir, les revirer un peu, puis les remettre, il faut attendre qu'ils soient vraiment dorés et croustillants. Oui, comme dans la Norse. Mais 15. Avec du ketchup. As-tu du ketchup?
Oui, on met du ketchup, mais on mettra pas du ketchup là-dessus. Non, le petit gars blond, là, de vlog. Coudonc, vous êtes bien vivé dans le passé, les gars. Parlez de musique plus, parlez de quoi. Ça a marqué le monde. Ben oui. Je sais pas ce qu'il est rendu. On lui dit bonjour. On lui dit qu'elle passe une heure. C'est sûr, sur YouTube, tu le cherches, il doit être bêtement. Oui, il est tombé dans la drogue et dans l'alcool. Il fait des annonces de moutarde. Hey, sur ce, je vous rappelle, vous écoutez Bob le Chef Live, la seule émission interactive francophone culinaire au monde. De l'univers même, on est avec Phil Laprise, Jean-Philippe Saint-Denis. On a fait une super belle recette de canard laqué avec une salade de nouilles à l'asiatique. On est en train de faire frire de la polenta, des frites de polenta, aux tomates séchées. On est en train de frire des choux de Bruxelles. Tant qu'on va avoir la friteuse partie. Tant qu'on va avoir la friteuse partie, absolument. Là, ça se peut que ça t'explose en face. On a vu le chou de Bruxelles qui a flippé de lui-même, OK, ouais. Là-dedans. Wouh, wouh, mon Dieu, mon Dieu! Ah ouais! C'est beau pour la caméra, hein? Ça, ça brûle pas. Hein? Ça brûle pas parce que c'est du papier. On sait pas. On va voir si c'est du papier ciré ou du papier parchemin. Moi, je pense qu'on peut y aller avec les frites, les sortir très délicatement. Ça a l'air. Oh mon Dieu! Deux de la prise, deux de la chatte! Une de Cro-Magnon. Il y en a une de. Ah, t'as vu, je suis en train de casser celle-là, je vais te laisser. Je tiens à rappeler que dans le troisième tome de l'anarchie culinaire selon Bob, oui. Le chef, il y a une recette de frites de polenta. Absolument. On l'a fait dans polenta, c'est toutes les sauces, il me semble, dans ce livre. Exactement, c'est mon Ghost Rider, pourrait me le rappeler, s'il vous plaît. T'en as fait combien de livres? T'en as fait trois. Ouais. Mon Dieu, c'est bon. C'est bon, vrai? Là, on pourrait les saler. Oui, encore? Ah oui. Un petit choc. Quand tu sens tes frites. Il fait une chute dans la cuisine de votre. Non, mais moi, tantôt, je m'en vais en bas sur le vélo, je fais 6 heures. Ah, il est venu à vélo. Il part de Laval, ça va jusqu'à la rive sud. Ouais, pas loin, là. Montréal, Albert Rousseau, cette semaine. Non, c'est bon, hein, pour c'est vrai? Vraiment bon. Oh mon Dieu, que c'est bon. Tu peux regarder pour ma présentation. Hein? Faut que je m'en aille. Faut que je m'en aille, moi, là, pour ma présentation. On va t'en faire d'autres. Oui, absolument, mais on veut pas y jeter. Comme un gars du lac Saint-Jean. On va en faire un autre. On va en faire d'autres. Oh, c'est bon, ça bon! Fait que ça, comme l'été, là, tes barbecues, là. Tu pourrais les griller aussi. Oui, ça pourrait être un peu plus dur. On les couperait plus gros. Ça se grille super bien, pour vrai. Mais je pourrais-tu faire, mettons, des burgers avec ça? Ouais, si t'es vraiment mal pris. Non, mais c'est que c'est tu veux. Moi, c'est que je suis végétarien. Quand je te parlais que j'étais pauvre, là, dans le temps que j'allais à l'école de cuisine, ben, je suis pas même plus riche. Je fais un show avec des donations PayPal. C'est une belle télé. Si vous êtes des réalisateurs, engagez-moi pour vrai que je paye mon loyer, ok? Mais sans rien dire, quand j'allais à l'ITHQ, quand j'ai découvert la polenta, moi, je faisais la même chose, j'avais la même. Je me coupais des gros carrés, ok? Puis je faisais comme une lasagne. J'y faisais frais comme ça. Là, tu fais des étages sauce tomate, fromage. C'est, cool, c'est, ah, c'est écœurant. Ouais. Puis ça, c'est vraiment. Tu sais, on pense souvent, on sert ça dans les grands restos italiens à Star. Ça, c'est la typique bouffe d'après-guerre en Italie. Pour ah ouais? Là, quand. Ben, tu sais, on s'est pas mis à manger des tripes et des rognons. À la place du filet mignon pour le fun, hein? Il fallait qu'on soit pauvre en investi de manger des testicules d'agneau un moment donné, des là. Escargots. Exactement, les affaires. C'est qui que j'ai lu, c'est le gars le premier qui a mangé un huit, hein? Qui mangeait des roches, c'est-tu pour tomber sur un huit? Il fallait qu'il y pense, hein? Ben c'est vrai, c'est le premier qui a fait. Hey, ça doit être bon. Il doit de quoi là-dedans? Ah, on va faire c'est Dominique Paquette qui avait un gag dans le chanchou qui disait comme « Hey man, des cuisses de grenouille, c'est bon en tabarnak, mais le reste, non. » Fait que ça veut dire qu'à un moment donné, il y en a un qui a croqué dans la grenouille qui avait ah, ah, ça c'est dégueu! Hey, c'est vraiment bon, hein, sincèrement. On va faire un switch. Quelque chose? On va envoyer ça ici. On met ça ici. On va le chauffer comme ça. On va mettre ça ici. Ouais. Je vais m'occuper des frites tranquillement. On va finir le poisson. On y va? Absolument! Oh, bah, oh, oh, oh. Je suis pas le timing, je vois pas l'heure, y'a pas d'heure. Ça. Non, tout est bon. Moi, le menu, je vais sortir. Bon, ben, on est en train de finir le show, fait que tu peux rester 2 minutes, puis la présentation va être faite, puis après reste ça, on le met dehors. J'avais amené les épices là-bas, c'est-tu à côté de la cuisine de bien. Oh, shit! T'as amené les épices des. Waouh, ça c'est. Qu'est-ce qu'il fait ton chien? Il dort bien beau. Pourquoi il fait ça debout? Ah, ouais, dans la friteuse. On le voit-tu dans le Kodak qui est là? Non. Oh, ben, on y va, le petit nez! Gagagagagi! Hey, il n'y a pas des messages! Pas c'est lui le maître, hein, il sait! Ah, tu l'as pas donné! Ben non! Ben c'est bien chien! Ben non, ça c'est un chien! Hey, il mange tout! Fait que c'est le concept de l'espadon, ce que j'avais dit à Joe Beef! On va faire comme si c'était un steak! Ouais! Fait qu'on va juste mettre des épices à steak dessus!
That's it, that's all. Pas besoin de sel, parce que j'imagine... Ça, il doit en avoir un petit peu. Il doit en avoir un petit peu dans leur épice. L'épice, ça commence par moutarde, sel. Bon. Bon. Ça fait que les gars de Joby. Non, le check à le poisson, là, comme ça, tu es expert du barbecue. De l'espadon, je sais pas si c'est-tu si bon que ça de l'espadon? On en 5 minutes. Ouais, je sais, mais c'est comme une viande. De toute façon, ta femme a le check, elle sait que t'es ici. Hein? Es-tu vraiment ici? Le show est vraiment direct en ce moment. Un check, c'est vrai, touche-toi le nez! C'est toi qui es dans Denis Drolet. Tu vas faire de l'absurde. Ouais. Ok. Fait que juste comme ça, là, un truc ici, on va se prendre un. Les fameux spongies, whatever. Sont-ils les spongies pochettes? Attends. On va se huiler la grille, tout le temps. Ah, tu huiles la grille? Ah, se huiler la grille, c'est toujours cool. C'est fou comment? Ben moi, je veux jamais ma grille. Moi, je huile les deux. Je huile mon barbecue au début de l'été, puis je le laisse aller jusqu'à la fin de l'été. Ah, moi, chaque shot. Ah, ouais. Shot. Ah, tu mets ça, puis tu huiles la grille. Bon, dépêchez-vous parce qu'on n'aura plus de stock pour ta présentation. Non, j'ai vu ça, l'esti, man. T'es un bon cuisinier, mais tu ferais un très mauvais cuisinier. Mais ça, c'est. Là, il est en train de manger son souper dans le soir, c'est ça. Moi, j'ai plus faim, man. Quand c'est ça, le barbecue. Non, c'est tu vas checker tes calories et tu vas dire Chris. J'ai roulé. Bye, bonne journée. Ouf. Ça, je vois si tu veux souper. Tu sais, tu m'essayes combien de fois par semaine, Phil? J'essaie tous les jours d'en faire. T'as-tu comme une installation chez vous? Oui, dans le garage, j'ai ça avec un... spécial avec la télé. Ouais. Faut écouter Netflix, puis je roule des fois... Netflix, c'est une bike? Ouais, Netflix, c'est une bike. Mais tu sais, cette semaine, j'ai roulé 100, 270 km dans mon garage. Ah, donc, garage. Dans le rond, en ouais, ben... ça fait de l'argent, les humoristes! Ah, il y a vraiment ce garage, il y a 8 portes. Ouais, mais je me dis, je fais un tour, c'est déjà 2000 kilos, fait que tu sais, ça fait bien, tu sais. Comme j'ai un Drax, là, tu sais, c'est une roue sans fin, là, qui. Ok. Qui est à côté dessus, là. On a une question pertinente pour Jean-Philippe. Moi, c'est ça, Frenchy Foodie, un fidèle auditeur, qui demande si l'espadon a une texture qui se rapproche du thon ou si c'est plus dense. Plus ferme. Plus ferme. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je le travaille comme un steak. Exactement, ça se grille. C'est le poisson. C'est pour t'initier à griller du poisson. Moi, je pense que c'est... Ah, tu peux pas le scraper, il collera pas trop. C'est vraiment comme une viande. On va le cuire comme une viande. On pourrait faire des petits cubes, faire des ragoûts avec. Ça serait parfait aussi. C'est vraiment comme un poisson de chair blanche assez ferme. Du bref, ça, le requin aussi. Oui! Qui est quand même des trucs blancs. Mais check, est encore plus ferme. Même si on va checker sa caméra ici, check. Tu peux vraiment. Parce qu'elle a été baisée dessus. Je peux comprendre ce qu'il dit de. C'est quand même, ça ressemble beaucoup à un morceau de thon. C'est le même dans la même. Absolument, thon jaune un peu. Quatre filets, de la même façon que c'est fait. Fait que là, c'est important de faire le quadrillé. Ah oui. Mon chum, il fait ça, le quadrillé, Martin. T'es pas rendu là, toi? Moi, je m'en fous. Ben, je le fais, mais à la fin, là. Tu pèses dessus pour le. On n'a jamais, je pèse sur une viande. Excellent. Il y a son Sharky. Il y a son Sharky. J'aime ça entendre ça. Non, faut pas baiser sa viande parce que là, ça vide tout ce qu'il y a dedans. Puis, tu sais, la saborosité, puis ces affaires-là. Hey, mais c'est ça qu'on vient de faire. C'était pas ce mot-là, parce que nous autres, on a un mot qu'on a inventé, croustillance, ici. Puis à ce temps, ils s'en servent, même à Radio-Canada, j'entends du monde dire croustillance. De la croustillance. Mais c'est quoi savoureux? Savoureux-rosité. Savoureux-rosité, j'aime ça. C'est plus que savoureux. Il y a plus de palanca. Il y a pas de polenta. Les frites, il n'y en a plus, j'ai tout mangé. J'en ai des petites cassées ici que tu vas pouvoir bouffer. Nul! Puis en fait, ceux qu'on a fait là sont encore plus dorés que les autres. Fait que. Non, mais ce qu'ils disent, c'est qu'il fait mieux que moi, c'est ça? Non! C'est juste. Je suis plus patient. On a craqué ça dans le tapis, là, ici. Là, fait que. C'est ça, tu veux-tu en mettre deux tirs? Mets-moi ça un petit peu. Oui, absolument. Attention. Y a-tu bouffé les choux de Bruxelles aussi? Non, encore, mais je le check, là. Ah, mais t'as vu, j'ai goûté juste pour être sûr. Tu vas le voir, là? Mieux ton papier, là. Non, mets ton papier, là. Mets donc du sel, que je te sèche ça, là. On peut aussi faire ça avec ça, là. On veut-tu bien cuire? On veut cuire! On mange pas ça trop cuit, ça va donner sec. OK.
On mange pas non plus saignant comme un thon. Non, c'est ça. On y va, on essaie d'y aller entre les deux. Pis c'est dur de dire médium saignant, parce qu'un poisson, ça saigne pas. C'est ça, ouais. Ça va tout le temps bien gros fédéré. Quand on dit ça dans les restaurants, tu sais, je vais prendre médium saignant, ça saigne pas un poisson. Les savants sont capables d'inventer des choses assez spéciales. 3 minutes d'un bar. Les aussi, souvent. 3 minutes d'un bar. À peu près, ben, ça va dépendre de l'épaisseur, tu sais. OK. Là, on a un beau morceau. Là. Un beau morceau, il est quasiment à 3 quarts de pouce. Fait que, ben, il commence à être. On aurait pu. Au toucher, check, touche J. Ouais, ça, voir, il commence à être presque parfait. On va regarder lui, il est cru, il touche. Lui, il est cru. Touche. Ah, mais oui, qu'est-ce que tu fais? Fait que ça, on aurait pu même encore le couper. Des fois, moi, je me sens encore plus mince. Okay. Ça, c'est vraiment une minute de chaque back, côté. Back. Ou même juste griller d'un bord, puis tu vois qu'il cuit jusqu'à l'autre côté. Là. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est top. Quand t'as encore plus de goût d'épices. Mais tu peux le manger rosé un peu, là. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Pas trop cuit. Il est blanc, comme blanc, il peut pas être rose, là. Il va être comme du plywood. Ouais, mais il y a du rose, là. C'est rose, ça. Ah, hein? Il est pas... Hey, faut que tu y laisses. Il a raison. Gars. On va m'arrêter des polenta, moi. Bon, mettons, là. On y aller, une minute, on met ça. Comment je fais pour on se fait une petite huile d'olive. Parmesan, tu avais ça tantôt? Oui, il est là, le parmesan, il est là. L'huile d'olive, je pense que tu l'as de ton bord. Ben là. Moi, je m'en viens, je vais t'emprunter tes pinces deux secondes. On va juste sortir nos autres choux de Bruxelles qui sont tout seuls. Faites-moi bien aller. Les choux de Bruxelles. Moi, je connais deux façons de manger du choux de Bruxelles. C'est soit avec du bacon ou frit. Ça marche toujours par la pièce. Non, ben là, ça me tente d'y aller de même, là. Okay. On va être fancy un peu. Tiens, toi. On se met... OK. Un petit peu de parmesan là-dessus. Direct sur nos choux-fleurs, là-même. Wow! Ouais. Bonne idée, on vient de dropper ça, là. Un petit peu de n'importe comment. Hein? Puis, on va mettre un petit shot. Tabarnak! Alexis pogne ça là! Avec la top cam, check-moi ça, cette présentation! On aurait pu. T'as-tu un citron qui traîne? Oui, absolument, j'avais vu le citron qui traîne. J'enlève ça. Il est là, je le vois. Ouais, mais il est un peu bientôt, là. Ah, mais tu vas voir où ce qui va finir. Non, laisse-le là, on va le griller. Attention à toi, Phil! Oh merde! Un truc aussi barbecue. Oh! On grille au citron. Ça l'aide à sortir le jus. Oh ouais! Ben, ça c'est vrai, quand on fait de la limonade, jus de citron, c'est de la limonade barbecue. Non, mais moi je mettais. Ça, c'est une bonne idée. Ouais, on regarde. Mais non! Tu vois, cet été, ça va sortir de limonade barbecue. Quand on faisait des. On a les droits. Quand on fait du jus de lime, le jus de citron, surtout du jus de lime. Parce que la lime est limite, pis c'est pas tout le temps évident de faire sortir le jus. Toujours une lime dans ses poches. Oui, tout le temps. Mais c'est pour les garder au chaud. J'avais dans ma poche de j'ai gardé au chaud, c'est plus de jus. Mais t'as passé une petite minute au micro-ondes, pour vrai. Pis ça casse les films en plus à l'intérieur. C'est qu'elle soigne, genre. Ben, si t'es, ça s'échoue pas, t'as un petit goût de barbecue aussi. Pis c'est cute aussi. Tu vas juste la mettre dedans ou tu. Ouais, juste comme ça. Wow! Wow, mon gars! Je sais pas s'il l'a bien avec les chattes. On va se mettre une coupe de tomates cerises qu'on fait aussi. Hey, c'est beau en crisse, ça. C'est pas compliqué, hein? Rose. C'est de la bistronomie. Tiens, mettez ça dans vous autres, je prends en photo. On va faire une séance photo, le seul show. Hein, qui. Reste que vous êtes beau. J'adore! Yes! Ok, mais là, c'est le moment important. De goûter. De goûter, absolument. C'est. Là, dans le fond, toi, tu fais une saveur de tout. Tu manges un petit morceau de poisson, un petit morceau de Bruxelles. Ouais, mais moi, quand je cuisine, c'est que tout se rejoint un peu. Tu sais, le parmesan, okay. Là, la polenta, avec le parmesan, ça fit. Il y a tout le temps un fil conducteur dans ma cuisine, on va dire. Y a-tu des arêtes là-dedans? Non. Devrais pas. Si t'as une arête, t'as pas de l'espadon. Oh, wow! Ok, avec les épices à steak de chez Joe Beef. Fait que là, c'est bon, ça. C'est vrai. Ça, c'est vraiment bon. Bravo. C'est simple comme bonjour en plus. Mm. Tu pensais que tu mangeais, tu vas te dire que c'est du poulet, tu ne serais pas à la même. J'ai pas goûté aux frites de polenta. Ils étaient tous mal. Ceux-là sont meilleurs et du parmesan. Il est très bon. Hein. Le poisson il est super frais. C'est vraiment bon. Pour vrai, là, bravo. Ah, merci. Pas compliqué.
super bien dire. Merci, ça, ouais. Merci beaucoup. Parce que t'es tellement occupé, puis de te déplacer comme ça pour venir boire un verre d'eau puis manger de la c'est vraiment gentil. Non, mais on a bien cliqué ensemble à venir des médias, puis j'ai rencontré Jean-Philippe, le chou extraordinaire aussi. Ben, je savais que le fit, ça pourrait être bon pour vrai, ne serait-ce que par le physique. Mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis-tu qu'il est gros? Non, je dis que c'était grand. Je pense que c'est vous deux que vous êtes grands. Ouais. Tu pensais mal. Ben, la gang sur le web, merci beaucoup, hein, puis c'est le fun de voir ça, les Français, adias. Yes, hey, sans y merci, puis on va voir ton show. Merci. Yes, plus sexy que jamais. Au fil de la prise. J'espère t'en voir bientôt. On se voit au troisième. T'es dans la tuque. Tu me drapes un Facebook, on prend un verre d'eau à la tuque. Ben vraiment. Et à la tuque, j'ai un four à pizza dans la côte. Fait qu'on fait de la pizza maison. Ok, tout. Tu vis à la tuque. Non, vraiment pas. Je t'expliquerai ça à la tuque. Ouais, c'est compliqué à l'estime. Reste sur le web, reste sur le web. Salut, bye, tout le monde. Yes. Bonne journée. Bon, ben Chris, toi pis moi, ben, on a fait le tour des recettes. On peut se faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Des toasts! Faites des toasts! Non! En fait... Combien de temps qu'on a? On va te trouver ça, moi. On a le temps qu'on veut, il est 3h20. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, m'ouvrir le frigo, mais il est vraiment bon. Run! Une guitare ici, tu vas venir chanter une chanson. Hop! Téléphone. On prend le boss, c'est Frenchie. C'est qui lui? Ouais, c'est un de nos caméramans. Il cherche la job, justement. C'est des caméramans? Ouais. Hey, sans rien dire, c'est vraiment bon, ça, vraiment. La recette va être en ligne cette semaine. BobLeChef.com, on vous le rappelle. Même pas besoin de recette. Polenta, épices à steak. Espadon, épices à steak. On met la recette des frites à polenta. Ouais, ça, oui. Mets-tu une petite salade. Ça aurait été parfait aussi. Ok, le chien. Un truc été, hein. Il était ici. Ah ouais. Run! Ah, des tapettes, pas des boutiques. Oui! C'est bon, ça? Parle-moi de ça. Faut-tu faire un cadre, hein? Y'a-tu un tablier en train de brûler en arrière de vous? Non, j'ai juste à côté de même pour qu'il y ait salut tout le monde! Je m'en vais avec le feu pogne! Ciao, merci encore, JP! J'ai pris le feu, pis ciao! Si t'as pogné une ticket de parking, renvoie-nous-le! Salut, mec! Ah, à Tachereau, il n'y a pas de stationnement mais partout. On fait beaucoup ça avec nos dons sociaux de financement. On paye les tickets de parking aux gens qui viennent à l'émission. Merci. Hein. Bonne fin de semaine. Non, ça, c'est vraiment pour eux, c'est bon. Non, ça, c'est les choux de Bruxelles. Tout est fou là-dessus. Les choux de Bruxelles, pas compliqué. Même pas blanchi, même pas rien. Le fruit, là, pas de la je pense qu'on va arrêter ça là, parce qu'on va arrêter sur une note haute, puis on dépassera pas ça dans le show, c'est sûr. En 30 minutes, avec ce que tu sais pas. Ah ouais, tu sais que c'est quelque chose qui t'inspire. Il y a des bocs de bière. Il y a des bocs de bière, ça part bien. Ah ben, on peut se dire, nous autres, on s'est rencontrés ça à brosse, là. on a pas parlé de ça, t'es? Non, on a parlé avant l'émission. On l'a mis à contexte. On a travaillé au show Lapin. Il y a 5-6 ans. Absolument. Au moins, 6 ans à peu près. Show Lapin est un resto à deux bons chums à nous. Oui, absolument. Max puis Jean-Cédric. Ils sont tellement cool. On l'a oublié. Ici. Il y avait Jean-Benoît. Oui. Il y avait Jean-Benoît. Et Loïc Lapin aussi. Mm-hmm. Il y avait un beau petit resto sur Montréal. Oui. Ils ont fait un souper des orphelins de Noël. C'est ça. C'est ce que je sais ce qu'on va faire. On va faire d'autres choses avec le poisson. On va griller le poisson de ce bar-ci. On va se faire une petite salade de pois chiche. Pas pour l'autre. On va faire une autre présentation de poisson, vite dire. Alexis, on continue le show finalement. Ah ouais, let's go. Okay. Tu as un coup en deux que ça grille plus vite? Je vais faire un don, là, puis je suis en train de m'abonner à PayPal. Tout, tout. Ça, quand ça pas loin, on va le manger. Non, c'est sûr qu'on va faire ça, absolument. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Ça va être tellement louche, qu'est-ce qui se passe ici, là? Ça arrête de m'agriller plus. J'ai envie de faire un don pour vrai, là. Je pensais qu'il y a quand même une transaction bizarre qui se passe. Déjà, on va l'essayer, je l'ai coupé en deux cette fois-là. Ah, wow! Ok, fait que ça recule bien plus vite, absolument. Pendant ça, moi, j'ai ouvert. Peut-être trouver d'autres trucs qui se font mettre comme épices là-dedans. Hey, là, asti. Man, tu cuisines-tu avec l'eau des pois chiches? C'est toi que j'ai vu passer cette semaine. T'as de la meringue avec ça. C'est. Comment tu peux faire de la meringue? C'est ça, c'est végétalien, là. De la meringue végétalienne. En fait, là, l'eau de pois chiche, ça a à peu près les mêmes composantes chimiques que les blancs d'œufs. Même que je l'ai essayé cette semaine, parce que la semaine passée, on a dit quoi à l'émission? Que Tigre était comme, on peut-tu le faire coaguler dans l'eau? Puis j'ai dit oui, puis après, Alexis était comme, ben, t'étais-tu certain de ça? Puis j'ai dit non. Fait que tu peux pas dire des affaires que t'es pas certain, ça a l'air.
Mais ça fait comme un œuf blanc poché si tu le verses dans l'eau bouillante vinaigrée. Ouais. Tu peux faire une omelette avec l'eau de. Man, on va faire une omelette là, là, comme je te le dis, juste te le montrer. Une omelette au blanc. Une omelette au blanc en deux, carrément. Là, on est pauvre. Là, on est pauvre. Oui, absolument. Là, on est pauvre pour vrai, là, ok. Elle pense que ça fait maigrir. Ouais, les pois chiches. Les pois chiches? Ouais. Ben, je peux. Ça doit pouvoir nettoyer l'intérieur, là. Je dirais pas que les pois chiches, ça fait maigrir, là, mais. Ça nettoie l'intérieur, sûrement. Mmh. C'est une bonne façon de chier une dose de protéines. C'est sûr, parce qu'ils sont végés. Si on est sur une espèce de diète végétarienne, absolument. Ben, en tout cas, de base, je voulais juste mentionner que la transaction louche que tu pensais qu'on était en train de faire, ben, en fait, c'était Ron qui faisait un don de 40$. Oh shit! Mmh. Merci, Ron! C'est très, très gentil de ta part. On te remercie. Il paye pour venir nous voir. Il paye pour venir nous voir. Ça, c'est bon genre de femme, pour vrai, là. On juste... Tu pourrais vendre, avoir 5-6 stools puis vendre des billets. Hey, on y pense! Ça va venir! On va avoir un public éventuellement, pour vrai. Il suffit d'acheter du voisin. Oui. Ça prend des dons d'à peu près 800 000 pour acheter le voisin. Je te rappellerai aussi qu'on est sur le web, on n'achète pas, on loue ici. Hein? On va louer le voisin. Bob, là, ça me fait rien de payer, c'est des vrais humoristes que j'ai. Il a payé pour le gars qui est parti. Ben, fait qu'un petit peu de beurre, un petit peu d'huile, comme si on faisait une omelette, vraiment. Puis on peut mettre... Là, tu vas m'épater, hein? Ah, on va vraiment venir mettre notre jus de pois chiche là-dedans. Puis tu vois, ça va vraiment cuire. Pareil, tu sais que j'ai peur, hein? Non, hey, j'en venais pas cette semaine, les meringues commencent à sortir. Ça, j'ai vu, puis j'ai passé sur le web, sur Instagram, au pois chiche, j'ai mis ça dans mon KitchenAid avec du sucre en poudre. Ça, ben, ça goûte pas le pois chiche, pas en tout. Ça a un petit goût, comment je pourrais dire, de noisette, on pourrait dire. Fait que là, on regarde ça cuit. On regarde ça cuit. Pas de philosophie japonaise. On va voir. En fait, c'est du coup, j'ai fait de la mayo avec jusqu'à l'âtre. J'ai fait une mayo végétalienne qui était vraiment bonne. Ok, puis ça a vraiment. On jette les pois chiches. Oui, on jette les pois chiches dans ça là. C'est la première fois que j'essaye l'omelette. Fait que peut-être. Ah, okay. Fait que peut-être ça marchera pas, l'omelette. Ça va peut-être juste se mettre. Je pensais que tu pensais que tu savais. Non, non, j'ai fait coaguler dans l'eau bouillante, mais j'ai pas essayé l'omelette. Fait qu'on va voir si ça va fonctionner. T'as pas dû partir à chaud? Ou tu sais pas? De tout bois. On plein mes omelettes à froid. Fait que. Ouais. T'as pas d'un déjeuner, toi? Non. Asti que j'ai ça. Mais toi, tu fais des brunchs à cette heure. D'ailleurs, c'était moi, j'étais chef au Lemeac dans le temps. Oui. Des omelettes, on les fait en tabarouette. Ah, que j'ai ça, fait. Et mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que Pierre, tu vois, des... tout chef est supposé savoir faire une omelette. Chef à la base. Ouais. Ouais, non. Mais si vous avez vu le combat des chefs, moi, contre Martin Genoux, vous savez que je suis pas bien bon aux omelettes. T'as pas une omelette à la langue, là? Non, elle a juste. Ben, tu sais, j'aille tout. À ma défense, faut que j'aille le chat, faut que j'aille les dons. Faut que j'aille mes invités. Lui en plus, il a comme piqué mon arbre de chou de Bruxelles pour faire sa recette. Fait que moi, j'avais des œufs, pis. Ah, c'est vrai que ça commence à faire comme un blanc d'œuf, là. T'as l'air sceptique. Ah ouais, moi. T'es sceptique. Ça, c'est de la chimie. Là, on est dans la cuisine fusion, là, pour vrai. Là. Ben, c'est de la chimie alimentaire. Tout le monde est sceptique présentement dans la cuisine. J'aurais jamais pensé à être aussi fasciné à regarder de l'eau bouillée. Ah, y a-tu quelqu'un dans le chat qui a déjà essayé de faire une omelette avec l'eau de pois chiche? Ça, c'est qui est pauvre dans le chat? Qui est pauvre? Ouais, exactement. Bon, c'est vraiment ça bouillé, là, dans le fond, on le voit, là. Je sais pas. On va voir si ça marche. Ben, ça bouille, ça marche pas. Mais ton blanc d'œuf aussi, il bouillerait un peu, là. J'aimerais ça qu'une panne vide collée. Dommage, je fume plus, on pourrait fumer un bat et regarder ça bouillir. Ça serait sûrement plus intéressant. Au moins, on essaie. Non, mais hey, c'est un show en direct, essai-erreur. On va le savoir une fois pour toutes si ça marche. Hein? On lit l'avenir là-dedans. Oui. Ouais, bonhomme sourire. T'es comme une voyante hindoue, on se dit. Il n'y a rien qui pogne là-dedans. Ça va pogner, je te le dis. If you cook it, it will pogne. If you smell what the rock is cooking. Je suis sûr qu'il ne cuit pas d'autres pois chiches, le rock. Je vais juste préparer mes... Je pense qu'il fait faire cuire de l'autre pois chiche, peut-être. Je vais préparer mes ingrédients pour ta garniture pour ton omelette, tu veux dire? Pois chiches, parce que je suis pas convaincu qu'on va avoir un omelette. Ta garniture d'omelette? Qu'est-ce que tu mets dans ta salade? On met des tomates séchées. On va mettre de l'ail. Okay. On va juste mettre. On va faire un barbecue vite fait. On va mettre des épices. On essaye-tu d'autres choses? Qu'est-ce qu'on a comme épices? On va faire une croûte de parmesan. Ah, absolument. Vas-y.
pois chiche, parmesan, on est dans le Maghreb. Je veux que ça pogne, c'est ça? Non, mais on a l'impression, check l'eau, elle change de couleur, là, ça commence à être opaque. Je l'ai peut-être trop mis. C'est peut-être ça l'affaire, mais moi, je te le dis. J'ai trop mis de jus de pois chiche. Ron, fais donc des recherches sur omelette de jus de pois chiche sur Internet. Tiens, on va faire une croûte de parmesan. Simple comme ça. L'omelette! C'est l'omelette. Ça, les voisins sont habitués à chaque dimanche. C'est la troisième fois qu'ils pognent, pour vrai. Ben ouais, Mathilde, rassure-toi, c'est pas le tablier qui brûle, ok? C'est la poêle. Ben, au moins, on est correct. Là, j'ai juste mis une croûte de parmesan. Ah oui, check ça, là. C'est en train de coaguler, ça, là, dans le fond, là. Check le fond de notre poêlon, là. Il est sale, ton poêle. Non, ça commence à être baveux, moi, je te le dis. Être baveux, dans maudit. On va voir. On va voir qui c'est qui va être le plus baveux après. Fait que juste, croûte de parmesan. C'est ça, une croûte de parmesan. Quand on lit ça dans le menu. Moi, je faisais beaucoup des escalopes de volaille. Oui. Juste parmesan. Tu mets ça dans la salamandre au restaurant. Ça prend 15 secondes à cuire. Qu'est-ce que j'aime de toi, là, pour vrai, là? Puis je vais te le dire, c'est mon moment immo là, de l'émission, mais. À l'entour d'un feu. Oui, à l'entour d'un feu. Non, mais j'aime ça, parce que t'es old school cuisinier un peu. Tu gardes ça simple, pour vrai. Puis, ben, c'est ça, la cuisine. T'as dit quoi l'autre jour sur Facebook qui m'a bien fait rire? Que à cette heure, tout ce qui est tartare et carpaccio, on appelle ça des crudos. Ouais. Et tout ce qui est grillé, on appelle ça brûlé, oui. Puis asti que c'est câble, ces modes-là, moi je trouve. Ben, c'est que ça, tu checkes bien des menus à Montréal, je disais crudo, tu sais, il y a deux ans, crudo. Non. À part des italiens. Ah, puis même c'est italien. Moi, j'aime ça le dire. En plus, j'ai mangé un crudo de saumon. C'est tellement de la merde, toi. Ah, ouais. C'est de manger du saumon cru, c'est tout, puis tu le dis dans une autre langue, tu sais. Ben non, mais moi, ma cuisine, c'est toujours simple. Mm-hmm. Tu sais, comme t'as vu, simple, pas trop d'affaires. Simple, goûteux. Fait, exactement, avec goûteux. Des produits de qualité. C'est ça, goûteux. M'assaisonne bien. T'as dit que ça va quoi aider, il y a des recettes de jus de pois chiche. Ok. Mousse au chocolat. Mousse au chocolat. Il y a des salades tièdes où ils utilisent le jus de pois chiche. Ok. Le jus de pois chiche en mousse, comment ça marche? Ben ça, j'imagine, c'est comme la meringue un peu. Tu le fais monter vraiment. Mais ben, ça monte là, en pique ferme. Meringue vegan. Ouais, exactement. J'ai fait cette semaine. Tel que promis, hein, la semaine dernière, pour l'auditoire, on avait dit qu'on était pour le faire sur Snapchat. C'est bien que tu fasses ton mois végétarien. Ben, une fois par année, tu sais, ça fait du bien. C'est long un mois, t'as pas choqué sur un poutine, t'es pas tombé dans un poutine week là-dedans? Non? Ouais, à la fin, j'ai été déguster des poutines, mais j'ai tassé la viande dedans, par exemple. Puis tu sais, qu'est-ce qui m'a déçu? Quand je parle à des végétariens, ils me disent tout qu'ils bouffent de la poutine, puis je dis ça, mais la sauce, ah, c'est correct. C'est de la poudre, ouais. C'est de la sauce en poudre. Ouais, ben, c'est pire. Quand tu rencontres un végétarien qui est plus gros que moi, il mange la crise de la poutine, là. Ok, check ça quoi, là. Check quoi? Je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe, par exemple, là, en ce moment, dans ce poêlon-là. Moi, je te voudrais check le chat. Il y a Marie-Ali qui t'a envoyé une petite liste. Pour une omelette vegan, normalement, c'est avec la farine des pois chiches, just saying. Ok. Mais bravo. Il va arriver à quelque chose, bon. Fatbook est pas confiant pour l'omelette. Ben, soit que ça va juste tout évaporer au complet, ou que. Oh, une bouchée de blanc là. Une bouchée de blanc. Mes steaks. Ta salade. Oui, ma salade, ça s'en vient, Alors, t'écoutais-tu les deux vieilles madames italiennes qui cuisinaient à PBS les samedis après-midi? Non, c'était moi j'ai eu la chance, de, par exemple, en parlant, je ne sais pas bien madame, mais italienne. Ouais. J'ai donné des cours dans le temps. Ok. À Mezzaluna. Oui, absolument. Avec Elena. Wow. Une sommité des classiques italiennes, ben, maman. C'est une pionnière, pour vrai, à Montréal, là, c'est fou. C'est ça, fait qu'elle m'a donné une couple de petits trucs. C'est ça, là. Il se passe de quoi, hein? Il se mettrait de l'eau aussi, il se passerait de quoi, un moment donné? Non, ben là, bon, on sait pas trop c'est quoi qui se passe, mais il se passe de quoi, tout le monde? Je vous dis. On va pas fumer l'expérience avec ça. Pendant ce temps-là, on va prendre une vraie recette, on va faire des steaks d'espadon. On va s'hacher un peu de persil, ok? On a pris du persil plat. Moi, j'aime bien le persil plat. Le persil frisé me fait chier. Parce qu'il dégage trop de jus, puis il colle ensemble. Le persil plat, tu sais, tu ciselles vite.
Il pogne mieux entre les dents. Il pogne mieux entre les dents. Oui, mais ça, on dit tout le temps, le persil, ça vient contraindre. La mauvaise haleine. La mauvaise haleine, c'est pas ça. Hein. Exactement. C'est aussi la mauvaise haleine. Dans le temps, tu mettais. Elle vient de 4 fois. C'est sûr qu'il va se passer de quoi, là. Check ça, là. On est quasiment rendu à ce qu'il se passe quelque chose. T'es sûr d'arrêter de fumer? Non. Non, hein? Des petits flashbacks des fois. Il y a de quoi qui se passe. Tu sais, j'aurais pu mettre la sauce soya, il serait passé de quoi aussi. Non, je juste dire ça de même. Hein? Ok, il se passe à rien pour vrai. Je t'avais abandonné. Je laisse aller un petit 30 secondes de plus. Ça m'en occuper, il va arriver quelque chose. On voit, on a rien mis dedans, fait qu'on le gaspille pas. C'est bon, ça. Ah, écoute, si on arrive à faire. Tu arrives à faire quoi que ce soit avec ça? De quoi tu salis, c'est ça? Quoi que ce soit de comestible qui sort de ce poêlon-là, je vais être vachement impressionné en ce moment, pour vrai. Peut-être que mon poêlon avait été plus petit, qu'est-ce que t'en vas? Non, ça allait juste réduire plus vite. Ben écoute, faut l'essayer. C'est bizarre. C'est bizarre. Disons que ça risque pas d'arriver dans mes restos. On verra pas ça. Je pense pas que tu vas voir ça au trois tiers cette année. Non, mais hey, tu connais Michel Barrette, il aime pas les œufs. Fait que tu sais, tu pourrais faire une omelette. Il mange pas d'œufs. Tu pourrais faire une omelette au pois chiches. Ouais. Ok, on est pas convaincus, hein. On le lac, c'est ça qu'on est en train de faire? On va le laquer au pois chiches. Il t'a dit que j'avais eu plus de jus. Je vais le réessayer, ok? C'est quoi défi ça? Défi de la semaine. Oui, défi de la semaine, vraiment, cette semaine. Sur Snapchat, je vais faire vraiment tout ce qu'on peut avec la fameuse eau de pois chiche. Puis on va démystifier ça une fois pour toutes. Parce que là, sans niaiser, ça ressemble plus à la fin du Steak and Blowjob Day, ça, que d'autre chose. Sans niaiser, là. Ça m'impressionne pas, ben. Hey, c'est où tes épices? Ben, il y en a quand même pas mal, ça m'impressionnerait, moi. Ça, c'était vraiment. C'est un Peter North, ça. Qui a pas travaillé toute la semaine, là. Pour les jeunes, vous irez googler c'est qui Peter North. Oui, une légende de notre adolescence. Pis là, t'es encore vivant. Oui. Ron, tu connais Peter North? Non. Oh, t'as pas écouté assez de pornographie. Non, mais je connais l'autre, Jeremy. Oui, Ron, Ron, il s'appelle Ron en plus. Ron Jeremy, j'étais allé le voir lui, juste pour rire. Il était juste pour rire. Ron Jeremy a fait un film au lieu de Being John Malkovich. Oui, Being Ron Jeremy, absolument. Il était venu le présenter au cinéma L'Amour. C'est un Christ de bon film en plus. Oui, c'est vraiment. Being Ron Jeremy, c'est très bien. Il est tellement laid en vrai. Là. C'est. Ah ouais, hein? Il est petit, il a pas de cou, il est en dessous d'Adidas. Non, là, après ça, il dit la vérité. Il dit, moi, je sais que je suis net. J'ai fait l'amour à 2000 quelques femmes. Il a jamais fait l'amour sans être payé. Ça, c'est facile. Ben, c'est ça qu'il dit. Il dit, j'ai fait l'amour à 2000 quelques femmes. Sinon, là, je suis tellement lettre que j'aurais peut-être eu 2 ou 3 dans ma vie, là, pas plus. Là. Oh, max. 2000 seulement? J'aurais pensé qu'il y avait des meilleurs stats que ça, vraiment. T'es déçu comparé aux autres kiss? Ouais. Ben, Chris, c'est Ron Jeremy, je te dis. Fait que vraiment, juste une olive. Hey, tes épices à steak, là, Joe Beef, là. Mais ça là-dedans? Ça là-dedans, là. C'est débile pour vrai. Non, on prend de la hotte, je pense. Ah ouais, fais-tu du bruit bizarre? Ben c'est oui, un petit peu, puis on a une suggestion, tant qu'à y être, ça marche pas. Il y a 8-8 qui suggère eau de pois chiche, whisky, pourquoi pas, un cocktail. Oh! Pourquoi pas? Rendu là. Mais des pois chiches, pour vrai, c'est bon pour la santé. Puis on mélange ça avec n'importe quoi qu'on a là. T'sais, on passe dans les légumineuses en canne, pour vrai, là. C'est ce qu'il y a de meilleur. Absolument. C'est la deuxième semaine, je sais que je fais des pois chiches. Je sens freak les pois chiches. Mais je trouve que c'est comme du riz ou des pâtes. Ça fait changement. Puis on peut passer à peu près tous nos restants qu'on a dans le frigo. Oh, ça a tout ça inclus de poche. Du citron, n'importe quoi. Absolument. Et où, c'est même moi. J'avais une lime dans mes poches, je ne l'ai plus. On aurait pu mettre. Dans la poche en arrière, non? Ouais, exactement. Mais c'est... même moi, voyons, en restauration. J'aurais plus utilisé des pois chiches en canne que des secs. Ah ouais, hein? Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont prêts. Non, mais quand t'es cuit, t'es pas vraiment capable d'arriver à la même texture. T'as des pois chiches frais, qui sont rares, mais ça l'arrive aussi. Ouais. Parce qu'ils sont frais, ça vient quand même de quelque part.
Ça, c'est de la job à faire. Là. Juste comme ça. Ça, c'était une autre petite recette estivale d'été. Puis encore une fois, ben, on n'a pas gaspillé notre restant d'espadon. Quand même, un steak hein, à 8$, on veut pas jeter aux poubelles. On a gaspillé quand même l'eau de notre canne de pois chiche. Ouais, gros mais c'est pas grave parce que avant aujourd'hui, on l'a crissé aux poubelles de toute façon. Fait qu'on... on va la laver. Puis on va juste continuer à la crisser aux poubelles suite à notre expérience scientifique, je crois. L'échec mémorable, je pense. Ça va être ça. Écoute, on va goûter à ça vite, vite. Là, ben, hey, ça c'était du bon filler sans niaiser pour terminer l'émission. Mine de rien, ça fait 3 heures qu'on cuisine. Quand même assez. On a pris notre temps. Oui, on a pris notre temps en plus. Ben oui, absolument. On aurait pu te bourrer ça en une heure. Là. Ben, c'est ça la beauté, moi, je trouve. Tu sais, c'est ça. Si j'essaie de montrer au show que le party, ça se passe dans la cuisine. Ah ben, on prend notre temps, on se grouille pas pour faire de la bouffe. On s'installe autour de l'îlot, autour de la table de cuisine. Tout le monde met la main à la pâte. Tu sais, même Phil, il était pas. Malgré que il m'a impressionné avec ses talents de cuisinier, pour vrai. Oh, c'est bon que tu fais quelque chose, là. C'est bon, ça, c'est enfin. Ouais. Ça, là, c'est une belle recette estivale. Le petit parmesan, là. Ah, ouais. En plus, il fait beau, là. Le parmesan avec les pois chiches, c'est le carré, en plus. Les tomates séchées. Tu te rappelles de l'Italie, le chien qui mange le plancher. Sans niaiser, JP. Mille merci, man. Parce que, plaisir. On disait que Phil Laprise est occupé, mais toi tu travailles pour vrai. Tu fais pas du bicycle dans ton garage. Non, je n'ai pas le temps de faire 2 heures de bicycle. Non, mais pour vrai, à partir de Saint-Marc-sur-Richelieu, t'en es ici. On va visiter Jean-Philippe Saint-Denis. Pour vrai, vous voulez vous payer comme une soirée spa, hôtel avec votre blonde? On n'a plus de spa. Vous n'avez plus de spa, c'est vrai. Okay, une soirée hôtel spectacle. Michel Barret fait des super spectacles, soirée spectacle. Il y a des deals avec un spectacle. Souper. Moi, j'ai visité les chambres. Ils sont malades, c'est les chambres. C'est des suites. C'est pas des appartements, là, littéralement. Juste prendre une douche, juste prendre une douche, pour un bain. C'est 400 bains doubles. Non, mais c'est des gros bains doubles. Parfait pour un week-end amoureux, à 1h de Montréal. There you go. C'est abordable, en plus. C'est un super beau, un super beau secteur, une belle région. Sur ces temps-ci, on a un deal. La nuit, souper, déjeuner, 2 personnes, 300$. Ah ouais, Chris, ça me coûte ça pour souper habituellement. Fait que, pas assez, pas à la barre 50. Non, je suis pas à la barre 50 quand je paye. Mais non, parce que c'est vraiment un bon mais plus l'alcool après. Absolument, wow. Mais tu dors, t'es un demi-heure dans Montréal, quelqu'un qui fait garder les enfants. Dimanche matin, tu dis ok chérie, il est 11h. Ah, on t'arrive à la maison à 11h30. Une place sur de ta rivière, ça fait, la terrasse, ça va ouvrir. Si tout va bien, il va sûrement les gens encore. Incessamment, exactement. Mais tu sais, la terrasse, ils l'ont installé hier. J'étais au maître d'hôtel. C'est sûr qu'il va neiger là. On est juste quoi, 10, 12 mars? Il neigera plus, man, c'est fini. J'aimerais ça. Dis. Non, je descends cette semaine, il y a un mail de printemps. Hey, pauvre gros, merci à Phil Laprise qui s'est déplacé lui aussi pour. Qui est parti de la rive sud jusqu'à la rive nord de Montréal pour venir faire le show. Merci à tout le monde dans le Twitch. Je suis pas encore habitué d'avoir deux colonnes de chat, fait que j'suis un peu dépassé par les événements. Je vais m'habituer, je vais plus dialoguer avec vous dans les shows à venir. Merci à toutes mes habitudes BLC Live qui sont dans le chat habituel de YouTube. Je vois justement là, les noms de tout le monde que. Oh, Black Tabou, vidéo, il est là, Richard Mangemarais. Richard, tu connais-tu Black Tabou? Ouais, je ne chanterai pas étonne, mais non, ça joue dans toutes les cuisines. Hein? God bless de Topless, on connaît bien ça. Richard, on te salue, man. Je vais slacker ta laisse. Oui, exactement. C'est un bon cuisinier, je vais slacker ta laisse. C'est ça qu'il disait dans le show. Oui, bien sûr. Ah, on est tout à content quand Richard est là. D'ailleurs, Richard, il donne 6,66 par show. Lui aussi, à coup de 6 shows qu'il fait ça, comme ça, tu sais, 6. Comme ça, on reste bien hydraté. Absolument. Mon Dieu. J'ai vu ton tatou fuck la mode avant aussi. Avant qu'on aille offline, oui. On a eu une demande, plusieurs demandes, pas juste Cécile. Elle aimerait ça qu'on voit les tatous, en fait. Elle aime toujours ça, voir les tatous. Lesquels? Si t'as le goût d'en montrer un, d'en parler. Oui. Ah, ben non, mais j'en ai un ici. Il y en a un peu partout. T'en as-tu sur le chest? Non, le chest est trop gros. Ah, ça, c'est une peinture de Picasso. Oui, on va y mettre ici, au-dessus. Là, on va y mettre, c'est mon bras. Ouais. Yeah! Ici, oh, attends, ici en haut, ça c'est un... Ça c'est quoi, non? Ça c'est un peinture célèbre. Ça c'est un cheval de Guernica, de Picasso. OK. Ça c'est le cri de Munch. Ouais. C'est les réfugiés de la guerre. On va y mettre, là. Oups, excuse. Correct, le cri de Munch. Yes. Après ça, on a un truc mexicain, un peu plus. Ici, on a une plaque d'auto thaïlandaise. OK. Là, c'est la plaque d'auto en Thaïlande, c'est ça? C'est marqué Thaïlande en bas. Là, c'est marqué bas. Bas, ça veut dire fou, crazy. Ouais. 666. Ça veut dire 666. Ouais, mais le gars, ils connaissent pas ça. Là. Oh, ouais. Le gars qui me tatouait ça, 666, le diable, lui, il ne comprenait pas ce qui se passait. Ouais, il va triper. Après ça, j'en ai un bloc. On est rendu, hein? Fuck la mode!
Donc, la mode, les gens l'avaient spoté. Pas clairement. La toile d'araignée, la toile d'araignée, on sait. La toile d'araignée, là, on va dire. Il y a plusieurs versions de ce que ça veut dire. Moi, j'ai tout le temps su que c'est un bar rat. Quelqu'un qui est vraiment tout le temps assez au bar. Puis il est tellement au bar qu'il y a des toiles d'araignée qui poussent. Ouais, ben, ça, il y a des histoires de toiles d'araignée, c'était allé en prison. En tout cas, ça, ouais, mais ça, c'est comme la lampe, tout. Je veux pas le savoir, je veux juste pas aller en prison. Tu veux pas l'apprendre de la dure façon. J'essaie de garder ça, j'essaie de garder ça de même dans ma vie. C'est pas mal, ça, il était tout un corbeau, un poisson. Donc, hein, c'est tout la c'est même pas même juste que... un show de cuisine, c'est de l'art. C'est de la mode. C'est de la mode. Hey, Tony, c'est gros merci à tout le monde, tous nos donateurs, tout le monde qui participe, qui rendent le show possible. Merci à Alexis et Mathilde aussi à la réalisation de cette émission. On n'a aucune idée qui vient la semaine prochaine. On essaie de... Mathieu Bonnet, let's go, man. Confirme-nous ça, si on aimerait ça que tu viennes la semaine prochaine. Et sinon, mais j'essaie d'avoir Valérie Chagnon qui voudrait faire un tour, t'as connu-tu? Bien sûr, non. Non, ah, c'est une mixologue. Ah, ok. Elle est vraiment le fun de l'arbre. C'est une petite punkeuse qui fait des drinks puis elle fait des cocktails comme personne. Fait que ça va une brosse la semaine prochaine. Ça va peut-être être eux autres puis ça va peut-être être d'autres mondes. C'est ça la beauté du live sur le web. Merci à tout le monde et vous pouvez voir l'émission en reprise toute la semaine. Puis sinon, ben, embarquez dans la communauté Bob le Chef Live en vous joignant à notre page Facebook, les habitués de BLC Live. Merci, à la semaine prochaine tout le monde. Dating Game, goodbye. Mouah.